bien, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Émission très spéciale ce soir puisqu'on va parler de Resident Evil avec un invité de marque que vous connaissez peut-être mais pour d'autres peut-être pas. Il s'agit de Derek Strife. Bonsoir Derek. Bonsoir DG. Alors vous connaissez peut-être Derek parce qu'il a participé à la rétrospective Phantom Pain. Rappelle-nous ton rôle dessus. J'avais travaillé sur le hacking, Ouais. donc tout ce qui consistait par exemple enlever le personnage principal de l'écran titre, remplacer les textes, etc. etc. Et tu bossais avec Pliskin et je vous en ai fait chier. Tu peux dire à quel point t'as été maltraité pendant des mois. Ah bah ça, il y avait même eu un live où t'étais avec nous. Et on était en train de souffrir là-dessus. Voilà, vous avez bien bossé, mais Derek n'est pas seulement un gros travailleur, c'est aussi un vrai passionné Resident Evil. Est-ce que tu peux rappeler aux gens comment on s'est connus? Ah bon, c'était connu sur un live de piscine. Ouais. Donc le site sur MGS. Puis on s'était mis à parler de Bio, et puis j'avais mentionné ma rétro Biohazard, et puis on avait commencé à discuter, et puis... Bon, on en est arrivé du coup à se parler en privé et puis à bosser ensemble quoi. Tu te rappelles que ce qui est incongru, c'est que tu m'as dit, ta rétrospective, c'est bourré de trucs inexacts, je vais rétablir la vérité. C'est ça. Ouais. Bah je t'avais même dit que sur la forme elle était très jolie, mais sur le fond il y avait beaucoup trop d'erreurs. Mais ça de toute façon c'est commun en Occident pour le coup. Alors c'est pour ça que tu es là ce soir, parce que du coup tu vas nous expliquer un petit peu ta vision de Resident Evil ou plutôt de Biohazard. Faut dire quoi, plutôt Biohazard ou plutôt Resident Evil? Moi je dirais Biohazard, parce que quelque part Resident Evil c'est un petit peu une autre version de Biohazard en fait. Tout découle de Biohazard et Resident Evil c'est une autre vision de la chose. C'est pour ça que je fais toujours la distinction, c'est pas juste une différence de nom, c'est aussi une différence de traduction, c'est aussi une différence de game design, parce que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, mais ouais, on va tout de suite rentrer dans les détails, mais quand tu prends Biohazard au Japon, le jeu il n'est pas aussi difficile qu'en Occident, il y a une visée automatique. Les ennemis sont plus faibles, tu prends moins de dégâts, etc. Et en Occident, ils avaient augmenté la difficulté justement parce que les gens louaient les jeux en Occident. Donc déjà à partir de là, il y a une différence de vision parce que les gens en Occident se disent c'est très difficile alors qu'au Japon, pas du tout. Donc déjà, il y a une différence de vision entre les deux. C'est pour ça que moi, quand je dis que je parle de Biohazard, c'est parce que pour moi, Resident Evil n'est qu'une autre version de Biohazard. Mais c'est aussi par rapport au scénario. Tu m'as dit qu'il y avait des erreurs de traduction et qu'en fait le vrai scénario on peut le comprendre qu'en faisant la version originale. C'est ça. Parce que au niveau des traductions, c'est vraiment quelque chose. C'est très mal fait. Après, bon, 96, donc en 96, on pouvait pardonner les erreurs de traduction. Surtout qu'en plus, il faut le rappeler, hein, pour Biohazard, c'était le premier jeu en 3D de Capcom, et en plus, ils allaient faire banqueroute à cette époque-là. Attendez, juste, je vais vérifier que le son. Vous pouvez me confirmer dans le chat, messieurs, que le son est bon, que vous entendez bien notre invité. Est-ce qu'on est bon? Et en intro, en introduction, c'est un choix musical de Derek très incongru. Il a choisi Resident Evil Dead Aim. Donc, apparemment, Gun Survivor 4, c'est ça? Ouais, Gun Survivor 4, ouais. Que je n'ai pas fait. Donc, peut-être qu'on en parlera. Moi, j'ai prévu qu'on parle vraiment de la saga globalement. Surtout les épisodes canoniques, mais aussi pourquoi pas des révélations. Et si tu veux un peu te lancer sur Gun Survivor, pourquoi pas, on pourra en parler aussi. Bah, le truc, c'est que même les Gun Survivor sont canons. Le son est bon, nickel. Et voilà, je suis content. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas Derek, alors première chose, il est en train de concocter une rétrospective Resident Evil. Et deuxième chose, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description une fois le live terminé, d'accord? Parce que là, je pense qu'il va vous apprendre pas mal de trucs intéressants. Et sachez qu'il prépare un gros truc. On en est à combien? Alors, on va commencer avec ça, avant de partir sur Biohazard. T'en es où de la complétion de la rétrospective? Avant que mon PC crame, il y a un an de ça, j'en étais à 30% du montage. Ah, quand même, à 30% du montage. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu chier parce que j'étais en chômage technique pendant un an. Ouais, j'avais pas mal enchaîné le montage, ouais. Donc là, mon nouveau PC, il me reste plus qu'à rebrancher l'ancien disque dur et puis on devrait être bon. Est-ce que tu avais fait tout le squelette avec ta voix? Donc tout ça, tu l'as sauvegardé, rassure-moi. Enregistré sur mon ancien disque dur. Bon après, si jamais tu as besoin d'un coup de main, je pourrais te prêter un peu d'aide pour le montage, tu me diras. Ça, je pourrais t'aider sur quelques trucs. Mais donc du coup, ça pourrait sortir quand? Je le dis tout le temps, hein, 2000XX, hein, parce que je préfère, parce que j'avais déjà donné des dates à l'époque, et puis dû à de nombreux soucis, finalement elle n'est pas sortie à temps. Donc je préfère éviter de donner une date.
Mais moi, personnellement, là de tête, si je me mets à bosser maintenant, je me vois bien la sortir cette année en fait. Ah, j'espère que ça sortira cette année. Est-ce qu'on peut spoiler le nombre de pages du script? Bah, y a quoi? Il y a 120 pages. À ton avis, ça va durer combien de temps? Ah, déjà, j'ai à peine monté quelques parties, c'en est déjà 1h30. Donc c'est même pas 30%. Donc à mon avis, là, on est parti pour du 4h, 5h hein, de vidéo, à mon avis. Donc tu vas exploser le record mondial de la rétrospective Metal Gear. Allez, des chances, en plus, j'ai même pas parlé des spin-offs, j'ai même mis de côté certains opus pour m'y consacrer plus tard, parce que sinon la rétrospective aurait été beaucoup trop longue. Est-ce que ton but c'est de sortir en une fois ou en plusieurs parties? Au début, je voulais faire une seule partie, puis je me dis qu'au final, c'est peut-être mieux de la sortir en plusieurs parties, en fait. Je pense que c'est mieux, en fait, finalement. Ça correspond plus à l'air du temps en tout cas. On verra bien comment je vais faire le truc à la fin, mais en tout cas, là, pour le moment, moi, je pense le sortir en plusieurs parties. D'un coup, mais en plusieurs parties. C'est peut-être plus raisonnable. Est-ce que ce qu'on a vu du trailer, ça va être dans la rétro, tu sais, la timeline là, avec les PNJ et tout? Je pense pas. Pour le coup, ça, c'était vraiment une idée que j'avais juste eue pour les bandes annonces. Ah, ça, tu sais, tu devrais le garder pour l'intro, pour le générique. Enfin, à moins que t'aies prévu un truc mieux, mais. Il y a d'autres choses de prévues pour l'intro pour le coup. Ok, bon, je crois qu'on a hâte de voir ça. J'espère que ça va sortir cette année, mec. Je t'aiderai en tout cas si jamais il y a besoin. J'espère aussi. N'hésite pas à me solliciter. Il faut que ça sorte cette année. Donc, on annonce, écoutez, peut-être une sortie en 2019, messieurs. Et donc là, on va partir sur l'ensemble de la saga. Donc, on va commencer avec le premier opus sorti en 96, Resident Evil, un jeu de Shinji Mikami et de Tokuro Fujiwara. Ah, Derek, c'est à toi d'en parler. ça me fait plaisir que tu cites Tokuro Fujiwara, hein, parce que beaucoup de gens l'oublient, alors que c'est lui la base du projet. Biohazard, c'est 96, et donc un jeu assez étrange, parce que il sort à une époque où Capcom est dans la merde. En plus, c'est leur premier jeu en 3D. C'est un remake, chose qu'on oublie très souvent. C'est Fujiwara qui lance le projet pour faire un remake de Sweet Home. Et donc il met des jeunes dans l'équipe, parce que c'est un jeu de jeunes, hein, la plupart des membres de l'équipe ont la vingtaine, et la plupart sont des débutants. Et on en arrive au final à un jeu qui redéfinit le jeu vidéo à cette époque-là. Parce que 96 est une claque sur tous les points quand il sort, graphiquement, en termes de gameplay, de game design, de level design, même en termes de scénario. Alors oui, en Occident c'est pas le cas, parce que ça paraît cucu, ça paraît nanar. Mais au Japon, le truc a gagné quand même un award de storytelling. Donc c'est dire à quel point le jeu était une claque. Que dire sur le jeu, en fait, à part que c'est une base qui est excellente. Je pense avoir fait le tour du truc, en étant assez synthétique. Ouais, par rapport à Alone in the Dark, est-ce que toi aussi tu vois du pompage ou est-ce que tu penses que Resident Evil était précurseur? Bah, il y a une inspiration à Alone in the Dark, ça c'est clair et net, surtout sur le point de vue technique. Mais de toute façon, Fujiwara s'accorde à dire qu'il y a une inspiration, très clairement. Mais c'est plus une inspiration technique pour le coup. Au niveau des décors précalculés, ce genre de choses, même au niveau du déplacement des personnages. Mais globalement, tout ce qu'on peut voir en termes de design artistique, pour le coup, c'était quelque chose qu'il y avait déjà dans Sweet Home. Et dans tous les cas, en fait, ce qu'on peut voir artistiquement, qu'on peut se dire, ça vient d'Alone dans Bayo. De toute façon, Alone s'inspire beaucoup de Lovecraft. Donc, vu que Bayo s'inspire beaucoup de tout ce qui se faisait de l'horreur à l'époque, dont Alien, Terminator, etc., etc. Parce que je qualifie Terminator de film d'horreur, hein, pour le coup. Ah, le premier, oui. C'est clairement orienté film d'horreur. S'il y a une inspiration à Alone, mais c'est pas du pompage, selon moi. Et puis, même si on voit juste les choses froidement et qu'on se dit ça y ressemble, parce que ça y ressemble de toute façon, Biohazard est une perfection, ce qui n'est pas le cas du premier Alone, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de défauts. Et dans tous les cas, 96 se démarque beaucoup d'Alone, puisque Alone, c'est plus de la fuite et des énigmes, alors que Biohazard, c'est plus du combat et des puzzles. Donc pour le coup, il y a vraiment une différence de vision entre les deux. Le premier survival horror pour toi, c'est Alone in the Dark ou Resident Evil? C'est Biohazard. Ah, De toute façon, c'est Biohazard qui place le terme, et en on est plus de d'accord. ça, Capcom l'a défini d'une manière très spécifique, et les jeux d'avant n'avaient pas cet aspect-là. Même pas Sweet Home, pour le coup. On est Ce qui d'accord. fait que...
La manière dont Capcom définit la chose, et d'ailleurs c'était même Mikami qui définissait le truc à l'époque, mais il disait lui-même que le survival horror n'est pas un genre où on fuit des choses qui nous effraient, mais aussi quelque chose où on peut exploser les choses qui nous font peur pour avoir une excitation qui se ressort de ça. Et Capcom explique les choses très froidement aussi en définissant le survival horror en quatre termes, à savoir peur, combat, gestion d'inventaire et recherche. Et donc du coup, le problème c'est qu'Alone n'a pas le combat. Alors effectivement, tu peux affronter des ennemis, mais c'est vivement déconseillé, il n'y a quasiment pas de recherche dans le jeu non plus. Donc du coup, c'est vraiment Biohazard qui définit ce qu'est le survival horror, puisqu'il le crée. En s'inspirant bien sûr de ce qu'il sait faire avant, mais c'est Biohazard qui le crée. Est-ce que tu peux nous lâcher quelques infos sur le premier en termes de différence scénaristique entre Biohazard et Resident Evil? Je sais que t'en gardes sous le coude pour la rétro, mais est-ce que tu peux nous lâcher quelques trucs? Déjà, je pense juste au début du scénario de Jill. Ouais. En anglais, donc même en version française, hein, elle est plus en mode oh, je sais pas ce qui se passe, bon, c'est pas grave, vas-y, on continue. Alors qu'en japonais, elle a une manière de s'exprimer où tu sens que même si c'est une soldat entraînée, elle est en train de se dire qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, où est-ce qu'on est, putain, je pige rien. Elle est vraiment perdue, il y a vraiment une. Là, c'est juste pour le côté psychologique des personnages. Hein. Mais même vis-à-vis de Wesker, bah là, il y a une grosse différence de dialogue entre ce qu'il dit en version américaine et en version Jap. En version américaine, il parle du tyran comme si c'était juste une arme ultime. On a l'impression de voir un mauvais méchant de James Bond. Alors qu'en japonais, il est en train de dire que c'est quelque chose qui peut infecter l'Homo sapiens et permettre l'évolution de la race humaine. Donc on est complètement dans l'eugénisme, quelque chose qu'on ne retrouve pas donc dans la traduction américaine. Et ça, c'est présent dans les dialogues ou aussi dans les documents? C'est présent même dans les documents. D'accord. Par rapport à tous les autres épisodes qui vont suivre, est-ce que c'est un des plus mal traduits, un des plus mal adaptés, ou est-ce que c'est au contraire un des plus fidèles? 96 est un des plus mal traduits de la série. Ah d'accord, donc ta rétrospective permettra de voir les différences là-dessus. Bah, je cite pas tout le script parce que bah, ça serait trop long, mais je fais un résumé de scénario basé sur le script japonais et je mets des comparatifs entre la traduction et le script original. Mais tant qu'on y est, on va parler du remake. Est-ce que le remake sorti sur GameCube en 2002 change des défauts de traduction? Il traduit mieux, mais en plus c'est ça le truc qui est très drôle parce que j'ai souvent vu cette remarque-là. On dit que le remake est mieux même scénaristiquement parce qu'ils ont réécrit le scénario. Or, en japonais, le scénario est à 80% exactement le même en fait. Même en japonais, on retrouve exactement les mêmes kanji, le script est quasiment le même. Par contre, effectivement, ils ont fait un meilleur travail de localisation. Donc pour le coup, on a quelque chose de mieux traduit. D'accord, donc tu conseillerais plus aux gens de se mettre sur le remake? S'ils veulent une traduction plus juste, le remake est effectivement mieux. Ouais. Mais après, il rajoute des pans de scénario qu'il n'y avait pas dans l'original. Donc à partir de là, moi je conseillerais de faire les deux en fait. Au-delà de parler japonais, il y a une traduction complète qui existe quelque part du script japonais? Personne n'a fait la traduction en entier. Et toi, tu l'as? Mais moi je l'ai, ouais. D'accord. Bah, j'espère que ta rétro permettra d'y voir plus clair, parce que moi, je t'avoue que j'ai fait que les versions occidentales, évidemment, comme tout le monde, je pense ici, enfin la plupart des gens, peut-être 2-3 personnes qui l'ont fait en japonais. Mais je suis curieux vraiment de voir à quel point ça change le scénario et tout l'aspect philosophique de la saga. Donc si tu veux, on passe aux deux, alors là tu peux nous expliquer. Bah, je veux juste dire un truc vite fait Ouais. sur 96 parce que je pense que c'est même important pour passer aux suites en fait. Ouais. C'est l'optique de la manière dont Capcom a fait Biohazard en fait. C'est que Biohazard, ça se veut comme une histoire d'horreur de base, hein, c'est la base narrative de la chose. C'est une histoire d'horreur. Donc effectivement, il y a un background, on parle d'eugénisme, on parle d'économie, on parle de géopolitique derrière. Mais elle ne doit pas être intrusive par rapport à l'expérience. Elle doit être là, mais elle ne doit pas brider l'expérience de jeu. Et quand je parle d'expérience de jeu, c'est vraiment de jeu, de gameplay. C'est pour ça que tous les bio vont suivre un petit peu cette trame-là. Donc c'est te mettre une trame qui est intrinsèque à chaque opus, avec un background extrêmement développé dans le fond, que tu peux suivre ou pas si ça t'intéresse. Ah, tu veux dire que si on zappe les documents, on loupe tout cet aspect-là? C'est ça. C'est-à-dire que, bah, par exemple, bon, ça on a bien raconté, ça je le mets de côté, je reviendrai là-dessus sur Biohazard 3 parce que c'est très intéressant pour Biohazard 3. Mais du coup, la manière dont c'est conçu, c'est vraiment qu'on doit pouvoir s'amuser avec le jeu. C'est-à-dire que l'histoire ne doit pas se mettre en travers du jeu.
Et c'est pour ça que juste avoir une histoire d'horreur assez simple, mais qui marche bien pour l'époque, parce qu'on est en 96, c'est un des premiers jeux d'horreur, du monde 3D. Du coup, il ne faut pas que ça soit intrusif. Et en plus de ça, c'est une série aussi qui est basée sur le mystère. Du coup, même s'il y a des choses extrêmement bien développées dans le jeu, au niveau narratif, le jeu demande à ce que toi-même, tu ailles rechercher ces choses-là, que tu les comprennes par toi-même. C'est pour ça que, même en japonais, quand Wesker parle devant le tyran, c'est pas un discours qui est très long. Parce que tu es censé comprendre par toi-même ce qu'il veut dire dans les choses qu'il veut dire, en fait. C'est vrai, Ça mais ne doit pas. est-ce que c'est un truc que tu as déduit de toi-même en jouant au jeu? Est-ce que tu te bases sur des interviews des développeurs? Même les développeurs en parlent. Hein. D'accord. Ils disent tout le temps que la base de Biohazard, c'est le puzzle, c'est le mystère, c'est l'énigme scientifique. Donc c'est vraiment la narration est pensée comme ça. Bien. Et un truc, je vais rebondir aussi parce que tu dis au début, là, tu sais, t'as dit tout à l'heure, que Tokuro Fujiwara est plus responsable de la création de Biohazard que Shinji Mikami. Pour toi, je sais que t'aimes pas Shinji Mikami, j'aimerais que tu développes un peu ça. Bah, c'est pas que je déteste Shinji Mikami en fait. C'est un peu comme Nomura chez Square en fait. J'aime pas ce côté qu'ont les Occidentaux pour le coup parce que ça c'est quelque chose qui existe quasiment pas au Japon. C'est ce côté, il y a un seul chef de projet, le reste on s'en bat les couilles en fait. C'est ce côté-là que je supporte pas. Parce que bah, dans le cas même de la team Bio, pour eux quand ils parlent de Biohazard, ils se disent bah, on a tous fait le truc ensemble en fait. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un au-dessus. Pour le coup, si je dis que Tokuro Fujiwara est le créateur de Bio, parce que c'est lui qui a lancé le projet, c'est lui qui prenait les choix les plus importants, c'est pour ça que je dis que c'est lui le créateur, c'est celui qui dirigeait le projet. Mais de fait, c'est surtout l'équipe de talent qu'il y avait à l'époque. Il y avait Yasuhiro Hampo, il y avait Hideki Kamiya, il y avait Oda, etc., etc. C'est plein de gens qui reviendront plus tard dans la série en plus. Et en plus, Mikami arrive à la moitié du développement. Ah ça c'est intéressant, je savais pas. Il arrive à la moitié du développement. Arrive à la moitié du développement. Donc le jeu était déjà en développement depuis un an. Il arrive après. Donc moi le problème que j'ai avec Mikami, c'est que le mec a souvent tendance à se contredire en interview sur des faits, à même contredire ce que d'autres développeurs disent, etc., etc. Et quand tu fais de la synthèse de données, tu te rends compte que beaucoup de choses que dit Mikami sont fausses en fait. Et Comment? là est tout le problème. Après, ça reste un excellent développeur, je pense que bah, comme la plupart des membres de la team Bio, hein. Si Mikami n'avait pas été là, Biohazard ne serait pas ce qu'il était. Comment ça se fait que Shinji Mikami a hérité après de la production et de la réalisation? Bah, il est juste devenu producteur après, parce que c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, Mikami n'a pas eu beaucoup d'importance dans la série après, en fait. C'est-à-dire que celui qui gérait majoritairement la série, d'un aspect global, c'était Okamoto. Et Okamoto, c'était quelqu'un qui était là déjà depuis 96, et il est devenu superviseur de la série à partir de Bio 2, et c'est lui qui proposait la plupart des idées et qui essayait de gérer une cohérence au sein de la série. Mikami disait lui-même, en interview, qu'à partir du moment où il était devenu producteur, il comptait juste l'argent. Son rôle était juste de compter l'argent. Et il voulait pas s'introduire dans le développement des jeux, parce que selon lui, un producteur est là que pour compter le pognon. Donc Mikami n'a pas eu beaucoup d'importance. En fait, il était juste là pour le marketing après coup, en fait. Et comment ça se fait qu'il a été autant propulsé en avant par rapport aux autres? C'est incroyable ça. Parce qu'il est producteur. Oui, mais Ça, il est producteur, il était directeur du premier Bayou. Donc d'un pur point de vue marketing, ça se vend mieux, en fait. c'est dingue quand même. Enfin, c'est les lois du marché, hein. Ouais, c'est sûr. Mais tu nous apprends un truc. Mais cela dit, tu sais, il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle le Union Rules. Et récemment, tu sais, il y a Bohemian Rhapsody qui est sorti. C'est réalisé par Bryan Singer et en fait il a été viré du tournage, je crois, 2-3 semaines de la fin. Et le montage n'a pas été géré par lui, ça a été géré par son monteur attitré et ça a été repris par un autre réalisateur. Et au final, le film ne ressemble même plus à la vision qu'il en avait, mais t'as quand même marqué Bryan Singer sur l'affiche, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, ils sont protégés en cas de situation pareille. Mais sur Biohazard, ce que je trouve incroyable, c'est que le nom qu'on met en avant, c'est tout le temps Shinji Mikami sur le premier. Ouais, ben ça c'est un truc d'occidentaux pour le coup. Parce que même si au Japon il revient très souvent en interview, il est toujours présenté comme un producteur en fait. Donc on comprend bien en fait, si tu veux, au Japon il y a cette notion de on comprend qui fait quoi en fait.
Il n'y a pas de. On fait pas du suçage de bites en fait, D'accord. pour être un peu trash. Si on n'est pas là pour ça en fait. On sait qui fait quoi. Et en plus, j'ai même envie de te dire qu'au Japon, ils ont des fan clubs. Donc vis-à-vis de ça, les gars, ils savent très clairement qui fait quoi en fait. Donc là, on va en arriver à Resident Evil 2. J'ai envie que tu nous expliques un peu la genèse parce que tu m'as appris quelques trucs par rapport, tu sais, au Resident Evil 1.5. Tu m'avais montré une démo et donc là, on est sur un jeu d'Hideki Kamiya. Sorti 2 ans après en 98. Derek, c'est à toi. Bah, le développement de Bio 2 commence en 96, je crois même fin 95, si je me souviens, je crois même que le premier ballot n'était pas fini, ils étaient déjà en train de plancher sur un Bio 2. Moi là j'ai pas mes notes, hein, je fais tout de tête. T'inquiète. Le truc c'est que donc si vous voulez, à la base quand ils ont sorti 96, ils savaient pas si le jeu allait marcher. Et en plus ils étaient pas loin de la banqueroute. De fait, le jeu marche très bien au Japon et en Europe. Du coup, ils décident donc de faire une suite. À partir de là, donc, ils décident de mettre Hideki Kamiya dessus, puisque Biohazard 2 devait être un jeu pour le marché de masse. Donc, ça devait être un jeu pour les casuals. Ouais. Donc, il devait être plus action, il devait être plus hollywoodien, ce genre de choses. Donc, ils ont mis Kamiya dessus, puisque Kamiya préfère les jeux d'action. Et en plus de ça, Kamiya est un grand fan de films hollywoodiens. Donc ils ont mis Kamiya dessus. Sauf que, ben, on met Kamiya dessus. Le problème c'est que Kamiya à cette époque-là, il a 25 ans. Il avait juste taffé sur 96 avant. Le mec, il a quasiment pas d'expérience, donc il essaie de faire un jeu. Le problème c'est qu'il copie trop 96. Du coup, ça a causé des problématiques parce que ça donne un jeu qui ne se démarque pas assez de 96. Et quand il se démarque de 96, il enlève tout ce qui fait Biohazard. Donc les décors assez stériles. Même un script qui est franchement à chier. Est-ce que tu peux nous parler de la différence des décors qu'on a entre la version 1.5 et la version définitive? Bah, on passe d'un commissariat de police très réaliste à un commissariat qui ressemble à un musée. Ouais. Donc il y a une différence de vision. Et le truc qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la manière de voir les choses. Au Japon, on fait un jeu vidéo, on n'est pas là pour faire un film en fait. On n'est pas là pour faire un truc réaliste. Le but est de faire une expérience visuelle très intéressante. C'est pour ça que je pense même que beaucoup de gens qui ridiculisent les décors du Bio 2 final, finalement, ça reste des décors mémorables. Et c'est ce côté non réaliste qui les rend mémorables. Mais fait étant, à partir de ce moment-là, ça cause de nombreux soucis dans le développement, puisque c'est un jeu qui finalement, ben, même s'il se vendrait, il se détache pas assez de 96, donc ça causerait beaucoup de problèmes. Et Kamiya ne sait pas écrire, parce que c'était lui qui écrivait le script d'1.5. À partir de là, ils font venir Sugimura, qui était un mec de 50 piges, qui était vraiment un baron du game, hein, pour le coup, parce que le mec avait écrit des trucs de tokusatsu et ce genre de trucs, donc le mec vraiment un gars qui a de l'expérience. Il débarque, il dit non, mais les décors sont trop stériles, ça ressemble pas à Biohazard, le script il n'est pas génial, etc., il faut le revoir. Et à partir de ce moment-là, ils se disent non, mais de toute façon, le jeu marche pas, les critiques de Sugimura sont justes, il faut qu'on recommence le développement. Et donc, ils vont voir Okamoto, et Okamoto lance le feu vert pour recommencer le développement du jeu. Beaucoup pensent que c'est Mikami qui a relancé le développement du jeu, c'est faux. D'ailleurs, même Okamoto en parlait en interview. Il disait que justement, le problème de Mikami, c'est que c'était un yes man. Il avait souvent tendance à dire yes, 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 yes à tout. Et donc du coup, bah, les gars sont allés voir Okamoto plutôt que Mikami en fait. Ah, je sais pas ça. Et du coup, à partir de là, bah, le développement du jeu est reparti de zéro et ça a donné le Biohazard 2 qu'on connaît au final. Donc bah, Biohazard très casual, très action, très hollywoodien. Et qui fait le taf puisqu'il s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Ton sentiment personnel, tu préfères le premier au deuxième? Je préfère complètement 96 au Bio 2. Parce que pour le coup, Bio 2, le problème c'est que. Bah, je trouve, et c'est ça le paradoxe, je trouve que quand j'y joue, il ressemble trop à 96. En fait, il arrive à s'en démarquer tout en suivant le même schéma. Ce qui fait que j'ai l'impression de jouer à peu près au même jeu, en plus dramatique, en plus hollywoodien. Or, moi, ce qui m'a plu dans 96, c'est pas ce côté hollywoodien en fait. Ce que j'aime dans 96, c'est ce côté un petit peu japo-européen. Parce qu'il y a un côté très japonais dans la manière de voir les choses, mais en même temps, il y a une imagerie très européenne dedans. Et puis là, j'ai un Bio 2 où je me tape des rues de Chicago,
Je me tape un script très dramatique, ce qui est pas mal non plus, mais moi pour moi ça colle pas trop à Bayo. Et bah globalement j'ai un jeu un peu plus bourrin, un peu trop facile, qui n'a pas d'élan de génie, et même l'idée de gameplay qu'ils avaient eue, qui était très intéressante, à savoir le zapping système. Donc le fait que les scénarios devraient s'entrecroiser, les choix qu'on fait dans l'un interviennent sur l'autre, bah ils l'ont raté. Et d'ailleurs c'est même pas moi qui fais une analyse là-dessus, hein. Les développeurs eux-mêmes disent qu'ils ont raté le zapping system. Ça fait un jeu du coup qui brille en tant que séquel, mais qui n'apporte pas grand-chose en fait finalement. Est-ce que comme pour le premier, on a beaucoup d'écart de traduction entre la version japonaise et la version occidentale? Oui, pour le coup on en a même beaucoup. C'est-à-dire par exemple, la fameuse scène où il y a Léon qui croise Claire pour la première fois, Ouais. en anglais il dit juste get down, en japonais il lui dit dégage quoi. Genre barre-toi du chemin quoi. Il y a une violence dans le script japonais, tu sens que les gars ils sont pas là pour déconner. Il y a une invasion de zombies, ils sont tout le temps vénères dans le script. T'as même une Claire qui est très vulgaire en japonais, alors qu'en anglais elle paraît toute gentille, toute mignonne. Même au niveau des points de narration intéressantes, en anglais il y a Irons qui dit que le tyran c'est une création du J-virus qui est l'arme biologique ultime. En japonais, il est en train de dire le G-virus est un virus pour promouvoir l'évolution humaine. Donc là, à partir de là, on a deux visions de la chose complètement différentes. Et ça, le script fait ça tout le temps, en fait. En fait, le script Jap et la traduction font ça tout le temps. Il y a des grosses putains de différences comme ça dans tout le jeu. Et Mister X, est-ce que tu peux nous apprendre plus sur ce personnage? Bah, il n'y a pas grand-chose à apprendre, en fait. C'est juste une amélioration du T102 qu'il y avait dans. Enfin, du T002 qu'il y avait dans 96. C'est juste une nouvelle arme, en fait. Un tiroir amélioré. Et le Get Down, j'y vois une référence à Terminator 2. Je pense que Ah c'est mais il y plus en a, hein. intelligent. Bah même dans les guidebooks, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ils listent carrément toutes les influences et toutes les références qu'il y a dans Bayou Hazard. Et c'est à peu près 10-15 pages dans les guidebooks de références qu'il y a. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises Mister X, parce que Mister X, ça vient des romans anglais de Perry. Ça n'existe pas dans les deux scripts. Même en japonais et en anglais, le tyran n'est jamais appelé Mister X. Ah. C'est quelque chose qui est très intéressant. Pourtant, c'est un nom qui est resté dans la communauté. Je ne sais même pas pourquoi en plus. Ah, je Et sais pas finalement, on non peut juste plus. l'appeler tyran, Moi, je l'appelle Mister X. mais par contre, j'ai une anecdote très drôle, et parce Vas-y. que ça colle à ce que je disais au début, que le scénario ne doit pas être intrusif par rapport à l'expérience de jeu. Normalement, dans le canon à cette époque-là, le T109 est censé pouvoir passer pour une unité d'infiltration. Donc il est censé pouvoir passer comme un humain. Or, ils se sont dit dans le développement, si on met une scène où, d'ailleurs c'était ce qu'ils voulaient faire à la base, hein, si on met une scène où il y a Léon qui se dit ah mais attends, c'est peut-être un humain et tout, ça ruinerait l'expérience de jeu, ça ruinerait même l'horreur de la situation. Et donc par conséquent, ils ont préféré une scène où t'as le truc qui déboule du plafond et qui t'agresse direct. Parce que c'était mieux en termes d'expérience de jeu. J'imagine qu'il y a encore pas mal d'anecdotes à venir dans ta rétrospective. Il y en a beaucoup, ouais. Tu vas pas tout lâcher maintenant. Mais on est d'accord tous les deux pour dire que c'est à partir de ce Resident Evil que la saga s'oriente déjà niveau action. Alors là, on part vraiment dans l'action. Ben, c'est un peu plus action, mais la série a toujours été action de toute façon. D'ailleurs, c'est même un truc très drôle parce que même si la base de 96 était l'horreur, la peur, il y a quand même l'aspect combat, et ça, c'est un truc qu'ils avaient bien compris dans 96, c'est que ben, à partir du moment où la peur s'estompe, surtout dans un jeu vidéo, qu'est-ce qui te reste? Et il te reste que le gameplay. Et si le gameplay n'est pas fun, les gens reviendront pas dessus. Et moi, 96, ben, c'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est un jeu auquel je rejoue depuis des années. Je me le refais quasiment tous les mois. Tellement j'aime ce jeu. Pourtant, je ressens plus aucune crainte. Et pourtant, quand tu me vois jouer au jeu, je suis en train de courir dans les cartes et je suis en train de mettre des headshots au shotgun. Et je fais que ça dans le jeu, en fait. Du coup, il y a toujours eu ce côté action dans Bayo. Alors effectivement, Bio 2 a un côté plus action.
Ouais, parce que Mais toi, tu l'as tellement dosé que là, maintenant, tu le one credit, t'as plus aucun problème. Mais je te parle vraiment, pour le mec, tu sais, qui se met dans la série, qui les découvre un par un, on voit progressivement une orientation vers l'action. On peut pas dire que le premier Resident Evil, c'est la même orientation que le 4. on est d'accord. Pour un mec lambda, oui, effectivement. Mais on voit en tout cas, ouais, moi je trouve que c'est vraiment à partir du 2 qu'on voit vraiment que ça part en action hollywoodienne. Ah, complètement. Par contre, au niveau de BO3, bah, de toute façon, on va enchaîner sur BO3. Pour le coup, pour BO3, je suis pas trop d'accord. Alors on va parler de Biohazard 3. Et puis n'hésite pas à me dire à chaque fois où je me suis planté dans la rétro, enfin si tu t'en rappelles. Hein. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas rematé, là. Bon, Pour le coup, ça va être compliqué. c'est pas grave. Alors là on a un jeu de Kazuhiro Aoyama, produit par Shinji Mikami toujours. Derek, c'est à toi. C'est un projet très intéressant. Originalement, ça ne devait pas être Biohazard 3. Tu vas C'était devoir censé parler de Code être. Véronica. Hmm? Tu vas devoir parler de Code Véronica. Même pas. T'en parleras après alors. Coup, à ce moment-là, cette époque-là, quand ils avaient fini Bio 2, ils allaient enchaîner sur Biohazard 3 et ça devait être un opus next-gen. À la base, il y avait une première version de Bio 3 sur PlayStation qu'ils ont annulée. Je vais zapper les détails parce que j'en parle dans la rétrospective. J'essaie de garder du contenu. Et donc, du coup, à partir du moment où ce Biohazard 3 est devenu Biohazard 4, ils ont décidé de faire un autre opus sur PlayStation pour faire attendre les fans. Parce que ben, ça allait faire des années d'attente. Et donc, ils lancent le développement de ce Biohazard de Gaiden. C'était son nom à l'époque. Alors, ça n'a aucun lien avec l'opus Game Boy. Gaiden, pour expliquer globalement. Gaiden, c'est histoire annexe ou spin-off, globalement, grosso merdo. Et on était censé jouer des civils à Raccoon City. Puis finalement, dès que la suite de Bio était passée sur PlayStation, et que PlayStation 2, et que ça commençait à mettre trop de temps, ils ont dit, bon, bah, ça va devenir Biohazard 3. Ils ont décidé de faire revenir Jill. Et donc, c'est devenu un épisode canon. Et la chose qui est très drôle, c'est que Kazuhiro Aoyama, il avait bossé justement sur 96 et Biohazard 2. D'ailleurs, tout le monde se souvient de la scène du chien qui saute par la fenêtre. Bah, c'était une idée de Aoyama à l'époque. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une idée de génie. C'est lui qui avait fait le mode Four Survivor et le mode Tofu dans Biohazard 2. Et si je mentionne ces deux modes-là, c'est parce que c'est très intéressant. C'est qu'on ressent ce qu'il a voulu faire dans Biohazard 3, et c'est donc un jeu très hardcore. Et d'ailleurs, même le jeu vise les hardcore gamers, pour le coup. C'est un jeu qui est développé dans cette optique-là. Mikami disait même lui-même en interview, Biohazard 2 est un jeu pour casual gamers, pour le marché de masse. Biohazard 3 est pour les hardcore gamers, ceux qui aiment les vrais jeux d'action. Donc on est vraiment dans une optique plus arcade, plus violente, qui demande plus de skill. Et c'est ce qu'on trouve dans ce Biohazard 3 au final. Et en plus de ça, toute l'équipe de développement, c'était des jeunes, c'était des débutants. La plupart des gens qui ont bossé sur ce 3 étaient donc bah des gens qui n'étaient pas de la team Bayon en règle générale, qui vraiment débutaient dans le jeu vidéo. Et pour le coup, ça donne un des meilleurs Biohazard qui existent. Moi, je le retiens pas juste pour le Nemesis. Je le retiens pour son game design qui est vraiment parfait. Parce qu'on reprend tout ce que 96 faisait, donc l'histoire d'horreur avec un background extrêmement travaillé. Avec une histoire de fuite et tout, mais en même temps derrière il se passe des choses. Là, Biohazard 3 il reprend ce côté-là, mais il pousse le curseur au maximum. Donc on a une histoire, si on regarde le truc très bêtement et qu'on s'intéresse juste à ce qu'on a à l'écran, on voit juste Jill qui s'échappe de Raccoon, alors que ce qui se passe dans le fond, il y a du complot géopolitique. Donc il y a les Américains qui voulaient récupérer le virus G, qui voulaient récupérer les données d'Umbrella. Il y a Umbrella qui veut faire en sorte de repousser l'envoi du missile sur Raccoon parce qu'ils veulent récupérer des données de combat, parce que ça leur permettrait de plus gagner d'argent, etc., etc. Donc on se tape ce genre de choses. Tout ça sous fond d'une histoire de G qui essaie de s'échapper juste d'une ville. En termes de gameplay, bah, on a le gameplay de 96 en 10 fois mieux. Le jeu est plus speed, plus rapide, il est plus maniable. Il y a des esquives, et c'est des esquives qui sont faisables à la frame près, donc ça demande vraiment de maîtriser le gameplay. Et pour le coup, quand je mentionne ce côté hardcore gamer, le jeu est fait pour être refait en boucle. Et c'est pour ça que la durée de vie est plus basse que les autres. On peut le finir même pas en 50 minutes, très facilement. Parce que le jeu est fait pour être refait encore et encore et encore et encore. Et ça se voit même au niveau de ses bonus, au niveau des épilogues.
qu'on peut avoir, parce qu'il y a 8 épilogues à déverrouiller à chaque fois qu'on finit le jeu, les costumes bonus, le mode bonus qui est le mode mercenaries. D'ailleurs, le mode mercenaries qui a été fait par le scénariste de Biohazard 3. On voit que c'est un jeu qui est fait pour le gameplay. Il est là pour ça. Il est là pour être ultra exigeant. C'est pour ça que je qualifie Biohazard 3 d'un des meilleurs bio de l'existence, parce qu'il fait tout bien. Et même en termes d'horreur, il a réussi à réinventer l'horreur en mettant. Bon, déjà, il y a plus d'ennemis, on a un Némésis qui nous poursuit dans toutes les maps, on a un jeu extrêmement viscéral dans tout ce qu'il fait, tout en gardant ce côté très outrageant de Biohazard avec des aspects assez drôles comme la manivelle qui se pète, la batterie dans le cul de la statue du maire, etc., etc. Donc on a un jeu qui joue vraiment avec les codes de Biohazard en essayant de faire un jeu pour les hardcore gamers. Puisque ce jeu était là pour les gros fans hardcore de la série à cette époque-là qui attendaient Biohazard 4. Attends, est-ce que tu es en train de me dire que tu considères Biohazard 3 comme supérieur à Biohazard 2? Complètement. Ah d'accord. Sur tous les points. Il le dépasse sur tous les points. Narrativement, en termes de gameplay, en termes de musique, en termes de graphisme, sur tous les points, il dépasse Biohazard 2. Ah non, l'OST, tu préfères sincèrement celle du 3? Ah, complètement. Ah, tu me trouves con. L'OST de 2-2, elle est très. Elle reste excellente, hein. Mais elle est très hollywoodienne. Celle de Bio 3, elle tente plus de choses musicalement en fait. Elle prend plus de risques. Celle de Biohazard 2, en fait, elle est très basique finalement. C'est du basique excellent, mais c'est du basique quand même. Biohazard 3 prend énormément de risques dans ce qu'il fait. Il n'y a qu'à voir le thème du Némésis. C'est des sons quasiment indescriptibles. Musicalement, c'est un peu n'importe quoi le thème du Némésis, et pourtant ça fait complètement le taf. Et quand on écoute la musique, on se rend compte que ça colle parfaitement à ce qu'ils essaient de mettre en place. En plus, pour un jeu qui se veut très viscéral, très violent, très speed, on finit quand même avec un jeu qui finit sur une musique au piano. Donc tu sens cet humour qu'il y a derrière et l'optique qu'ils avaient quand ils ont fait le jeu. Comme tu le dis, on peut le speedrunner assez vite, tu vois, en 50 minutes. Moi, j'ai toujours considéré le 3 comme un énorme add-on au 2. Bah, il était voulu comme un add-on. Et tu vois, C'est c'est la pour ça base du que je jeu. peux pas le considérer comme supérieur au 2. Pour moi, c'est un bonus. Bah, le problème, c'est que je te dirais que moi, personnellement, je considère le 2 comme un add-on du 1. Tu Pourquoi vois, c'est pas? ça le truc, en fait. C'est un point de vue. Pourquoi pas? Et est-ce que tu peux nous parler des différences entre traduction originale et traduction occidentale? Bah, disons que dans la traduction américaine, il y a un côté plus léger dans le ton, alors qu'en japonais il y a un côté très dur, c'est-à-dire qu'en fait quand tu lis le truc tu sens que les militaires sont des militaires, ils ont une manière de parler très crue, très violente, très directe, alors que tu sens que dans la traduction ils ont voulu édulcorer la chose, rendre le truc un peu plus drôle. Après le problème c'est je pense pour Biohazard 3 c'était compliqué de localiser ça. Parce que par exemple, quand tu prends Carlos en japonais, il parle dans un japonais complètement craqué en fait. Le gars, quand il parle, c'est sale, c'est pas beau à lire. Mais ça colle à ce côté, c'est un militaire, en plus de ça, c'est un militaire brésilien le gars. Donc ça se colle. Mais le problème, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas trop à retranscrire dans la traduction. Ils arrivent plus ou moins à le faire avec la voix, mais ils n'arrivent pas à le faire au niveau du script. Là pour le coup, je n'ai pas d'exemple très probant, parce que c'est le problème de Biohazard 3, c'est qu'il se veut plus au niveau de. L'écriture est plus au niveau de son ton qu'autre chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas très retranscriptible. D'accord. Donc pour toi, un des meilleurs Biohazard. Complètement. C'est-à-dire tu le places après le premier? Bah, j'ai envie de. Moi, quand je classe les Biohazard, déjà j'évite de les classer en règle générale, mais. Le parti pris que je prends toujours, c'est que 96 est la base, et il y a des jeux qui sortent après. Et du coup, pour moi, 96 sera toujours en premier. Ouais, et en Donc, deux. si tu veux, je mettrai Bio 3 juste après, 96. Ah, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Ben, je pense que ça va énerver beaucoup de gens parce que quand on va arriver à Resident Evil 4, les gars, vous allez pleurer. On va. Alors du coup, je fais par ordre chronologique de sortie. Resident Evil, Biohazard, Code Veronica. Un jeu de Hiroki Kato, produit toujours par Shinji Mikami. Derek, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Code Veronica, c'est un peu un opus
très dur à traiter parce que tu vas forcément te prendre la faute des fans. Mais vu que moi je m'en bats les couilles, je vais dire directement le Code Veronica c'est de la merde. Mais c'est vraiment un gros jeu de merde. Mais on va parler du développement d'abord. Le développement de Code Veronica, alors Code Veronica n'a jamais été Biohazard 3, déjà pour commencer. Il a toujours été voulu comme un opus Dreamcast. Pour la simple et bonne raison que à cette époque-là, quand il était en développement, il était déjà en développement en même temps que donc le Biohazard Gaiden et que le Biohazard 3 qui est devenu Biohazard 4. C'était une lettre d'excuse aux fans de Sega, parce qu'à cette époque-là, 96 était sorti sur Saturne, et Biohazard 2 devait sortir sur Saturne. Et ils ont annulé la version Saturne. Et vu que les fans de Sega n'auraient pas de Biohazard pendant de nombreuses années, ils ont donc décidé de leur faire un jeu que pour eux, qui sortirait que sur Dreamcast. Tout en leur sortant Biohazard 2 et Biohazard 3 sur Dreamcast aussi. Et donc ça a donné Code Veronica. Mais attends, je comprends pas, moi j'ai toujours vu comme info que c'était censé être le 3. Et bah c'est une info qui est vachement fausse, parce que tous les développeurs le répètent en boucle, que ce soit Mikami, Okamoto, etc. Tout le monde le dit, que les teams de Capcom disent très clairement que ça n'a jamais été un jeu qui devait être le 3. Mais ça, donc c'est une fake news de l'époque qui a été relayée en boucle en boucle. Complètement. Bah, on l'entend encore Ah maintenant, hein. merde. D'ailleurs, petite crotte de nez, parce que bah, c'est un truc même que j'ai mis dans la rétrospective, j'avais vu là, il y a un an de ça et quelques, il y avait eu une émission là sur jeuxvideo.com. Avec des gens que je nommerai pas parce qu'on va encore dire que je fais du harcèlement. Mais où il parlait justement de la série. Ouais. Et le présentateur disait très clairement bah, que Code Veronica était censé être Biohazard 3. Allez, moi aussi je crois que je l'ai dit dans la rétro. C'est une info qu'on a tous vue et j'étais persuadé que c'était vrai, moi. J'ai Bah, plus elle est fausse, confiance. puisque tous les développeurs disent que c'est pas le cas. Donc à Ah donc partir de là, moi je me base sur les développeurs hein, de toute façon tu à chaque nous fois. apprends aujourd'hui que Code Veronica n'a jamais été Resident Evil 3, mais c'était un cadeau pour les fans de Sega. Et pour quelle raison ils ont annulé Resident Evil 2 sur Saturn? Ah, c'est qu'elle se vendait plus bien, de toute façon c'était une console obsolète, mais C'est même pas ça, c'est surtout que le problème c'était que porter le jeu sur Saturn c'était trop compliqué. Ah ouais. Bah d'ailleurs il n'y a qu'à voir le portage sur N64 qui a failli pas se faire et qui a été fait grâce à une société qui a fait du génie Ah en ouais. termes de prog pour porter Incroyable. le jeu dessus sur cartouche. Bon ok la Saturn était sur CD mais elle n'avait pas les mêmes caractéristiques Non mais que le le jeu. RE264 c'est une putain de tuerie. C'est une tuerie. Là pour le coup on est d'accord. Techniquement parlant le jeu il défonce. 1 million de dollars, mec. Mais du coup, bah, Code Vero, bah, le problème c'est que bah, c'est juste, il était là pour ça. Et en plus, Code Vero, il a d'autres problèmes, mais ça, c'est. Ça rentre pas en compte dans mon jugement du jeu, mais c'est quelque chose que je dois mentionner. Le problème de Code Veronica, c'est qu'il devait rentrer dans une trilogie de jeux qui devait être Code Vero, Zero et Bio 4. Donc les trois jeux devaient se compléter entre eux. Le problème, c'est que vu que ce plan s'est pas fait, Code Vero était censuré. Zéro a perdu des pans de scénario et le Bio 4 final ne parle pas de ce qu'il était censé parler. Donc on a finalement un Code Zéro qui nous confirme que Wesker était mort dans 96 parce que c'est pas l'inverse. C'est pas on nous dit que Wesker a survécu le manoir parce que dans les fins de ca canon de 96, enfin non, même pas les fins canon, en fait dans toutes les fins de 96, suivant les embranchements narratifs, soit Wesker se casse, soit il crève. Donc on sait même pas s'il meurt ou pas finalement à cette époque-là. Puisque c'est un jeu interactif, le but a toujours été de faire un jeu interactif dans Biohazard. Et justement, ça me permet de rebondir. Le problème de Code Veronica, c'est que narrativement, il enlève ses embranchements de narration. Chose qu'on avait dans 96, Bio 2 et Bio 3. Donc 96 est un jeu qui, de A à Z, est linéaire, narrativement. Donc nos actions n'influencent pas la narration. Ça, c'est un gros problème. Ensuite, les inspirations. Alors Biohazard a toujours eu des inspirations, comme on l'a mentionné au début. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, les inspirations sont trop claires, on les voit trop, on voit très clairement l'inspiration de Psychose, hein. Elle est super visible. Et globalement, en fait, le jeu n'apporte rien, quoi. À part Wesker, bah ok, on a Alexia, mais fondamentalement, Alexia, c'est juste une méchante bas de gamme qui veut juste dominer le monde, en fait. Donc elle n'apporte rien. En termes de gameplay, quand on part après Biohazard 3, ça devient compliqué parce que là on a un jeu qui redevient mou, qui a des gimmicks, donc le gimmick des armes akimbo et des armes en FPS qui ne servent à rien, à part 2-3 scènes. Et en plus de ça, je dirais même un truc, c'est un jeu qui n'a même pas été développé par Capcom. Il a été développé par Nextech, qui était une société conjointe entre Sega et Capcom.
Et la majorité des gens sur le projet qui est Code Vero, ils venaient de Sega. Et en plus, c'était des gens qui n'aimaient pas l'horreur. Et donc, ça donne un jeu, en fait, les développeurs n'aimaient pas le jeu, en fait. Quand ils l'ont développé, ça se ressent quand on y joue. Et en plus de ça, c'est à partir de là que la série commence à se censurer, puisque, originellement, les Ashford étaient des nazis. Et c'est plus le cas dans la version finale. Alors que pourtant, il y a toujours des relents de cette version-là dans le jeu final, avec. Il y a le côté camp de concentration dans l'île de Rockford, il y a les symboles nazis avec les aigles à droite à gauche, les luggers, etc. Mais le jeu devait être vachement trash, originellement, dans son script d'origine. Et en plus de ça, même au niveau de la musique, la musique est très bien, mais le problème, c'est que. Elle reste très bateau et en plus elle s'inspire beaucoup trop de Parasitelle, qui est sorti en 97. Donc finalement on a un jeu qui s'auto-censure, qui ne propose rien en termes de gameplay et qui scénaristiquement parlant apporte pas grand-chose. Donc on a un jeu vraiment médiocre en fait. Ah, pour moi, c'est vraiment le tournant de la série où ça part complètement nanar, mais tu sais que c'est quand même le favori de beaucoup parce que c'est le retour de Wesker. C'est grâce à cet épisode qu'on a le retour de Wesker. Mais le pire, c'est que Wesker devait être de retour depuis Biohazard 2. Ah, vas-y, développe là-dessus. Originellement, Camilla voulait faire revenir Wesker dès Biohazard 2. D'ailleurs, même Kenichi Iwao, qui était le scénariste de 96, avait déjà prévu tout l'arc narratif de Wesker qu'on retrouve dans Biohazard 5. C'est-à-dire, ce qu'on a dans Biohazard 5, en dehors des enfants Wesker, c'était déjà écrit depuis 96. Donc, on D'accord. avait déjà tout ce plan de scénario-là développé. Sauf que pour Biohazard 2, donc il voulait faire revenir, parce qu'Iwao s'est barré après 96, Kamiya voulait donc faire revenir Wesker, et quand Sugimura est venu, il s'est dit non mais attends, on va pas le faire revenir tout de suite, on va retravailler le personnage, et on va essayer de faire quelque chose de plus grand. Et c'était aussi lié à ce que Okamoto voulait faire vis-à-vis de la série. Donc faire une. En fait, il voulait littéralement que la série narrativement, chaque épisode soit unique et indépendant des autres, mais que tu puisses tous les relier entre eux, comme une sorte de gros puzzle en fait. Du coup, en fait, l'optique de Bio, c'est que tu peux prendre n'importe quel opus, si tu connais pas la série, tu peux jouer à n'importe quel épisode et comprendre ce qu'on te raconte sans être perdu. Mais si t'es un gros fan, tu peux faire les liens entre les épisodes, comprendre un petit peu ce qui se passe, etc. Bon, est-ce que tu as quand même aimé cette approche de Wesker dans Code Veronica? Wesker dans Code Veronica, il me fait marrer en fait. Surtout en japonais, il me fait rire parce que. Bon, par contre, il est assez violent quand il parle de Chris en Japon. Ah, mais attends, attends, toi, tu parles japonais? Moi, non. D'accord, mais t'as les traductions, t'as tous les scripts. J'ai des traductions, j'ai des D'accord. gens qui parlent un japonais natif. Ouais. Donc, ils m'expliquent des choses que j'ai à comprendre. Bon, après, bon, j'ai déjà fait de la traduction. Donc, de fait, j'arrive à comprendre certaines choses qu'on m'explique automatiquement parce que les différences de langage, automatiquement, tu arrives à comprendre que. Certaines choses, tu peux pas les retranscrire dans un autre langage, etc. Bon, forcément, vu que j'aime le Japon depuis que je suis petit, il y a des choses que je comprends un petit peu plus naturellement. Ouais. Du coup, il y a des trucs en Jap que j'arrive plus ou moins à comprendre. J'arrive à comprendre le délire Jap, en fait, si tu Alors, veux. qu'est-ce que Wesker a de plus dans la version japonaise? Il est un peu plus vénère, en fait. En fait, si tu veux, en traduction Riken, pour le coup, il fait nanar en fait. En Rikken, il fait très nanar. Je te le confirme. Alors qu'en fait, si tu veux, c'est ça qui est très drôle. C'est qu'en fait, en traduction américaine, il fait très nanar. En japonais, il fait très perso de manga en fait. Mais genre perso de manga bien vénère. Hein, tu vois, t'es dans un seinen, le gars il va pas bien. Parce que quand il parle de Chris, il est en mode j'ai la haine contre lui, je le déteste, je C'est pourrais te ça. tuer juste pour le rendre triste. Tu te dis ah ouais, quand même quoi. Ah, tu te dis, ouais, il est un peu énervé, quoi. Truc qui est complètement édulcoré en version américaine, quoi. Il est juste en train de dire, ouais, j'aime pas Chris. Voilà, quoi. Point. Ça va pas plus loin que ça. L'impression qu'ils sont plus vénères en japonais globalement, les personnages. Ah, complètement. Il y a un côté très viscéral en Jap, en fait. Pourquoi ça? D'ailleurs, même au niveau des insultes, hein, les persos, en japonais, ils s'en privent pas. C'est. Henrika, peut-être. Si tu remarques bien, dans 96, Bio 2, Bio 3 et même Code Vero, t'as jamais un fuck ou un shit qui est balancé dans le script. Hein. Ah, c'est vrai. Alors qu'en Jap, les gars, ils sont. T'as Léon qui est en face du tyran et qui lui dit t'es un connard à manteau, enfin tu te dis ah ouais, c'est pas la même chose.
Mais là, on est encore dans la différence de ton, pour le coup. Parce que ça change pas réellement ça change pas réellement les points de scénario. Et Mais dans les je documents, pense. est-ce qu'on a vraiment des différences flagrantes? Bah, complètement. Je pense intimement que. Je pense que tu vois, si les Japs ont jamais ridiculisé le scénario de Bayo quand ils y jouent, c'est pas pour rien en fait. C'est que oui, d'une, ils ont le script original sous les yeux. Mais ils voient très clairement que c'est écrit très sérieusement en fait. Le problème, c'est que la traduction, en plus, faut remettre dans le contexte de l'époque, c'est que les traductions à cette époque-là sont faites par un japonais qui parle à peine anglais. Ah d'accord. Donc tu te tapes un truc, des fois le gars, tu sais pas ce qu'il fait en fait. Il écrit n'importe quoi des fois. Mais comment après la personne qui se charge du doublage américain se dit il n'y a pas des trucs à remanier dans le script? Bah, c'est les Japonais en fait qui s'en occupent à cette époque-là. Hallucinant. Donc on a vraiment des écarts de ton et de scénario. Ah, complètement. Mais tu sais que, par exemple, bah, pour parler d'une série que tu connais bien, pour Metal Gear, c'est pareil. Oui, mais j'ai envie de te dire, c'est vrai que même, tu sais, entre l'anglais et le français, t'as souvent des différences de ton. T'as souvent des différences, tu sais, même, tu vois, je parlais récemment de Friends, t'as beaucoup de blagues qui ont été remaniées en français. En fait, tout le caractère sexuel des blagues en anglais a été complètement édulcoré dans la version française. T'as plein de blagues qui n'ont pas du tout été traduites ou complètement remaniées. T'as plein de références obscures américaines qu'en français. On s'est dit le public va pas comprendre, que du coup on a essayé d'adapter avec des références françaises, mais ça marche pas du tout. Donc du coup non, Ouais, parce que c'est un peu ça. Mais en pire, en fait, pour le je coup. comprends totalement du coup, mais alors là moi j'espère que ta rétro nous expliquera vraiment dans les détails tout ce qu'on a loupé dans le scénario original quoi. Moi, en fait, dans la rétro, ce que je fais, je parle de la genèse de chaque opus. Je fais un résumé de scénario en détail. Donc, pour le coup, des fois, je mets des exemples de différences de traduction entre les scripts. Parce que le problème, c'est que si je rentre dans. En fait, il faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer les changements, pourquoi ils sont faits et pourquoi c'est différent en fait. Et c'est un truc que je peux pas. C'est un luxe que je peux pas me permettre dans une rétrospective qui traite de beaucoup de jeux en fait. Non, bien sûr, mais ce que j'espère, c'est que ta rétro va nous expliquer comment on passe d'un nanar à un truc vraiment sérieux. Voilà, je pense que pour moi, le résumé de scénario bah, fait le boulot en fait. Je pense que de la manière dont je résume le scénario, tout en me basant sur le script Jap, parce que tout ce que je dis vient du scénario. Je pense que ça démontre très clairement que c'est pas une série nanar. Je pense même que quand t'as une série qui ok, sa narration intrinsèque, c'est de l'horreur, c'est une histoire de survie, etc. Mais quand derrière t'as de la géopolitique, de l'économie, etc., etc., et que c'est très sérieusement abordé, je pense pas que tu puisses faire un truc nanar en fait. De toute façon, à la fin, je vais te faire résumer Resident Evil en quelques minutes pour toi, nous expliquer globalement ce que représente le scénario pour toi, ce que tu as compris. Ça, je pense que ça va être intéressant. Parce que nous, Biohazard, tu vois, si je posais la question à tout le monde, résumer la saga Resident Evil en quelques mots, qu'est-ce qu'on va tous dire? Alors, c'est Jill et Chris, ils arrivent dans un manoir, il y a des zombies, après il y a Claire, enfin, on va tous raconter n'importe quoi et dire que ça se part très 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 vite en nanar, et finalement, on n'a rien compris. Genre vraiment le scénario, la trame scénaristique globale de la série, entre le premier épisode et le sixième. Peut-être, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'on parlera du 7? Peut-être qu'on en parlera. Moi, je l'ai pas fait. Hein. J'ai joué 2 heures, j'ai arrêté. On parlera peut-être du 7, mais je crois qu'il est vraiment hors série. Je crois que toi aussi, tu le détestes. On va en parler de Mais en toute tout cas, entre le 1 et le 6, qu'est-ce qu'on a retenu du scénario? Perso, pas grand-chose. Tu vois? Et pourtant, j'en arrive quand même. Si tu prends juste les synthèses de scénario, on en est quand même à 40-50 pages hein, de la rétro. Hein. Ce qui prend plus de place dans la rétro, c'est les résumés de scénar. Ouais, c'est le scénar. Non, mais c'est pour ça que ça m'intéressera de t'entendre résumer la série en quelques minutes. Ça, je pense, ça peut être vraiment cool. Ça va être un exercice assez compliqué, parce qu'il faut être très synthétique sur plein de données. Tu vas être en mode full impro, mec. C'est un grand live. Mais là, maintenant, on en arrive à Resident Evil 4. Alors, attention, un projet très compliqué. Shinji Mikami de retour à la barre du réalisateur. Et c'est produit par Hiroyuki Kobayashi. Tu sais quoi, avant qu'on parle de Bio 4, je vais aller me reprendre à boire et je vais pisser un coup. Eh ben les petits breaks, petit ray. Petit break. Comme ça, les gens ils peuvent parler Je vais s'il y a des lire un peu le questions. chat, je vais occuper ton absence, vas-y, Vas-y, t'inquiète. bah, je reviens. À tout de suite. Bon alors messieurs, attendez, je vais prendre le micro 2 secondes. Ça vous plaît ou pas cette émission? C'est une grande émission? Oui? Vous aimez bien Derek, vous avez vu, il assure. Eh oui, c'est un professionnel, messieurs.
Écoutez, on n'est pas prêt d'avoir fini cette émission parce que là, on a encore le 4, le 5, le 6, le 7. Le remake, évidemment, on va arriver au remake de Resident Evil 2, hein, parce que j'ai vraiment envie d'entendre l'avis de Derek dessus, qui n'est pas. Alors vous verrez, je vous spoile pas. On parlera peut-être de quelques épisodes hors série ou spin-off, ou même d'épisodes canoniques. Hein. J'espère que ça vous plaira. Bon, la rediff sera dispo, vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent aller se coucher, ne vous inquiétez pas, je mettrai bien évidemment la rediff. Et tout le but, évidemment, c'est de faire un énorme teasing pour la rétrospective Resident Evil de Derek qui arrivera. C'est un projet ambitieux. Hein. Il y a très très peu de monde sur YouTube qui se lance dans un truc pareil. Ça fait des années qu'il est dessus. C'est pas une blague, ça fait des années. Profit zéro, c'est du bénévolat, c'est de la passion. C'est ce que j'appelle être commis au projet. Vous avez vu un épisode de Batman Beyond qui est génial? Quand il y a Bruce Wayne qui dit They weren't ready for the mission. Quand il parle de Bad Girl, ils n'étaient pas prêts pour la mission. Et Derek, il est prêt et il bosse. Ah, c'est une très grande émission, merci, mais ça, faudra remercier Derek. Hein. Attendez, je vais essayer de me connecter, je vais vous envoyer sa chaîne YouTube là, pendant qu'il est aux toilettes. Les toilettes, très important. C'est la Save Room. Là, vous imaginez la petite musique de Resident Evil 2 dans les oreilles. Je vais vous mettre sa chaîne là, je la mettrai en description tout à l'heure, mais là, je vais vous la donner dans le chat. Attendez que je retrouve ça très très vite. Abonnez-vous et puis vous allez voir qu'il y a déjà un trailer pour sa rétrospective. Même peut-être deux trailers, je ne sais plus. Voilà. Attention, ça arrive. Voilà, je vous mets dans le chat. Abonnez-vous, messieurs. Si vous aimez le mec que vous entendez, bah écoutez, c'est celui qui tient cette chaîne. Je vous le mets dans le chat. Voilà le lien de sa chaîne. Oh Derek, bah écoute, j'ai meublé, c'est parfait. Et ben on va reprendre, messieurs. Est-ce que tu es ready, Derek? Ah, excuse-moi, le micro est tombé. Est-ce que tu es ready? Ah, mais complètement. Et bah c'est parfait. Pour l'instant, tu fais un excellent boulot. Tout le monde est aux anges. Tout le monde dit que c'est un gros live. Ils sont très contents, ils s'abonnent à ta chaîne. C'est parfait. Donc maintenant, donc je dis, on part sur Resident Evil 4. Shinji Mikami de retour à la barre, comme je le disais, avec Hiroyuki Kobayashi comme producteur. Un projet très compliqué, il faudra qu'on passe par toutes les versions, je pense, du projet, tous les trailers, toutes les promesses d'Evil May Cry. Derek, c'est à toi. Alors par contre, juste un truc vite fait, parce que j'ai vu qu'il y avait mon pote à moi là qui était sur le chat. Ouais. Son pseudo, c'est l'Ecliptic Express. Apparemment, il a été timeout. Ah. Le truc, c'est que c'est pas un troll, hein, pour le coup. Parce que j'avais vu qu'il y en avait certains qui disaient que c'était un troll. C'est pas un troll. Il écrit sur un clavier Jap. Donc c'est pour ça qu'il écrit assez mal. Pour le coup, c'est lui qui a traduit les trucs de la rétro. Ah merde! Donc. J'ai rien fait! Mais attendez, je n'ai rien fait! Je n'ai banni personne, messieurs, détail maouté. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Ecliptic Express, comme le train de Bayonard 0. Ecliptic Express, alors c'est un japonais à la base? Alors, il est français, mais il vit au Japon. Alors, on le salue, merci à toi. Et c'est lui qui a traduit beaucoup de trucs, c'est ça pour ta rétro? Ah, complètement. Bah, pour le coup, il a fait un travail de psychopathe. Ah bah, En fallait plus. l'introduire, on savait pas! Bah écoute, bienvenue à toi, Ecliptic, chapeau! Bon courage pour le reste de la rétrospective. Pour le coup, je comprends qu'il soit pris comme un troll, parce que moi, ça m'arrive très souvent dans les communautés Resident Evil. Des fois, quand je débarque, il y en a qui pensent que je troll, alors que pas du tout. Apparemment, il y a eu des messages d'insultes. Écoutez, je suis désolé, j'ai pas suivi le chat, on était à fond dans la. Je pense pas qu'il ait insulté, j'ai pas vu après, donc. Mais je doute qu'il ait insulté des gens, en tout cas. Bon bah écoutez, j'espère que tout va bien se passer, puis revenir quand il veut. Et s'il vous plaît, la modération, laissez-le en vie. Merci à tous. Allez, on repart sur Resident Evil 4. C'est parti, Derek. C'est à toi. Le 4, c'est un jeu qui a été vraiment un jeu très difficile à faire puisque la base de Bio 4 c'était de faire un full modal change, donc littéralement faire autre chose, Ouais. provoquer une renaissance de la série, faire complètement autre chose. Et à la base, donc le projet était donné à Hideki Kamiya, donc c'était originellement Biohazard 3, c'est devenu Biohazard 4, et ce Biohazard 4 là est devenu Devil May Cry, comme tout le monde le connaît. Il y a une autre version qui était la version Château, qui était dirigée par Shibata, au scénario il y avait Sugimura et Kawamura. Donc Sugimura c'est celui qui a fait le scénario de Bio 2, de Gun Survivor premier du nom, de Code Veronica et de Gun Survivor 4. Et Kawamura c'est celui qui a géré le scénario de Biohazard 3.
Et donc cette version-là était censée donc être une version dans un château où on était censé aller dans les tréfonds de la jeunesse d'Umbrella et en finir une bonne fois pour toutes avec Umbrella. Mais cette version-là était trop compliquée à être gérée au niveau du hardware de la GameCube. Donc ils ont décidé de faire une autre version. C'est la version Hallucination. Toujours avec Shibata et Kawamura et Sugimura. Tu peux juste nous expliquer rapidement comment ça se fait qu'ils se sont orientés vers Nintendo, comment Nintendo a réussi à passer le deal avec l'équipe de Capcom pour Resident Evil? En fait, il n'y a même pas eu de deal en fait. Alors, effectivement, il y a eu les Capcom 5, mais si on remonte toutes les sources du Capcom 5, il n'y a aucun Biohazard dedans. C'est que des jeux originaux qui sont proposés dans le Capcom 5. Pour les Bio, en fait, c'était juste parce que Mikami, quand il cherchait des deals à l'époque, donc déjà Mikami détestait la PlayStation à cette époque. C'est ouf parce que les mecs ils ont fait leur beurre sur PlayStation à l'époque. Bah, pour le coup, c'est parce que la première PlayStation est très bonne, mais pour Mikami, la PlayStation 2 était pas assez bonne. Il trouvait que marketingement, Sony était des putes. Hein. Enfin, je le résume comme ça, parce que c'est pas ce qu'il dit mot à mot. Hein. Mais il considérait que Sony était des putes, qu'ils faisaient des consoles qui se cassaient très vite pour que les gens soient obligés d'en racheter. En plus, il considérait que la console était pas assez puissante. Il est allé voir Microsoft, sauf que la discussion qu'il a eue avec les gars de Microsoft s'est très mal passée. Et donc au final, bah, il est allé voir Nintendo. Et bah, Nintendo, société japonaise, la GameCube était extrêmement puissante à l'époque. Pour le coup, je dirais même que, très franchement, la PS2 se fait exploser par la GameCube. Hein. Ah oui, non mais clairement, la GameCube était largement au-dessus de la PS2, hein. Et du coup, je comprends pourquoi bah, t'as Mikami qui se dit bah, on va sortir, on veut faire des bio next-gen, bah, vaut mieux qu'on les sorte sur une console puissante. Ouais, mais il y avait la Xbox. Bon, après, c'est une console américaine, peut-être pour ça Oui, aussi. bah, d'une, c'était une console américaine, et comme je l'ai dit, bah, la discussion avec Microsoft s'est très mal passée. Ah. Donc, et puis de toute façon, les Japonais ont toujours la préférence nationale. Hein. Normal, normal. Non, non, mais Si. ça s'explique du coup. Et c'est vrai que pour le hardware, c'est vrai que la GameCube était la seule console japonaise aussi puissante à l'époque. Et donc du coup, ils ont décidé de faire Bayo dessus. D'ailleurs, bah, on en avait déjà discuté toi et moi. Du coup, j'en profite pour mentionner ça publiquement. Ouais. Les Bayo à l'époque, ils ne devaient pas être tous remakés Si, dessus. alors, si, alors attends, c'est peut-être après un magazine. J'ai encore le magazine, hein, je l'avais montré dans la rétrospective Resident Evil. C'était marqué noir sur blanc que les épisodes suivants le premier, en fait après le remake, devaient être eux aussi remakés. C'est un magazine, c'est officiel, hein, en Bah, je vais te France. dire un truc, parce que ça arrive très souvent à cette époque-là, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, parce que tu sais, le nombre d'interviews que j'ai dû bouffer pour la rétro, c'est un truc de fou. Ouais. Très souvent, il y a beaucoup d'interviews qui sont traduites de magazines japonais, Ouais. et le nombre de fois où il y a des mauvaises traductions, c'est un truc de fou. Donc t'es en train de me dire que ça a jamais été prévu qu'il fasse d'autres remakes que le premier? Jamais. C'est-à-dire que, en fait, Mikami disait que si ça pouvait se faire, il serait pas contre, mais qu'ils n'avaient pas de plan pour le faire. Putain, Et mais alors pour le je te coup, il y avait jure même que une j'ai autre interview vieilli. où on lui disait, mais du coup, ça va être que des remakes sur GameCube. Il a dit, non, 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 on va juste porter les anciens Biohazard dessus, justement pour les gens qui n'ont pas fait Biohazard. Ah putain, je te jure, j'ai encore le magazine noir sur blanc, et j'avais lu le truc dans la rétro, hein, je m'en rappelle. Je te jure que c'était marqué noir sur blanc Bah, je sais, tous je les autres sais. épisodes sur. Et moi du coup je fantasmais, je me disais putain énorme, ils vont tout remaker au niveau du Rebirth, ça va être incroyable. Et finalement non, et on a dû attendre 2019 pour avoir le remake de RE2. Et ouais, bah parce que pour le coup, ils comptaient pas le faire en fait. Pour le Ah coup, chez putain. Capcom, c'était pas du tout le cas, quoi. C'est terrible. C'est ça le truc, hein. C'est pour le coup. Mais en plus, ça, c'est une optique très japonaise en fait. Ce côté. Ce que je vois qu'on crache beaucoup sur Capcom, qui ressort beaucoup ses jeux sur les nouvelles plateformes. Mais le truc à comprendre, c'est qu'au Japon, ça arrive très souvent que tu as des gens qui jouent à Biohazard, par exemple. On va prendre, bah, du coup, on va rester dans le sujet. Ils jouent à Bio, puis d'un coup, ils décident de s'acheter une nouvelle console. Et donc du coup ils revendent leur ancienne console. Pas tous, hein, bien évidemment, je fais une généralité. Ils revendent leur ancienne console avec leur ancien jeu. Du coup, bah, Capcom qui remet les jeux disponibles sur la plateforme next-gen, bah du coup bah, les fans ils rachètent. Bien En sûr. plus des nouveaux jeux. Du coup, il y a cette optique-là. Et en plus, il y a aussi de nouvelles personnes. Bon, ça c'est par contre c'est dans le reste du monde. Hein. T'as des gens qui ne connaissent pas Biohazard, ils se disent, bah attends, Tiens, je vais découvrir Bayo. Bah, Capcom, du coup, décide de tous les porter sur la même plateforme parce que, du coup, ces gens-là, s'ils aiment bien un épisode,
Mais ils vont acheter les autres, Ah, mais etc., etc. c'était la bonne occasion, là, vraiment, la GameCube à l'époque, c'était la seule console où il y avait autant d'épisodes, puis il y avait surtout la superbe box au Japon, là. Rokoku, Oui, qui est magnifique. mais elle est bleue, je me rappelle. Magnifique. Je voulais l'acheter, je l'ai jamais eu. Magnifique. Et, mais pour le coup, du coup, moi par exemple, je cracherai jamais sur Capcom pour faire ça, parce que quelque part, en fait, si t'as déjà les jeux et que t'as pas envie de les racheter, t'as pas besoin de les racheter, en fait. C'est vrai, mais Donc, bon, Capcom, ça a toujours été les rois de la rentabilité. Les mecs, ils sortent un truc, ils vont te le rééditer 50 000 fois. il faut savoir un truc, c'est que Capcom, pour le coup, au Japon, en termes de. Là, on va parler un petit peu économie, mais. Capcom, c'est la plus grosse boîte de jeux vidéo au Japon. Elle écrase toutes les autres. Elle écrase Konami, elle écrase Square Enix et tout. Je crois qu'elle fait 25% de part de marché au Japon. Ah, tu m'étonnes, avec tout le reciclage qu'ils font, Le ça. truc, et ça c'est un truc à comprendre, si Capcom ne gagne plus de pognon, le Japon en termes de PIB, il perd 25% de part de marché. Le Japon, Alors il crève économiquement. comment ça se fait qu'ils injectent aussi peu de pognon dans leur jeu? Ah, ils en achètent beaucoup. Non mais alors franchement Resident Evil 2 Remake, alors moi perso, à titre perso pour l'instant je suis très conquis. Mais tu peux pas me dire que ce jeu a coûté super cher. Bah, le truc à comprendre, c'est que C'est pas le budget de Resident Evil 6, tu vois. pour le coup, il a même un plus gros budget. What? Non mais tu déconnes. Je déconne pas. Ah, faut dire que c'est vrai que l'architecture, ça coûte de plus. Ouais, Nouveau moteur aussi. ouais, c'est vrai. Faut pas Mais ah l'oublier. putain, j'aurais cru que le 6 serait. Putain, j'ai pas regardé les chiffres. Je pensais que le 6 était plus coûteux que le 2, le remake. Bah, le truc, c'est que il faut se dire que Capcom, en fait, ils sont obligés de faire ce qu'ils font, parce que si Capcom crève, bah, le Japon, il se prend une tarte dans la gueule et le Japon risque de pas survivre, en fait. Parce que ce qu'ils ont majoritairement au Japon, c'est des jeux vidéo et manga. Dans le monde, hein, j'entends. C'est quoi le budget de RE2 Remake? J'ai plus le chiffre exact en tête. Mais en tout cas, ça, c'est une grosse production pour le coup. Là, c'est du triple A à la japonaise. Et je précise bien à la japonaise, parce que bah, ils ont pas le budget des Américains. Non mais on n'est pas à 50 millions de dollars. Le dollar, peut-être pas, de yens, à mon avis, tu dois être bien plus. Hein. Non mais ça d'accord mais... Ah, je serais curieux. Est-ce que quelqu'un a le budget de Resident Evil 2 Remake dans le chat? Je serais curieux. Pour comparer aux grosses productions récentes parmi les Japonais comme Phantom Pain qui a coûté 80 millions de dollars. Ah ouais, par contre, après, oublie pas un truc. Phantom Pain a été plus longtemps en développement que le remake de Bio Non, bien sûr, et puis c'est une 2. Ça, exception. ça joue beaucoup. Et puis c'est une exception. Parce que pour le coup, c'est vraiment le problème. En fait, le problème du jeu vidéo au Japon, là, c'est pas Capcom, c'est que ils injectent beaucoup d'argent pour faire des jeux, et le problème, c'est qu'ils sont obligés de plaire aux Occidentaux. Parce que s'ils font des jeux typiques. Tu remarques quoi, la plupart des jeux qui sont typiquement japonais vendent qu'au Japon, en fait. Ça marche très peu en Occident. Ah oui, bien sûr, ça a toujours été. Hein. Et du coup, bah là, ils te sortent un remake. Alors oui, effectivement, c'est un remake qui, graphiquement, oui, t'es pas dans un triple A américain, effectivement. Mais Non moi, mais... personnellement, bon, c'est juste pour parler vite fait du remake du 2, mais je préfère une patte à la japonaise comme ça, même si elle est un peu techniquement en retard, entre guillemets, Ouais. parce que je trouve qu'elle a plus de gueule que les moteurs américains, en fait. Moi, quand je vois le. Si tu veux, pour moi, le Fox Engine et le RE Engine, c'est pas la même chose. Je vois une différence graphique. Alors que dans les jeux américains, j'ai l'impression de toujours voir la même chose. Du coup, je préfère quelque chose comme ça. Ok, c'est peut-être pas le truc le plus beau du monde, mais ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ça ressemble à quelque chose, ça a un goût particulier. C'est Et vrai. je préfère ça. Je prends. Alors retournons sur Resident Evil 4, Derek. On Du s'éloigne. coup, où en étais-je? Oui, j'en étais donc aux différentes versions. Tu parlais du manoir, ils ont abandonné. Enfin, le sous-sol avec Umbrella, c'était trop compliqué. Architecture qui était pas à la hauteur. C'était surtout la version château, elle était trop compliquée parce que ça demandait beaucoup trop de ressources au niveau de la GameCube. Voilà. D'ailleurs, je vais me donner une anecdote. Pour ceux qui ont vu le trailer, je crois que c'était 2002-2003, de la version château de Biohazard 4, le couloir où Léon il marche dans un long couloir avec un rideau qui vole au vent. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Tout ce passage-là, alors que c'est juste Léon qui marche dans un couloir avec des rideaux qui volent au vent. Hein. Ouais. Ça bouffait toute la RAM du dev kit GameCube. Donc c'est-à-dire que même une console GameCube normale n'aurait pas pu faire tourner ce passage-là. D'accord. Les mecs étaient trop dans le turfu, en fait. Ils voyaient trop loin dans ce qu'ils voulaient faire. Et c'est une version qui, du coup, par rapport à tout ce qu'ils voulaient faire vis-à-vis de cette version-là, ça bouffait trop de ressources vis-à-vis de la console. C'était. Ils n'arrivaient pas à faire un bon jeu avec, en fait.
Du coup, ils ont décidé de faire une version hallucination qui était juste une version test. Et tout ce qu'on voit dans la vidéo de gameplay de 20 minutes, 20-30 minutes, la version hallucination, bah, il n'y a que ça de cette version en fait. Ils sont pas allés très loin avec celle-là. Il y a eu 2-3 autres versions après. Mais ça, j'en parle un peu dans la rétro. Et globalement, bah, le problème, c'est que toutes ces versions-là, ils étaient incapables de faire un bon jeu. Et en fait, bah, on a dû appeler Mikami parce que finalement, le développement du jeu commence à coûter trop cher. Et donc, ils ont dit à Mikami, bah, sors un jeu. Il est venu et vu qu'il avait carte blanche, bah, il a fait ce qu'il avait à faire en fait. Et ça donne le Biocat qu'on a au final. Donc, un Biocat qui fait pas très Biohazard. Le seul côté qui fait Biohazard, c'est le château parce que c'est le seul truc réminiscent des précédentes versions. Et en plus, le truc qui est très drôle, c'est que le scénario de base était écrit par Mikami. Ouais. Donc, quand on me dit Mikami, sans Mikami, la série c'est de la merde, je dirais, bah, souvenez-vous des papys espagnols qui sautent du toit. C'est du Mikami pour le coup. Voilà, je sais que j'ai pas dit grand-chose sur Biocat, mais pour le coup, c'est une des plus grosses parties de la rétro. Ouais. J'ai vraiment résumé la chose. Tu veux pas trop spoiler. Je vais éviter de trop spoiler, c'est pour ça que j'essaie d'être synthétique. Est-ce que là encore on a beaucoup de différences entre version originale et occidentale? Pour Bio 4, ouais, pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, en Jap, Léon, il a plus ce côté nihiliste. C'est-à-dire que tu sens que Léon, en Jap, il est dégoûté de la vie. Alors qu'en version occidentale, il est plus blagueur, il déconne. Bon, après, il fait quand même des vannes en Jap, mais c'est plus différent. Il est plus cynique en Jap en fait. Alors que en occidental, il se la pète un peu plus. Après, vis-à-vis des documents, il y a beaucoup de trucs qui sautent. Surtout vis-à-vis d'Aïda. Par exemple, en version japonaise, en fait, c'est Aïda qui leak l'information au gouvernement américain que Ashley est dans ce village espagnol. Donc on D'accord. sait que c'est elle qui a transmis l'information, alors qu'en Occident, on ne le sait pas. Donc Léon il débarque comme ça, on sait pas pourquoi. On sait même pour qui Aïda travaille dans la version japonaise, alors qu'en version occidentale on sait pas pour qui elle bosse. C'est-à-dire qu'il y a toujours la mention de la troisième organisation en japonais. D'ailleurs c'est même quasiment tout le temps dans les documents qui parlent d'Aïda. C'est tout le temps la troisième organisation, la troisième organisation. Ça c'est quelque chose qui saute dans la version occidentale. Et c'est quoi cette troisième organisation? Bah, c'est l'organisation rivale d'Umbrella dont Wesker prend le pouvoir après 96. Donc elle bosse pour Wesker. Plus ou moins parce qu'en fait bah, c'est une agent double, Aïda. Ah, c'est la Ocelot de Resident Evil. Ah pour le coup je te dirais que c'est plus une Fujiko de Lupin. Pour le coup. Parce que D'accord. l'inspiration d'Aïda vient de Lupin et de Nikita. Ce que j'aimerais, c'est ton sentiment personnel sur Resident Evil 4. Bah, Resident Evil, Biohazard 4, c'est un jeu que j'adore. J'ai plus de 1000 heures de jeu dessus. Mais pour moi, c'est pas un bio. Donc, à partir de là, c'est un jeu que je chie. Je le conchis en tant que Biohazard. Mais en tant que jeu vidéo, juste en tant que jeu vidéo, bah, je l'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est pas une claque. Qu'on me dit que c'est en fait. Alors là, je me dis c'est une claque, ok, c'est une claque graphique. Mais en termes de gameplay, une vision à la troisième personne, on en a déjà eu avant. En plus, j'ai même envie de dire que Gun Survivor le faisait avant. Gun Survivor, en fait, Gun Survivor 4 avait cette. En fait, tout ce que Bio 4 le fait, Gun Survivor 4 le faisait. Est-ce que tu peux faire, alors là, c'est le moment, est-ce que tu peux faire une parenthèse Gun Survivor? Bah, le premier Gun. Alors, du coup, faut que je parle du premier Gun Survivor aussi. Ah, faut que tu reparles de tout et après on partira sur ton avis sur le 4 et après sur le 5. Alors le truc c'est que le premier Gun Survivor, donc c'était une vision un peu plus arcade de Biohazard, donc ça devait jouer au Guncon. Donc c'était littéralement le gameplay de Biohazard à la première personne, avec un flingue. Un flingue dans la vraie vie. Hein. Pour le coup, Gun Survivor, et c'est ça qui est très drôle, Gun Survivor a la pire traduction de la série, même. Il a même une traduction pire que 96. Parce que le jeu avait tellement pas de budget que le jeu a été fait à la va-vite. Alors moi je lui pardonne beaucoup parce que c'est un spin-off. Je suis plus gentil avec les spin-offs parce que bah, c'est des jeux qui n'ont pas de budget, donc ils sont là pour les fans plus qu'autre chose. Donc j'ai tendance à pardonner plus au jeu. Mais en termes de narration pure,
en japonais, le jeu est vraiment excellent en fait. Il apporte beaucoup de choses au niveau du background, il a une narration qui est très intéressante. En plus, elle est écrite par. La narration de Gun Survivor est écrite par Sugimura qui a fait Bio 2, Code Vero et Gun Survivor 4. Donc à partir de là, tu peux pas te dire le. Si le mec fait deux narrations qui plaisent aux fans, comment ça se fait qu'il y en a une qui plaît pas? Bah moi je pense intimement que c'est à cause de la traduction en fait. Parce que le scénario de Gun Survivor 4 est excellent. Et ce que le jeu fait, bah c'est très bon quoi. Graphiquement, oui, ok, ça fait bizarre parce que d'un coup on est dans des décors en 3D. Donc forcément le jeu est pas géré de la même manière. Mais globalement le jeu est très bon. Après on a un Gun Survivor 2. Et ce Gun Survivor 2 donc, qui se déroule dans l'univers de Code Vero, c'était un jeu arcade à la base, mais littéralement. Donc c'était un jeu que tu pouvais jouer en salle d'arcade au Japon. Bah pour ce qu'il fait, c'est très bon en fait. C'est juste Code Vero en salle d'arcade. Donc bah, c'est bien en fait, c'est rigolo, tu lances le jeu, t'as envie de jouer à Code Vero en mode bourrin, ça passe. Et après il y a Gun Survivor 4, et là Gun Survivor 4, Donc c'est un c'est truc de Dead Aim. fou. En plus, pour l'anecdote de développement, Gun Survivor 4 reprend l'idée de Kamiya que Kamiya avait proposé pour 96, que le jeu se déroule sur un bateau. Et ça devait être la prémisse de la première version de Biohazard 3. Et finalement, ça s'est retrouvé dans Gun Survivor 4. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un jeu qui est très beau, qui a un bon putain de gameplay, parce que là, pour le coup, bah, le Guncon sert vraiment, parce qu'on a des dégâts localisés. Dans les zones des ennemis. Donc il faut vraiment viser, c'est plus du bourrin en fait. C'est vraiment, il faut être précis dans les tirs qu'on fait. Donc en fait, c'est ce que Biohazard 4 fait après. On dit que Biohazard 4 c'est trop bien parce qu'il y a la visée libre, mais Gun Survivor 4 le fait. Gun Survivor 4 parle de l'après Raccoon City, parle de la chute d'Umbrella, bah, nous parle de tout ça en fait, on parle même de l'espionnage industriel, ce que Biohazard 4 fait aussi. Du coup, en fait, Gun Survivor 4 fait tout ce que faisait Bio 4, 2 ans avant. Du coup, pour moi, Bio 4, ben, en fait, il apporte pas grand-chose, quoi. C'est, oui, il est beau. Voilà. Il a juste un gros budget, donc il est beau. Voilà. Mais j'enlève les graphismes, ben, il y a un scénario de merde, en dehors du background, et le background, il n'y en a pas beaucoup. Après, oui, le jeu est fun, mais ça fait pas Biohazard, en fait. Donc, à partir de là, le jeu, pour moi, c'est vraiment, c'est un échec, quoi. Est-ce que c'est à partir de Resident Evil 4 pour toi que la série est partie en couille? Bah en fait si je devrais être plus juste je dirais que c'est à cause de Code Veron. Ouais, Code Veronica aussi. D'ailleurs ça me fait penser qu'on parle du 4 mais on n'a pas parlé du remake et de Zéro. Putain, c'est vrai. Alors, on va en parler. Mais, parce que bon, le remake, on en a parlé un tout petit peu au début. On va en parler après. Et c'est vrai que le 0, où est-ce qu'on le place? On aurait peut-être dû mettre le 0 juste après le premier en fait. Ou Bah juste en avant. fait il sort même pas quelques mois après le remake. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah écoute, alors, on va faire une transition entre Resident Evil 4 et le 0, et ensuite on passera au 5 dans ce cas. Là, je vais parler un peu du remake aussi parce Et que c'est le intéressant. remake. Alors vas-y, c'est à toi. Bah, le remake, c'est une expérience assez intéressante parce que pour le coup, bah, c'était bah, les nouveaux Bio, donc du coup, ils ont décidé de se dire, bah attends, on va tester ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ils ont décidé de faire un remake de 96. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un projet de Mikami. Parce que c'est pas le cas de l'original, mais pour le remake, c'est un projet de Mikami. L'idée initiale était donc de remettre les 50% de scénario et d'idées de game design qu'il n'y avait pas dans l'original dans le remake. Problématique, quand ils ont fait tester le jeu à des bêta-testeurs, les gens étaient tellement embrouillés, ils comprenaient pas, ils étaient tellement en train de pester parce que c'était différent par rapport à l'original, qu'ils ont au final coupé tout ce qu'ils voulaient rajouter. Au final, on se retrouve qu'avec des légers pans de scénario ajoutés, des aspects du manoir qu'on n'a jamais vus. Merde. Et en plus, je dirais même, on dit souvent, ouais, le génie du remake, c'est la surprise qu'il fait par rapport à ce que tu sais dans l'original. Sauf que moi, je dirais, Director's Cut le fait déjà. Parce que Director's Cut, quand tu lances le jeu en mode Advanced, t'as des ennemis à des emplacements différents, t'as des ennemis qui pop pas aux endroits où ils sont censés popper, t'as des items qui sont pas au bon endroit, etc., etc. Donc pour moi, Director's Cut le fait déjà, donc il n'y a pas de génie dans le remake, à part son aspect graphique.
Et en plus de ça, je dirais même que vis-à-vis de son gameplay, le jeu réussit à être plus mou que l'original. Et ça, pour moi, c'est un échec. Parce que si tu fais un remake de l'original, pourquoi le rendre plus mou? Tu es très lent dans tes déplacements. Il y a même des bugs de hitbox. Quand tu essaies de foutre des headshots au shotgun, des fois ça marche pas. Et tu sais pas pourquoi ça marche pas. Et ça, c'est grave. Parce que c'est quand même la base de la série, hein, les headshots au shotgun. Même Code Vero le fait pas. Et globalement, bah, les rajouts, bah, c'est du bonus sympa, mais ça va pas plus loin que ça, en fait, on s'en fout, quoi. Et Donc, quand... je dirais même au niveau de l'aspect remake, bah, tu passes d'un manoir qui est super éclairé, super beau, t'as envie de vivre dedans, à un manoir délabré, dégueulasse, qui craquelle, tu ne sais pas pourquoi. Tu passes d'une musique qui alterne entre la musique de film d'horreur orthodoxe, le métal, et quand je dis le métal, parce que beaucoup, beaucoup de gens sont impressionnés quand je dis bah, il y a du métal dans Biohazard, mais dans l'original, le cast qui présente les personnages, c'est une putain de musique de métal. Quand t'as le zombie qui t'attaque au début du jeu, c'est une putain de double pédale, donc t'es complètement dans le métal. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec des nappes orchestrales complètement dégueulasses. Moi je comprends pas, moi quand je vois le jeu, je ne vois pas Biohazard. Et en dehors de ça, même au niveau des couleurs, tu passes de couleurs très claires, très colorées, ça pète de couleurs, c'est très beau, à des couleurs très ternes, très grises, très verdâtres. Fondamentalement, je dirais que le problème du remake, c'est qu'il essaie de faire trop dans le réalisme et qu'il perd de ce côté jeu vidéo qui faisait la force de Biohazard en fait. Parce que Biohazard a toujours visé le réalisme, certes, mais tout en gardant cette patte jeu vidéo dedans. Et le remake, le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Et globalement, bah, il n'apporte pas grand-chose, en fait. C'est juste encore une énième version de 96 qu'on se tape. En T'es plus en beau. train de me dire qu'ils ont mis à la poubelle plein de trucs alternatifs qu'ils avaient fait. Est-ce qu'ils ont gardé les masters? Est-ce qu'ils ont gardé quelque chose? Bah, ils sont même pas allés bien loin en fait, ils ont à peine fait tester les trucs et dès qu'ils ont remarqué que les gens gueulaient parce que c'était trop différent, ils se sont dit on va pas aller plus loin. Bordel de merde, retrouvez-moi les bêta-testeurs de l'époque qu'on les égorge. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, le pire c'est même pour revenir sur 96 parce que je disais justement que c'est le premier jeu en 3D de Capcom, ils avaient la banqueroute et tout. Le Biohazard 96 de l'époque, on a que 50% du jeu fini. On n'a que 50%. On n'a que 50%. Et pourtant, même avec 50%, on a un jeu qui est une pierre angulaire du jeu vidéo. C'est incroyable. Donc, imagine s'il y avait eu, s'ils avaient implémenté tout ce qu'ils voulaient implémenter. Ah ça c'est triste. On aurait eu un jeu mais vraiment le jeu du millénaire, quoi. En fait, t'as un petit peu le même point de vue sur Resident Evil Rebirth, remake, on l'appelle comme on veut, que moi avec Twin Snakes par rapport à Metal Gear. Bah, c'est ça, en fait. Ah mais je peux comprendre, hein. C'est vrai quand t'es tellement attaché à l'original que tu le connais par cœur, c'est compliqué pour un remake, surtout en jeu Bah, vidéo. moi, le problème, c'est même pas de faire une nouvelle version, en fait. C'est pas ça le problème. Parce que tu vois, je te dirais même qu'au final, j'essaie de donner mon point de vue objectif sur le jeu. Moi, personnellement, le remake, je l'aime bien. J'y rejoue de temps en temps, je m'amuse dessus, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais si j'analyse le jeu, j'arrive à remarquer qu'il y a des gros putains de soucis, en fait. Et c'est. Je sais pas, en fait, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens l'encensent autant, alors que pour moi, il apporte rien, en fait. Il est juste plus beau. Parce que toi, t'es un fan hardcore, tu connais par cœur le premier, t'as des attentes très spécifiques. Pour moi, le Rebirth, c'est un des meilleurs. Le remake GameCube, c'est un des meilleurs. Ouais, mais Je le mets au regarde, même niveau que le premier, tu vois, pour moi. à l'époque, le remake, je l'attendais pas. En plus, j'étais jeune à cette époque-là. Ouais, mais t'avais quand même des attentes différentes des miennes. Mais j'en avais pas, en fait. C'est en fait quand le jeu on me l'a présenté, j'ai fait ah il y a un remake. J'étais même pas au courant. Je vois le truc, je fais ok bah ça a l'air cool. Moi je me disais juste c'est un nouveau Biohazard. En plus à cette époque-là, mon esprit critique n'était pas très, très développé. Hein. Je me dis juste bah c'est un nouveau Bio en fait. J'allais pas plus loin que ça. Du coup, bah j'ai fait le jeu, je me suis dit bah c'est cool. Après j'ai juste remarqué qu'il y avait des problèmes, et je me dis bah ça reste un Bio. Parce que finalement, moi, c'est un truc que je répète très souvent, mais aussi pour que les gens qui m'écoutent comprennent bien la chose. Moi, quand je juge Biohazard, je juge Biohazard par rapport à Biohazard. Pas par rapport à ce qui se fait à côté. Donc, c'est-à-dire, tu prends le remake
de Biohazard. Pour moi, en 2002, il n'y a pas de jeu qui est meilleur que le remake de Biohazard. Pour moi, c'est le meilleur jeu de l'époque. Mais si je le juge en tant que Bio, bah pour moi, c'est pas génial, quoi. C'est ton point de vue, je l'accepte. Et pour Rebirth, je dis Rebirth, d'accord? Donc tu es une pute à Julien Chiez. Mais je ne sais. Alors, est-ce que c'est vraiment lui qui a lancé ce nom-là? C'est possible, hein? Bah en fait le truc, pour bien comprendre la chose, parce que moi je vais rétablir des vérités, En je fais que fait, ce ça. nom, il me semble que ce nom, j'ai dû le retenir d'un test que j'ai lu à l'époque dans un magazine. Et c'est très possible que ça soit sur Joypad. En fait, premier trailer du remake de 96. Ouais. Le trailer sort, donc on voit une caméra qui bouge dans les maps du manoir à la première personne. Et ça fait donc des phrases de promo, et puis à un moment ça sort Rebirth, comme ça. Le truc, c'est que Julien Chies, à partir de ce moment-là, il n'a pas arrêté de dire Resident Evil Rebirth. Il l'a répété en boucle, il l'a répété en boucle, il l'a répété en boucle. Sauf que Capcom n'a jamais dit que le jeu s'appelait Rebirth. Il l'appelle au Japon, il l'appelle juste Biohazard. Ouais, non, mais ça, tu sais, c'est comme après, tu sais, Rambo 4 qui s'appelle Rambo, Halloween, le nouveau, là, qui est censé être la nouvelle suite du 1 qui s'appelle Halloween. On s'en sort plus! Donc, moi, je dis Resident Evil Rebirth, ça permet de le démarquer du premier. Et si c'est une idée de Julien Chies, je dis que c'est une très bonne idée. Eh oui, messieurs. Bah au pire tu fais comme moi et tu dis 96 à 2002. Oh, puis écoutez, moi, c'est la nostalgie. Franchement, Rebirth, je l'ai toujours appelé comme ça depuis que j'ai vu ça à l'époque. Et c'est resté en moi, tu sais, c'est depuis 2002, hein. Ah je comprends mais c'est les abus de langage. Bah Mais alors, je suis moi du désolé coup tu pour vois les moi je dis puristes. 96 et 2002 en fait. Moi, je dis Rebirth. Voilà, je ne changerai pas. Bah écoute, ok, pour ton avis, je respecte, c'est ton avis, y a pas de souci. On passe au zéro, du coup, en 2003. Alors zéro. Zéro c'est très particulier parce qu'à la base ça devait être un opus Nintendo 64. Sauf Absolument. que il y avait des problèmes au niveau de la RAM de la console. En fait, ils avaient soulevé la Nintendo 64 à la base, parce que. Enfin, c'était Oda qui avait choisi ça, parce que Oda c'est le directeur du Zéro. Et qui était là depuis 96. Ils avaient choisi la 64 parce que grâce à la cartouche, on pouvait donc switcher de personnage très rapidement, grâce justement au partner zapping. C'était la mécanique de Zéro. D'ailleurs, partner zapping, qui est une mécanique qui a été faite par Hideki Kamiya. Le game design original vient de lui. Sauf que au fur et à mesure des développements, il y a eu donc les jeux qui commençaient à être développés sur GameCube. Et vu que du coup, bah, la GameCube, elle était déjà. Pour les développeurs, la GameCube existait déjà en fait. À partir du moment où ils ont commencé à développer le Zéro, du coup, bah, ils se sont dit, bah, autant passer directement sur GameCube en fait. Ça sert à rien de faire un jeu sur une console en fin de vie. En plus, du coup, la GameCube, elle a plus de RAM. Son lecteur CD va beaucoup plus vite, donc on peut faire le jeu là-dessus. Donc ils ont décidé de commencer à faire le zéro sur GameCube. On en était à combien de pourcentage de développement de la version 64? Ça, pour le coup, on sait pas. Pour le coup, on sait juste qu'ils ont juste fait le train, en fait. Ils sont pas allés plus loin que ça. J'aimerais bien voir cette version, j'aimerais bien y jouer un jour. Ben moi aussi, surtout qu'il y a ce côté très 90 Ah que j'aime ouais, non, mais beaucoup. ça me rêvait. Puis c'est aussi par rapport à Resident Evil 2 64 qui me fait toujours rêver. Donc, il y a un petit côté nostalgique. J'aimerais bien un jour mettre la main dessus. Mais du coup, donc, on en arrive à un jeu qui est fait par Oda, donc un mec qui est là depuis le début. Mais il dit, qu'est-ce que je peux faire de plus dans Biohazard? Parce qu'on a plein de Biohazard qui sont sortis depuis. Et Biohazard 3 étant un petit peu l'excellence à cette époque-là. Du coup, le mec décide de prendre un autre parti pris. Si Biohazard 3 va dans le côté skill de l'action, au niveau des frames, etc., etc., Zéro, lui, par contre, irait à fond dans la gestion d'inventaire. Et donc, on se tape un jeu qui te demande de gérer deux persos en même temps constamment. Et en plus de ça, on enlève bah, les boîtes magiques, hein. On va les appeler comme ça. Donc tu as un jeu qui est complètement dans la gestion. Et ça, pour le coup, c'est une excellente idée. Je sais que beaucoup conspuent le zéro, mais le zéro fait partie des jeux de l'excellence. C'est un peu. Moi, je résumerai les choses comme ça. Après 96, il y a deux écoles qui se lancent, et il y a l'école de Biohazard 3 et il y a l'école de zéro. C'est deux écoles complètement différentes, mais qui se complémentent en fait. Parce qu'elles suivent la même elles suivent la même base en fait. Et zéro, c'est un peu ça. Zéro, il faut maîtriser le gameplay. Pour kiffer Zéro, il faut maîtriser ce que tu as à l'écran.
Il faut savoir de réfléchir à chaque instant. Il faut savoir contrôler les deux persos en même temps, ce que tu peux faire. Beaucoup de gens oublient qu'avec le deuxième joystick, tu peux contrôler le deuxième personnage. Du coup, tu es censé te dire, bah tiens, je vais aller à tel endroit, donc du coup, j'ai peut-être posé tel objet à tel endroit, etc. C'est de la réflexion de chaque instant. Et le jeu brille de cet aspect-là. En plus d'être plus beau que le remake. Mais en plus, anecdote très drôle, quand Oda est en train de développer avec le Capcom Studio numéro 1 0, il était allé voir le Capcom Studio Production 4, qui est dirigé par Mikami, qui est en train de s'occuper du remake. Il a vu les décors, il s'est dit, ouais, ils sont très jolis, bah du coup, faut qu'on fasse mieux. Et le mec, il est revenu voir sa team et il a carrément forcé sa team à revoir les décors de zéro pour les rendre encore plus beaux. Il a poussé graphiquement la GameCube dans ses retranchements pour faire le zéro. D'ailleurs, pour l'anecdote, le HD remaster du zéro utilise juste les masters d'origine. C'est-à-dire que la version GameCube de zéro, c'est les masters d'origine qui sont downscale au niveau de l'image, donc qui sont réduits pour pouvoir être sur un CD. Ce qu'on a au niveau du HD remaster, c'est les masters d'origine qui sont même pas retouchés en fait. Ce que le remake de Biohazard est obligé de faire. Pour le HD remaster, ils ont été obligés de retoucher les modes, les décors, ce qui n'est pas le cas de Zéro. Donc on a un jeu de grande qualité. Et en termes de scénario, pour le coup, on a affaire à un jeu. Bah, de toute façon, l'optique de Zéro, c'était de faire un Biohazard très épuré. Donc le but, c'est de revenir à l'essence de Biohazard d'une manière épurée, tout en étant narrativement de revenir à la genèse. Donc il y a un lien dans tous les aspects du jeu vis-à-vis de ça. Et donc on découvre Marcus, qui est un des membres fondateurs d'Umbrella. Et d'ailleurs, je tiens même à préciser, l'antagoniste de Zéro, c'est pas Marcus, c'est la reine sans su. Marcus est mort. La reine sans su prend l'apparence de Marcus et prend sa personnalité, mais ce n'est pas Marcus dans le jeu. Donc du coup, on a un jeu qui essaie donc de nous raconter un petit peu la genèse de l'événement qui se passe dans le manoir. Tout ça d'une manière très simple, très épurée. Après, le problème, c'est que Zéro souffre, comme je l'ai dit tout à l'heure, souffre de ce côté. Enfin, vu que Code Zéro et Zéro et 4 étaient censés faire une trilogie, le problème, c'est que Zéro souffre de ces passages coupés, vu que le 4 n'a pas pu être fait tel qu'il devrait être. Donc on a un jeu qui a coupé beaucoup d'aspects de son scénario et c'est problématique, mais globalement on a beaucoup d'aspects de background qui sont racontés, qui apportent beaucoup à la mythologie de la saga. Et en plus de ça, je rajouterais même un truc, et parce que c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Zéro, pour le coup, il est complètement fait pour le public japonais. C'est pour ça que, bah, en plus, ça colle à ce que je vois dans le chat juste maintenant. Tout le monde est en train de dire que la reine sans su, c'est un perso trop naze. Bah, je dirais que c'est un perso trop Jap, en fait. Le perso a complètement un design de perso japonais. Et là, pour le coup, c'est les japonais qui font un jeu de japonais, c'est pour ça que ça plaît pas, en fait. Pour le coup, Zéro est vachement apprécié des japonais parce que c'est un jeu de Jap, en fait. Par contre, je suis pas d'accord. Je trouve que le Rebirth, en le remake, si vous préférez, est plus beau que le Zéro, surtout sur les effets de lumière. Ah, par contre, le train est impressionnant. Hein. Vraiment, l'intro est magnifique. Mais je trouve que quand tu compares le manoir du remake et du Zéro, celui du remake est supérieur, surtout sur les effets de lumière. Bah, en fait, le remake a juste des effets de lumière. Le Zéro, par contre, lui, il s'en bat les couilles des effets de lumière. Ouais, mais ça fait une grosse différence visuellement, je trouve. Bah, en fait, le Zéro va plus aller dans les détails. Oui, ouais. Ça fourmille plus de détails dans le Zéro que dans le remake. C'est vrai, mais du coup, le rendu est, je trouve, un peu moins beau. Après, c'est subjectif, hein. Ah, c'est complètement subjectif pour le coup. Moi, par exemple, je te dirais même moi-même, j'ai une préférence pour les décors du remake. En plus, je te dirais même, moi, c'est encore pire parce que bah, j'ai la nostalgie de 96. En plus. Donc, voir des lieux qui sont pour moi des lieux que je connais en plus beau avec des effets de lumière de fou furieux, je kiffe ma vie. Mais si je me dois d'être objectif, le Zéro est juste plus beau techniquement en fait. Il a plus de détails, il va beaucoup plus loin dans la technique. Donc à partir de là, je suis obligé de respecter plus le Zéro d'un pur point de vue technique que le mec. En plus, surtout que les jeux sortent à même pas quelques mois d'intervalle. Bah, il s'est passé quoi, 6 mois, 9 mois, je sais plus. À peine, hein. Pas beaucoup, hein.
Ils sortent la même année, ils sortent en 2002, donc... 2002-2003, c'était 2003 pour Zero, en tout cas chez nous. Au Japon, ils sortent en 2002. Ah, il sort en 2002, le Zero aussi au Japon, j'ai plus. Ils sortent en 2002, ouais. D'accord. Moi, je me base sur les dates Jap parce que je trouve que c'est le plus juste, en fait, en termes Ouais, d'accord. d'optique. Parce que, de toute façon, on a des jeux qui sortent en retard en Occident, donc... Non, mais j'ai le souvenir que moi, je l'ai eu en 2003, le Zero. Revenons du coup sur Resident Evil 4. Ah, est-ce qu'on a également des différences de traduction entre la version Jap et occidentale pour le 0? De 4 ou de 0? Le 0, le 0, vraiment. 0, bah on en a pas mal. Bah après, le problème, c'est que le script est très épuré. Comme je le dis, le problème, c'est que 0, c'est un jeu qui se veut très épuré. On en a, que ce soit au niveau de la vulgarité, ce genre de choses. Bah, par exemple, un truc qui me fait rire, c'est que bah, c'est un détail tout con, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment con, c'est pas quelque chose qui rajoute de la substance ou quoi, mais pour moi, ça rajoute à l'ambiance de la chose. Parce que c'est un truc qu'on oublie très souvent dans la narration. Et pour le coup, bah, on parle d'une série d'horreur, mais Billy en anglais qui dit Hey Queenie, eat this, en japonais il fait Hey trou du cul de monstre, bouffe ça quoi. Genre le mec il a pas de respect en japonais quoi, il est en mode il en a marre, tu sens que tu sens qu'il en a ras le cul. C'est un peu comme Jill dans Biohazard 3. Ah, c'est Dans toujours. Biohazard 3, Jill quand elle arrive aux phases du Némésis, bon elle sort la phrase culte. Elle sort en anglais You want stars, I'll give you stars. En japonais, elle sort un truc du genre Un monstre dans ton genre devrait cesser d'exister. Et pour le coup, ça c'est une traduction littérale de la chose, parce que ça c'est ce que mes traducteurs m'ont dit. Et je le vois même quand j'entends juste le truc être dit. En japonais, pour le coup, tu sens que Jill passe de ce côté très. Parce qu'en fait, elle est écrite d'une manière femme moderne en fait. À la japonaise. C'est-à-dire, tu sens que c'est une femme, mais que c'est pas une femme avec qui tu déconnes. Et le truc, c'est que pendant tout le jeu, elle a ce côté un peu femme normale, et à la fin du jeu, quand elle sort au Némésis, qu'un monde dans ton genre devrait cesser d'exister, tu sens qu'elle en a marre. La manière dont elle le dit, c'est d'une violence. Au Japon, tu dis un truc comme ça, tout le monde te regarde dans les yeux, en fait. En mode, mais qu'est-ce que tu viens de balancer, quoi, ça se dit pas. Et ça, le problème, c'est que quand tu le traduis littéralement, bah c'est pas aussi violent que ça y paraît en fait. Ah, donc globalement, vraiment, la version japonaise est plus violente, plus crue, Elle plus est directe. plus. Le problème c'est qu'en fait, pour dire un truc, pour Bio passe bien, pour retranscrire vraiment l'émotion qui est retranscrite en japonais, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un à la traduction, ou du moins à la localisation, qui réécrive la chose pour retranscrire l'idée en fait. Parce que littéralement, ça passe pas en fait. Il y a des choses qui se perdent. Est-ce qu'on a des différences flagrantes, parce que tu parles beaucoup de violence, est-ce qu'on a des différences flagrantes de scénario, des trucs qui n'ont vraiment plus rien à voir? Ben, on en a, je les ai mentionnés vis-à-vis de 96 et de 2-2. Ouais. Après, j'en garde pas mal sous le manteau pour la rétrospective pour le coup. Je comprends. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que là, déjà, je balance beaucoup de choses. Si je balance tout, là, il n'y a Mais plus tu rien à donnes envie côté. aussi qu'on voit ça de manière montée, avec les images, les sons, etc., etc., et ça va Ah, quoi. c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En plus, là, je le répète, hein, je sors tout de tête. Hein. Là, j'ai aucune note devant moi. Donc, c'est vraiment de mémoire. Bien, alors on va revenir du coup sur le 4. Donc, une synthèse sur le 4 parce que t'en as beaucoup parlé aussi. Bah, pour moi, le 4 est un échec, en fait. Il ne fait pas Biohazard, il n'a rien de Biohazard en dehors de certains persos qui reviennent du background. Termes d'imagerie, de direction artistique, il n'a rien de Bio. Bah, le gameplay, ça reste Bio avec une caméra de dos, en fait. Y a rien qui change. Ok, en fait, t'as une visée libre et de la mêlée. C'est tout ce qui change. Donc, si moi, on me parle de génie juste à cause de ça, très franchement, je pense que les gens n'ont pas. Enfin, sous-estiment le génie, en fait. Parce que pour moi, y a rien de ouf. Pour toi, ça ne respecte pas la proposition originale de Resident Evil. Complètement. Et c'est même pas le changement de caméra ou la visée libre ou la mêlée. Hein. C'est vraiment juste. Ce qu'on me montre à l'écran, la direction artistique, le scénar, pour moi, ça ne fait pas Biohazard. Biohazard, c'est la géopolitique, c'est l'économie, c'est l'eugénisme, c'est la virologie. Là, on me met des parasites dans un village espagnol. Terme d'imagerie, ça ne colle pas. Et en plus, pourquoi le scénario est très important dans Biohazard? Parce qu'effectivement, c'est une série qui se base sur le gameplay, ça c'est clair et net. Mais c'est une série qui a toujours mélangé les deux.
Elle a toujours mélangé son atmosphère, sa direction artistique, son scénario au gameplay. C'est un mélange qui va ensemble. Je suis en train de me marrer parce que là on va passer au 5, je crois que tu vas choquer les gens. Vous allez voir l'avis de Derek sur Resident Evil 5, qui à mon avis est très très peu commun parmi nous. Mais il va le défendre. Mais non, mais j'étais en train de me marrer parce que je relisais le nom des développeurs. Mais j'ai un truc qui vient de me revenir en tête quand j'ai tourné la rétrospective Resident Evil. Parce que donc, là on passe à Resident Evil 5, réalisé par Yasuhiro Hampo et Kenichi Ueda. Et je me rappelle que quand je faisais lire les textes à Morgan qui fait la voix de Hal, et il en a chié, je crois que c'est la vidéo sur laquelle il en a le plus chié parce qu'il en pouvait plus. Il m'a dit mais c'est quoi ces noms, Yasuhiro Hampo. Il a prononcé les noms mais comme des merdes, je crois que c'est pas comme ça qu'on... Comment on dit en japonais? Enfin comment tu le prononces toi? Yasuo Rampo. Hanpo, ouais, parce que nous, on a traduit ça par Hanpo. C'est un peu. En Yasuo fait, le problème, c'est que tu peux mettre N ou M. Ça change pas grand-chose. Parce que c'est le problème du langage japonais. Ah. Mais moi, je l'écris avec un N, personnellement. Ouais. Et ça se prononce Rampo. Donc, parce que c'est un peu comme les L et les R en japonais. C'est pareil avec le N et le M, en fait. Vous nous excuserez, mais Morgane n'en pouvait plus. À ce moment-là de la lecture des textes, il n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, je tiens à dire un truc hein, vis-à-vis d'Ampo. Ouais. Ampo, il est là depuis le début. C'est le premier membre de la team Biohazard. Ah, c'est le premier. C'est l'un des premiers. Ils étaient 3 ou 4 au début du projet et il faisait partie de ses premiers sur le projet. Il était là avant Mikami. Ah, c'est complet. Mais il est toujours là en plus, c'est ça le pire. Donc tu vois, quand moi on me parle de Mikami, moi je dis bah il y a toujours Ampo en fait. Mikami, je m'en bats un peu les couilles en fait. Bon, alors du coup, Resident Evil 5, Derek, c'est à toi. Bah, Biohazard 5, c'est l'excellence. Tout simplement. C'est l'excellence. Ça corrige tous les problèmes du 4. Donc, on a l'ambiance bio. On a un scénario à la bio. On a la fin de l'arc Wesker. Qui était écrite depuis 96, je le rappelle. On a un gameplay qui est parfait. Pour mentionner pourquoi le gameplay est parfait comparativement au 4, un truc qui me posait énormément de problèmes dans le 4, c'était la gestion de la caméra. On peut faire des quick turns dans le 4, mais on ne peut pas être précis au niveau de la visée de caméra. Pour donner un exemple, dans le 4, si on baisse légèrement la caméra, si on vise, le perso vise toujours tout droit. Il vise pas là où on a mis la caméra. Dans le 5, c'est le cas. La mêlée est enfin utile. Parce que dans le 4, oui, la mêlée, elle est utile, mais je fais toujours la même chose. Headshot mêlée, headshot mêlée. Je fais que ça. Dans le 5, il y a énormément de coups de mêlée qui sont rajoutés par rapport à ce que tu fais au niveau du dégât des ennemis. Les ennemis que tu affrontes ont des dégâts localisés, ce qui n'est pas réellement le cas dans le 4. C'est-à-dire que beaucoup d'ennemis sont designés dans le 5 pour que tu doives leur faire des dégâts par rapport à certaines zones. En plus, tu as enfin le rajout de la coop dans un opus principal. Ça existait déjà dans Outbreak. Outbreak d'ailleurs qui a été dirigé par le mec qui dirigera Biohazard 6 plus tard. Ah ouais, putain, faudra peut-être faire une parenthèse sur Outbreak aussi. Putain, mais tu sais que je voulais l'acheter à l'époque celui-là. Mais il était pas T'aurais en... pas lu online Mais il donc n'y avait pas le online chez nous, donc du coup j'ai fait l'impasse. bah surtout pour Outbreak c'est un truc qu'on oublie très souvent mais petit aparté sur Outbreak mais Outbreak à la base le jeu s'appelle Network Biohazard. Donc le jeu de base, il est pensé pour pas être joué en solo en fait. C'est censé être un MMO Biohazard en fait. Aberrant qu'on l'ait pas eu à l'époque en online. Ah complètement, mais le problème, moi c'est ce qui se passe en Europe. Hein. Tu remarqueras qu'il n'y avait quasiment pas de jeu qui avait le online hein, sur PS2 à l'époque. Si, MGS3. Oui, mais c'est pour ça que tu remarqueras, je t'ai dit, il n'y a pas de jeu. J'ai Pas dit, beaucoup, pas il n'y avait beaucoup. quasiment pas de jeu. Non, non, mais c'est vrai, t'as raison, mais je m'étais acheté une PS2 Slim juste pour en fait avoir le truc avec l'adaptateur parce que je voulais pas acheter toutes ces conneries, tu sais, pour avoir la prise Ethernet là. J'avais acheté une PS2 Slim et ça a fait l'affaire et j'ai pu jouer à MGS3 Online. Et je me suis régalé. Mais pour Resident Evil Outbreak, ça a été un grand regret parce que je voulais vraiment y jouer. On n'a pas eu le network. C'est très triste. Ouais, ça c'est dommage, et mais pour le coup, par contre, tu peux quand même y jouer en online parce qu'il y a des gens qui ont ressuscité les serveurs. Ah, ça c'est le truc qui est bien avec cette nouvelle génération là. Tous les trucs qui reviennent en online, les vieux jeux. Ah, complètement. Et pour le coup, Outbreak, bah, si tu le prends comme un Biohazard online, vraiment parce que le jeu est pensé comme ça, Ouais. le jeu est excellent dans ce qu'il fait.
Parce que tu as effectivement, si tu joues en solo, tu te dis, bah tiens, c'est bizarre, je peux pas foutre des headshots au shotgun. Mon perso fait très peu de dégâts quand il tire. Je me prends beaucoup de dégâts quand je me fais mordre, etc., etc. Mais justement parce que le jeu est pensé pour être joué à 4. Donc t'as ce côté, bah, quand t'as 4 joueurs dans la map, bah, c'est différent. Moi, les expériences que j'ai eues sur Outbreak, j'ai deux joueurs qui vont faire autre chose à l'autre bout de la map, je les vois même pas le faire, ils vont activer des trucs pour avancer le scénario alors que j'étais pas là. Et moi, j'étais à l'autre bout de la map et j'étais en train de faire autre chose. Et puis tiens, je vais faire un truc qui va avoir une influence sur ce que eux ont fait pour pouvoir avancer le scénar. Et tu vois, il y a une idée de génie de retranscrire ce gameplay classique de la série dans un jeu multijoueur. Et Et en vrai, il était bien ou pas? allez, complètement. Et c'est quoi la merde? Rappelle-moi le nom, c'était Gista. Comment ça s'appelait ce jeu de merde là qui a repris ce concept il n'y a pas si longtemps? Le spin-off Resident Evil Online. Là. Tu as quel jeu? Parce qu'il y a eu pas mal de spin-off Bio Online, Tu hein, sais, donc. ces dernières années, je sais plus comment il s'appelait ce jeu Resident Tu veux dire Evil. Opération Raccoon City? Ouais, ça, ah ouais, ça doit être ça, c'est ça, c'est ça. Ben, Opération Raccoon City, pour le coup, je vais peut-être choquer beaucoup de gens, mais je vais défendre le jeu en fait. Ah bah écoute, on Parce... en reparlera, alors dans ce cas tu le défendras, mais moi j'ai trouvé que c'était une immense chiasse, j'étais hyper déçu. Bah vas-y, tu sais quoi? Je vais encore refaire un pipi. Allez. Parce que c'est à cause de la bière. Ah d'accord, tu te peins pendant que tu nous présentes l'émission, d'accord. Ah, complètement. En tant que tu Bah, et gardes en le même débit de temps, parole. j'ai toujours résumé Biohazard comme c'est le métal, les gonzesses et la bière, donc bon. Écoute, tant que t'assures autant pour la dialectique, y a pas de problème. Je te dis à tout de suite, mec. À tout de suite. Je vous dis, alors. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un grand live ou pas? Ça vous plaît? Oui? Alors, vive RE5? Quoi? J'ai enfin trouvé des fans d'RE5, alors moi je déteste. Hein. Pour moi, c'est le pire de la série, on en reparlera. Bon, j'ai déjà fait ma rétro, là c'est le moment de Derek de proposer un autre point de vue. RE5, c'est l'excellent, j'ai vomi. Merci. Putain. Non mais attendez, vous aimez RE5? Déconnez. Outbreak, putain, première fois que je me fais autant chier sur un RE. Ah, je pourrais pas dire, moi j'ai vraiment pas fait celui-là. Je suis passé à côté, j'aurais bien aimé. Hein. Dommage qu'on ait pas eu le online encore une fois. Ils sont cotés là, Outbreak? Ah, j'en sais rien. Énorme. Ah, bah ça fait plaisir. Merci. Mais là, c'est vraiment pour les fans de Resident Evil Biohazard, les gars. S'il y a des fans à qui ça fait plaisir, sachez que nous aussi, ça nous fait plaisir. Puis là, on est en plein moment du revival avec ce remake de Resident Evil 2. Et on va en parler. Et oui, les petits amis, on a 2-3 anecdotes qui vont vous surprendre en fin de live. Derek va vous parler de son avis sur ce remake. Il a parlé de Dead Aim, hein, Johnny Marocco. Dead Aim, c'est Gun Survivor 4. Il en a parlé tout à l'heure, il y a à peu près une demi-heure. La rediff sera dispo, vous inquiétez pas. Opération Raccoon City n'est pas canon et c'est dommage. Bon, ça c'est dommage, c'est une chiasse. C'est une chiasse. Le pire, c'est le 6, me foutait de ma gueule, mais c'est quoi ça? C'est qui Tupac Shakur là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Le 6, c'est un des meilleurs. Putain, ce qu'il faut pas lire. Hero 3, The Best. Alors putain, mais ça, j'hallucine. Ce soir, j'hallucine. On a des mecs qui sortent derrière la munition, ils nous défendent. Hero 3, Hero 5. Et Opération Raccoon City, on est où là? Non, Hero 5 est pas top. Merci Luther Morgan. Nintendo ont annoncé Zelda Link's Awakening Remake. Ah ouais, ils peuvent se faire plaisir, hein, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le Nintendo Direct, j'ai loupé. Je l'ai loupé. Ils ont annoncé quoi d'autre, tiens? Tenez-moi au courant, messieurs. Je suis resté congelé pendant 30 ans dans la glace. Mais je... Je ne vais pas lire ce que tu écris, Locke. Oh, si, pourquoi pas, après tout. Je préfère relire Tintin au Congo que refaire RE5. Attention, connotation raciste quand même, attention, messieurs, attention. Mais comment ça, je peux pas être objectif, justement, c'est bien parce que j'ai aimé RE6 que je le dis. Je le dis objectivement, c'est un jeu génial. Le 5 moyen, le 6 nul à chier, le 7 à côté de la plaque. Ah pourquoi pas, c'est aussi un point de vue ça.
Écoute, pour moi, le 5, c'est de la merde. Le 7, pour moi, ça n'existe pas. Et le 6, c'est super. Ah putain. Ah le con. Mais non. Mais non. Ah putain, mais je t'avais dit de les garder. Bon mec, qu'est-ce que... Ah, mais regarde, attends, mais c'est trop con mec. Tu sais pourquoi? Là on est doublement très 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 con. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi je t'ai envoyé ce pognon. C'est pour te remercier de ton boulot, première chose. YouTube t'a taxé 30%. Tu me renvoies ce pognon, ils vont ressucer 30%. Donc, on a donné genre 60 euros à YouTube gratos. Bon, bah écoutez, bah merci à Hooper.fr pour son superbe don de 150,25 €. C'est magnifique, mais fallait pas. Tu vas m'obliger à te faire un don encore plus puissant la prochaine fois. Voilà, bah écoute. Et je suis très content, ben voilà, on a Hooper qui nous écoute en direct, ça fait très plaisir. Re Derek, ben on a Hooper qui nous écoute là. Putain, il y a carrément mon peur qui nous écoute. Et ouais, ben il m'a renvoyé le don que j'ai envoyé, mais je dis en fait c'est trop con parce qu'on YouTube nous a sucé 30% des dons qu'on s'est fait. Donc ils ont sucé, là ils vont sucer 60% sur les 150 balles. On est complètement con. Enfin bref, du coup on remercie Hooper. Et eh ben il t'écoute. Là il y a Hooper qui te juge en direct. Ça fait plaisir, on le salue. J'étais très déçu de son live sur BO3. Et moi écoutez, moi Hooper, si tu m'écoutes, je te le redis, les gens seraient très contents. Bon, il acceptera pas, il est feignasse. Bon alors, s'il accepte pas de le faire avec moi, au moins fais-nous une review de Resident Evil Remake quand tu l'auras fini. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Et si t'as la flemme. On aimerait un avis d'au moins 1 heure, 1 heure et demie à la fin de ton live, à la fin de ton épopée. Ça ferait vraiment plaisir, mec. Bah écoute, je te salue, ça fait très plaisir d'être suivi par toi. Et puis, toutes mes amitiés. Derek, c'est à toi, attention, t'es écouté par l'élite du YouTube, là. Donc, on est Donc, reparti. On le est père de reparti. Hooper, putain, je l'écoutais quand j'avais 12 ans, quoi. Eh bah, c'est le moment de lui dire bonjour et de dire que Ça t'étais fait fan et bizarre. que... Non, pour m'en aider pour à Bio5, c'est ça? On en était à Biohazard 5 et était en train de dire que c'était du génie. Bah, de toute façon, je pense avoir dit à peu près ce que je voulais dire vis-à-vis de Bio5, en fait. C'est bah, excellent gameplay qui surpasse le 4. La coopération qui est mise dans le bus principal. Pour le coup, en plus, ce qui est très drôle, parce que 96 reprend beaucoup de... enfin, oula, Bio 5 reprend beaucoup de ce qu'il y avait dans 96, puisque 96 à la base devait avoir un mode coopération. Donc Bio 5 reprend ça, tout en reprenant le scénario de Wesker qui était déjà dans 96. Et en plus, reprend des choses dans le Code Veron qui avaient été annulées et les met dans le 5. Donc finalement, on a affaire à un opus ultime, en fait, quelque part. Donc, en plus, même au niveau de l'OST, ok, on a quelque chose de très hollywoodien, très orchestral, mais pour le coup, et c'est là que je trouve que Bio 5 fait mieux les choses que les autres opus qui utilisent l'orchestral, c'est que le 5 utilise les leitmotivs, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des autres. On a beaucoup de thèmes qui reviennent. On a le thème de Wesker, par exemple, qui est mémorable. Puis on a un mode mercenariste qui est extrêmement fun comparativement à celui du 4 qui était vraiment emmerdant hein, pour le coup. Le 4, je me souviens, je l'avais scoré, j'avais fait des scores à l'époque dessus. Celui du 4 est très facile alors que celui du 5 demande vraiment une maîtrise du gameplay dans sa totalité. Au niveau de la gestion d'objets, qui pour moi était, d'ailleurs, je n'ai pas mentionné ça. Dans le 4, je trouve que la mallette est une des pires idées qu'on a eues dans la série, parce qu'elle ne sert à rien, il n'y a même pas de gestion d'inventaire. Pour le coup, le 5 reprend ce qu'on avait dans les BIOS classiques, sauf qu'il l'implémente en live. Donc, quand tu lances l'inventaire, il n'y a pas de pause, mais tu peux toujours combiner les objets pendant que tu es en train de faire des trucs. Donc, par exemple, si tu es en train de monter une échelle, tu peux jouer avec ton inventaire, quand tu es en train de mettre un coup de mêlée, tu peux recharger tes armes, etc., etc. Et ça joue beaucoup sur le gameplay et le plaisir de jeu. Donc on a un jeu du skill, très clairement. Et c'est pour ça que le 5, je le respecte beaucoup.
Après, on pourrait me dire, oui, effectivement, Biocat, tu dis que ça fait pas Biohazard parce que t'es dans un village espagnol et tout. Oui, mais il y a une différence de contexte. C'est que dans le 4, t'as un agent américain qui vient juste récupérer une blondasse. Dans le 5, t'as un mec d'une unité d'élite qui vient rechercher des marchands d'armes. Le délire est pas le même. Et en plus, même au niveau de la manière dont on évolue dans le jeu, on part d'un village africain, on arrive dans un tanker, on arrive dans un labo. On enchaîne quand même sur des trucs très biohazardiens en fait. Du coup, toujours tout en restant dans le côté stylé de la série, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mentionné. Mais Biohazard, c'est toujours une série qui a visé le style et le cool dans les personnages, et ce depuis 96. Et je pense que quand vous allez voir la rétrospective, quand je vais vous parler de la jeunesse de 96, je pense que beaucoup de gens vont halluciner. Comment les développeurs voient 96, je pense que beaucoup vont se dire, mais attends, merde, putain, c'est pas comme ça que je vois le jeu. Alors, les grosses. Tu m'as dit que le 5, je crois que c'était vraiment les plus gros écarts entre version japonaise et occidentale. Non, c'était l'inverse. C'était justement que le 5 se rapproche le plus de la version de Jap. Ah, parce que tu sais, quand on en avait parlé à l'époque, tu m'avais dit c'est vraiment le retour aux sources de la série. Mais moi, je t'avais dit que c'est un énorme nanar. Retour aux sources, mais c'est que si on doit avoir un retour aux sources après le 4, effectivement c'est le 5. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la Bah, continuité de Wesker, le personnage qu'ils avaient. tu reviens à la narration de la série, tu reviens à une ambiance qu'on avait dans la série à la base, tu reviens à un gameplay très exigeant, ce qui n'est pas le cas du 4, donc Attends, attends, attends. automatiquement. T'es en train. Mais moi, je comprends pas. Bon, moi j'ai fait le 5 dans tous les sens, je l'ai même fait en coop. Et j'ai pris du fun, hein, j'ai pris du plaisir à le faire en coop à l'époque, c'est pas ça. Mais le scénario, l'expérience, pour moi, c'est du 4.5, c'est un bis, et c'est tout est moins bien que le 4. Et en quoi le gameplay du 5 est meilleur que le 4? Bah parce que tu dois le jouer comme le 4 en fait, et c'est pour ça que tu vois pas les subtilités qu'il y a dans le 4. Toutes les subtilités que j'ai mentionnées. C'est Gestion de nul. l'inventaire pendant que tu fais des actions, c'est quelque chose que tu n'as pas dans le 4. D'accord, mais c'est Les pas nul. mêlées qui sont rajoutées que tu n'as pas dans le 4, c'est aussi. Bah c'est quelque chose que tu n'as pas dans le 4 en fait. Tu as plein de manières de gérer les combats. C'est quand T'as même même nul. des combos entre les deux personnages. Après moi, c'est aussi le level design que j'ai pas aimé dans le 5. Toutes les infrastructures de merde là. Les villages africains. Enfin, je sais pas. J'ai pas aimé l'ambiance du 5. Pour moi, on s'éloigne complètement de l'ambiance intimiste des premiers Resident Evil. Bon, le 4, c'était déjà barré en couille, hein, mais le 5, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux juste réagir sur quelque chose que je lis dans le chat. Ouais. Qui me dit le gameplay du 5 est pareil que le 4. Bah dans ce cas-là, le gameplay du 4 est pareil que celui de Code Veyron, et celui de Code Veyron est pareil que celui de Bio 3, et puis celui de Bio 3 il est pareil que celui de Bio 2, et puis celui de Bio 2 est pareil que celui de Là, 96. t'exagères quand même. Bah non, c'est pareil. Si en fait si on doit être vraiment juste, bah, c'est pour ça que je dis que quand je vois le 4, en fait, le 4, c'est le même gameplay que l'ère classique avec une caméra au dos et une visée libre. C'est ce que j'ai dit initialement. Mais ça changeait tout. Bah pour moi ça change pas grand chose en fait. Je joue le jeu de la même manière, hein. Bah, tu vois bien qu'entre le RE2 original et le remake, déjà, il y a un écart colossal. Ah si si si, ouais, je l'aborde pas du tout de la même façon. Le remake pour le coup rajoute des bugs qu'il n'y a pas dans l'original. Bon, ça Si t'es écoute, même pas capable de foutre un headshot, il y a un problème. tu vas nous en parler après dans ton avis sur le remake de RE2. Le Ah oui, 5. dans le remake de RE2, je pensais que tu parlais du Ah non. remake de 2002. Non, 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 je parlais du remake de RE2. Qui se joue complètement différemment de l'original. Oui, bah oui. Bon, et encore. Non, mais Non. tu comprends bien qu'on puisse comparer. Enfin, on voit pas beaucoup de différence entre le 4 et le 5 en termes de gameplay. Oui, mais tu vois, mais c'est même là un paradoxe que je mets en exergue, c'est que pour le 4 et 5, ça choque, pour 96 et Biodo, ça choque pas. Et je trouve ça problématique. Est-ce que le 2, il y Parce avait que si on veut vraiment être juste. y a une ambiance de dingue dans RE2, dans le 5, je suis désolé, c'est Nanarland. Mais là, on parle de gameplay. Oui, mais après, c'est une ambiance globale, c'est qu'après l'expérience globale du jeu, c'est du caca. Qu'est-ce que t'as aimé dans RE5? Bah tout en fait. T'as aimé le boss fight contre Wesker à la fin? Complètement.
Ah ouais? Bah, j'ai un boss qui estime mes balles, il faut que je trouve un moyen de la... il faut que je trouve un moyen de lui mettre des balles. À partir de J'ai du là, mal à je suis en train de comprendre kiffer parce ma que. vie, parce que là, pour le coup, j'ai pas à bourriner, en fait. Ouais. J'ai du mal à Faut que je comprendre. fasse de la strat. Tu Faut que je me dise, attends, en plus, j'ai détestes. même envie de te dire que quand tu maîtrises vraiment le gameplay, t'as pas besoin d'éteindre les lumières, t'as pas besoin de te cacher, tu peux le taper dans la frappe. Et moi, j'aime ce gameplay exigeant. J'aime me dire, attends, le boss, je le connais tellement, je sais que si je lui mets une balle à telle frame, je peux le stun. Et ça, c'est un truc qu'il y a dans Bio depuis 96, en fait. Donc moi, je retrouve ça. Alors que dans Bio 4, j'ai pas ça, en fait. Mais tu parles d'un détail de gameplay là. Oui, mais c'est dans le gameplay. Mais ce que je comprends pas au niveau de la dramaturgie du scénario, tu détestes Code Veronica. Hero 5, c'est la pure prolongation de Code Veronica avec Wesker. Bah, il y a du lien, oui, effectivement, mais il n'est pas écrit de la même manière. Alors, qu'est-ce qui change pour toi En quoi Wesker est différent Ah, dans le 5? je retrouve le Wesker de 96, en fait. Alors, ça m'intéresse. En quoi il est différent entre Code Veronica et Hero 5 et en quoi tu retrouves le Wesker de 96? Si tu veux, dans 96, t'as un mec qui n'aime pas l'humanité, qui se dit je veux la faire évoluer. Et dans Code Hero, t'as juste un mec qui est là pour être un laquais, et qui est en mode oh Chris, je l'aime pas, et qui est toujours en train de faire des rires à la con, et qui court sur les murs. Et là, soudainement, bah, dans le 5, je me tape, j'ai le retour de ce Wesker-là, sauf que là, c'est le Wesker qui a évolué, il a dépassé son humanité, et bah, il veut juste finir son plan qu'il n'a pas pu faire dans 96. Sauf que là, on le bute. Là, il y a la grande différence dans 96. En 96, tu le butes pas. Dans le 5, tu le butes. Mais il a le même plan dans les deux jeux. Oui, Et là, soudainement, je retrouve ce personnage-là. Je retrouve ce personnage calculateur. Je retrouve ce personnage extrêmement intelligent. Il calcule tout ce qu'il fait, il les calcule. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dans Code Vero. mais moi je vais te dire que ce que je préfère dans Code Veronica Wesker, c'est qu'il est suggéré, il est rempli de mystères, on ne sait pas comment ça se fait qu'il a ses super pouvoirs. Dans le 5, il a que des tirades de merde, il explique son plan. Ah. Et il meurt comme une merde. Bah, c'est une fin d'arc narratif, en fait. C'est une fin d'arc narratif. Moi, j'ai. Les conclusions sont souvent très décevantes, mais là, je trouve que la conclusion de Wesker, c'est un pur nanar. Je préférais à la limite, tu vois, quand il était suggéré dans Code Veronica en mode nanardesque. Mais là, dans le 6, c'est pas possible. Dans le Bah, 5, pardon, dans le 5. là, dans ce cas-là, ce qui te dérange, c'est le mystère qui est. C'est le voile du mystère qui est enlevé, en fait. Bah oui, mais je préfère le mystère. Bah ouais, mais là tout pro... tu sais que ça a toujours été un problème pour la team Bio, parce qu'ils se sont toujours dit, mais le problème c'est que le mystère est la base de Bio. Comment tu fais pour finir un arc narratif bien, en fait? Ah oui, comment ils ont fait? Tu peux pas, en fait. Surtout pour Bio, tu peux pas. C'est des gens qui suivent la série depuis 10 ans. Tu fais comment pour finir un arc narratif bien, en fait? Tu vas toujours décevoir les gens. Tu joues à Phantom Pain. Mais non, mais moi, Non, mais c'est pour ça je que... plaisante, je plaisante parce que là, tu vois, il l'a joué mystérieux et c'est encore pire, tous les gens sont encore plus déçus. Non, mais sérieux, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que, tu C'est vois, vrai. quand je vois la fin de l'arc Wesker, en fait, je me dis pas, je m'attendais à un truc de ouf, en fait. Je me dis juste, tous les trucs étaient là. Et dans un sens, c'est ce que la team Bio a toujours essayé de faire. C'est, on te met tous les éléments narratifs en place. Tu peux déjà comprendre la fin avant même qu'elle arrive. Et c'est ça le génie de la chose. Parce que l'inspiration de Bio, c'est, ok, c'est le mystère, c'est le puzzle. Mais une des inspirations de Bio, en dehors de l'horreur, c'est aussi les films noirs. Les films de détective. Donc il y a ce côté, tiens, on te met des éléments narratifs, essaye de savoir ce qui va se passer. Essaye de comprendre ce que tel perso essaye de faire. Parce que les puzzles, c'est pas juste ce que t'as en mécanique, c'est aussi ce que t'as dans le scénario. Et du coup, tu peux réussir à prévoir ce qui arrive dans la série, en fait. Enfin franchement, qui meurt dans ces conditions dans le 5, je l'avais pas prévu. Je l'avais pas vu venir ça. Bah, de toute façon, tu voulais qu'il meure comment, en fait? Fondamentalement, n'importe quelle idée ne serait pas. Par exemple, une idée qui t'aurait convenu n'aurait forcément convenu à d'autres fans. Et Ouais. d'autres fans auraient eu d'autres idées qui t'auraient pas convenu, etc. Non, Tu non, peux moi je t'avoue pas. que le 5, ça a été une surprise. Je pensais vraiment pas qu'il allait crever. Je pensais que. Bah, qu'il allait une nouvelle fois s'échapper, qu'on allait le retrouver plus tard, tu vois, que ça resterait un personnage insaisissable. Et que ça serait un peu Bah, ça a jamais été le but. la ligne conductrice, tu vois. Mais en même temps, t'as raison sur un truc, c'est vrai, comment on résout un mystère? Est-ce qu'à chaque fois qu'on résout un arc narratif, est-ce qu'à chaque fois c'est pas un peu décevant?
C'est une C'est très bonne. toujours décevant. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne réflexion. Tu vois, la Twin Peaks saison 3, c'est un peu pareil. Je sais pas si tu connais Twin Peaks, enfin, si t'as regardé. J'ai pas regardé, non. Je vais pas spoiler, hein, je vais pas du tout spoiler. Mais la gestion de David Lynch avec la saison 3, ce qui est intéressant à la fin, c'est le dernier épisode finalement. C'est quand tu conclus un mystère, t'embrayes sur un autre mystère. Ben c'est pour ça que l'intérêt, c'est pas la fin du mystère, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et c'est aussi pour ça que ben c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est que chaque bio se concentre plus sur son histoire intrinsèque, sur chaque opus, plus que le mystère, parce que justement, le mystère, de toute façon, une fois que tu le tues, t'as plus rien. Donc l'intérêt, c'est l'histoire qu'on te raconte. C'est pour ça que la team bio se prend jamais la tête. Et enfin si, ils se prennent la tête, mais ce que je veux dire par ils se prennent pas la tête, c'est ils se disent pas. Tiens, on va essayer de surprendre les gens. Tiens, on va essayer de faire un truc que les gens n'ont pas vu venir. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est pas leur but. Et ça n'a jamais été leur but. C'est pour ça que, tu vois, même Bio 2, finalement, quand tu comprends 96, tu vois Bio 2, bah Bio 2, il n'est pas surprenant, en fait. L'intérêt n'est pas de se dire. Tu débarques dans une ville infectée. Si tu as déjà joué à 96, tu sais très clairement que c'est à cause d'Umbrella. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans Bio 2, c'est de te dire, bah tiens, il y a le drame avec Sherry. Il y a Claire qui essaye de retrouver son frangin. Ah là, narratif avec William Birkin, moi j'ai bien aimé ouais, avec sa fille. Mais tu vois, l'intérêt, c'est pas. Tu sais très clairement. Je veux dire, t'es pas con, t'as très bien compris que depuis 96, t'as compris que c'est Umbrella, etc. Donc le mystère est plus là. Et en plus, c'est marrant parce que même Mikami disait ça à l'époque, et c'est pour ça qu'il avait laissé les rênes à Kamiya. C'est que selon lui, une suite dans un film d'horreur par le même directeur, bah ça ne marche pas. Parce qu'une fois que une fois que la peur a eu lieu, ben tu peux plus recréer cette même peur. Donc t'es obligé de faire autre chose. Donc du coup à partir de là, ben, tu peux juste dans de la team bio, c'est je dis mais ben, on va créer du mystère. On va créer des trucs pour que les fans se disent bah ben, tiens on va lier les événements entre eux, on va essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Du coup, quand tu fais Bio 5, Bio 5 c'est juste là pour te dire bah ben, tiens je vais défoncer Wesker et je vais comprendre ce qui s'est passé derrière. Je vais avoir les réponses à ce que je pouvais déjà savoir. Mais je vais défoncer Wesker. Et c'est ça. Le kiff est là en fait. C'est je bute Wesker. Le plaisir, il est là. Il est pas autre part. C'est pour ça que. Ouais, Bah non, moi je moi suis pas déçu en ça fait. a pas marché sur moi, ça. Bah c'est une optique de narration très particulière. Après moi, comme je dis, je parle de Bayo. Donc tu sais, moi je me dis pas, tiens, qu'est-ce que Kojima fait à côté avec MGS, ou tiens, qu'est-ce que machin fait avec machin, ou qu'est-ce que machin fait avec truc. Tiens, moi je me dis juste comment la team Bio conçoit les jeux, comment Biohazard conçoit sa narration. Et moi, à partir du moment où j'ai compris comment la narration marchait dans Biohazard, bah en fait, moi tu mets un Wesker que je bute au lance-roquettes à la fin du jeu, je suis même pas choqué, en fait, je me dis juste c'est cohérent. Toi, à la fin du 5, t'as satisfaite. T'étais content. Pas compris. La fin du 5, pour toi, était satisfaisante, tu étais content. Bah oui, bah elle est pas parfaite, mais ouais, me satisfait. Mais après, je suis très gentil parce que je sais très clairement qu'ils auraient jamais. En fait, s'ils auraient dû faire un truc pour me plaire, en fait, j'aurais dû écrire le scénar, en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas méchant, en fait. Parce que. Bon, ce qui va être intéressant, c'est quand tu vas résumer toute la série en quelques mots. En quelques mots de scénario, ce que ça représente pour toi. Mais comme je te dis, ça va être compliqué, hein. On va embrayer sur Resident Evil 6. Donc là, tout le mystère, il n'y en a plus. C'est terminé. Donc là, Ah, il y a toujours du mystère dans le dossier, ça. attention, attention. Là, ça va être l'épisode de la Discord, messieurs. Le réalisateur Eiichiro Sasaki. Derek, c'est à toi d'en parler. Bah, lui aussi, c'est un excellent jeu. Je pense même que c'est le meilleur Biohazard de la série. Et pour le coup, tu dis qu'il n'y a plus de mystère, mais pour le coup, il y en avait toujours. Puisque Bio 6 est une suite directe de Biohazard 3. C'est-à-dire qu'on reprend le complot géopolitique et économique qu'il y avait à l'époque, sauf que là on te révèle enfin qui faisait quoi. C'est-à-dire beaucoup n'ont pas compris quand Ben Ford au début du jeu dit je vais révéler la vérité vis-à-vis de Raccoon City. Beaucoup étaient en train de se dire mais de quelle vérité il parle en fait, c'était juste Umbrella. Bah non, en fait, la vérité, c'était que le gouvernement américain achetait des armes bioorganiques
Umbrella et que le gouvernement américain était de connivence avec Umbrella. Donc il y a ce lien-là, il y a un impact politique, parce que Biohazard essaie aussi toujours de suivre la réalité du monde réel, en fait. Donc on a un jeu qui essaie de se dire, bah tiens, on va essayer de révéler cette vérité-là. Finalement, il y a un complot qui se fait, le président se fait buter par Simmons, qui gère la sécurité nationale. D'ailleurs, Simmons et Benford apparaissent dans les épilogues de Biohazard 3. Je viens de préciser. On les voit. Il y a Benford qui recrute Léon et il y a Simmons qui apparaît dans l'épilogue de Sherry. Et donc on a ce lien-là qui s'opère entre les deux jeux. Donc on a vraiment quelque chose qui apporte quelque chose. Enfin, un jeu qui apporte une continuité et qui révèle des choses. Et on apprend donc que c'était un groupuscule dans le gouvernement américain qui achetait des armes organiques à Umbrella. Et c'est un peu toute l'histoire de la chose, c'est que Simmons est l'antagoniste principal. Pourquoi? Parce que Simmons est un suprémaciste américain. Le mec est là parce qu'il veut que les États-Unis soient le pays qui surpasse tous les autres. Et c'est pour ça qu'il attaque la Chine. La Chine qui, à cette époque-là, était, je remets dans le contexte, on est en 2012, hein. C'était ce qui se passait un petit peu géopolitiquement. La Chine était un concurrent direct des États-Unis économiquement. Et donc, dans l'univers Biohazard, on a donc un Simmons qui gère le gouvernement américain, qui donc fait un attentat bioterroriste sur la Chine pour mettre à mal la Chine et donc permettre aux États-Unis de mettre sa suprématie là-dessus. En gros, pour résumer la chose très brutalement, Simmons fait un faux attentat terroriste en utilisant une fausse société qui est appelée No Umbrella. Alors, on me dit c'est débile, No Umbrella, mais je dirais, si dans la vraie vie, après les attentats du 11 septembre, on avait une nouvelle organisation terroriste qui s'appellerait, je sais pas, Nouvelle Al-Qaïda, les Américains, ils seraient sur le cul, ils seraient en train de se dire, oh mon Dieu, on est dans la merde. Donc du coup, c'est un peu l'idée dans ce 2-6. C'est, on met une nouvelle Umbrella parce que bah, à cette époque, dans l'histoire de Biohazard, l'événement de Raccoon City est quelque chose d'extrêmement violent, puisque c'est une ville américaine qui a été infectée par un virus, et il y a le gouvernement américain qui est obligé d'envoyer un missile dans la ville pour endiguer l'infection. Donc que Simmons utilise une fausse société qui s'appelle Neo Umbrella, donc pour susciter le point de vue du public au niveau du choc, et que le public se dise, ah merde, putain, il y a des mecs d'Umbrella qui sont de retour, etc., pour faire un attentat sur la Chine, et pour que du coup les Américains débarquent, sauvent la Chine, tout ça dans une idée de suprématie américaine, c'est complètement cohérent, il y a de l'intelligence dans l'écriture. Mais les gens n'y verront que juste un perso qui est attiré par Aïda et qui est juste complètement con et qui veut juste dominer le monde alors que c'est pas du tout le cas. Putain, il va nous sauver le scénar derrière aussi, ce con. Incroyable. Et pourtant, c'est dans le jeu. Ce que je dis, c'est dans le jeu. Ah, c'est C'est dans peut-être le pas jeu. une analyse. C'est dit très clairement dans les scripts de Jap. Non, c'est vrai que moi j'ai plus tiqué sur le zombie T-Rex à la fin. Je sais pas, ça m'a Bah, choqué ça, aussi. c'est du style. Ah Ça, c'est le oui. côté cool de la chose. Ah Parce oui. que Bayou fait des choses intelligentes, mais en même temps, ils sont là aussi pour te divertir. Non mais Donc, tu ils me sont pas diras, là moi pour poser des trucs rigolos. je prends très au sérieux Metal Gear avec le Metal Gear et le Metal Gear X, donc on peut totalement prendre au sérieux un zombie T-Rex. Bah, complètement. Et oui. Bah, surtout qu'en plus, moi, C'est le Japon. quand on me ridiculise le Simmons à la fin du 6, je me dis, mais dans ce cas-là, pourquoi on ridiculise pas Birkin dans Bio 2? Le truc qui mute sans arrêt, il finit comme un gros blob. Je veux dire, à partir de là, on pourrait me dire, oui, mais c'est pas aussi abusé, mais je dirais, bah, dans ce cas-là, bah oui, mais la technologie est pas la même. Ah, on a une question, attends, je vais te lire cette question dans le chat. De toute façon, à la fin du live, messieurs, vous pourrez poser des questions à Derek si jamais il y a des trucs que vous voulez lui demander par rapport au scénario, etc., etc., ou par rapport à sa rétrospective. Mais là, il y a quelqu'un qui te demande, Luther Morgan te demande, est-ce que tu peux nous expliquer comment Chris Redfield se retrouve à bosser pour Umbrella? Non mais ça c'est dit dans les jeux en fait. Mais vous lisez pas les documents dans le jeu ou quoi?
Parce que c'est très simple. Dans le 7, il y a la nouvelle Umbrella qui est créée par les anciens membres d'Umbrella. C'est fait par un truc qui existe aux États-Unis. Tu peux recréer une société avec le même nom. Et donc cette nouvelle Umbrella est créée pour expier les péchés de la précédente Umbrella et pour créer des armes anti-ABO. À partir de là, le problème, c'est que tu as les Nations Unies qui refusent que cette société pharmaceutique ait un corps armé. Par conséquent, elle demande au BSA de travailler conjointement avec la nouvelle Umbrella. Par conséquent, Chris fait partie d'une unité du BSA qui travaille conjointement avec Umbrella. Et en plus, Chris le dit lui-même dans notre Hero, qu'il n'a pas confiance en Umbrella et c'est pour ça qu'il se pointe sur le terrain. Justement pour être sûr qu'il n'y a pas une douille. Enfin, je résume le truc, parce que c'est Oh beaucoup plus putain. long dans ce qui est dit, mais je pense avoir fait le bon résumé synthétique. Putain, si quelqu'un a compris quelque chose, chapeau. Elle a bien joué. Non mais c'est bien, faut suivre. Oh putain. Ah c'est compliqué Resident Evil en fait, hein. On se rend Mais pas pour le compte. coup, mais le pire, c'est que j'essaie de faire simple. Ah ouais non mais là je t'avoue, si les gens ont compris, je chapeau. Là j'ai décroché, j'ai complètement décroché l'explication, je réécouterai, hein, mais j'ai rien compris. C'est pas grave. Ah, c'est pour ça que je dis tout le temps que Bayo, c'est de la géopolitique, en fait. Ah ouais, c'est de la géopolitique et des zombies. Bon, écoute. En fait, tu sais que c'est pas si con que ça, parce que Bayo s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait. Ouais. Même au niveau de l'économie et des armements biologiques, parce que pour le coup, l'armement biologique existe. Bayo va très loin dans la science-fiction, parce que Biohazard est de la science-fiction, en fait. Mais fondamentalement, utiliser des virus pour détruire des pays, ça existe. On le fait depuis la nuit des temps, en fait. Regarde la création des États-Unis, hein. On a débarqué, on avait des germes que les gars, ils n'avaient pas d'anticorps pour ces virus-là, et on les a bousillés à cause de ça. C'est un scénario très profond, messieurs. Alors, là, on a parlé du. Enfin, tu as rappelé du coup le contexte de Resident Evil 6. Maintenant, ce que tu penses du jeu, le gameplay, etc., etc., et par rapport au reste de la série. Bah, le gameplay est excellent, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux Merci. esquiver, tu peux faire des roulades au sol, tu peux mettre des coups de mêlée, il y a des contres, et des contres à la frame en plus. Le jeu est juste excellent au niveau de ça, il y a le retour, ok on est toujours dans de l'orchestral, mais on se tape des leitmotivs encore une fois comme dans le 5. On a le retour de l'idée qu'il y avait du zapping scénario, donc les scénarios qui s'entrecroisent. On ne peut pas influencer sur les scénarios, mais il y a les scénarios qui s'entrecroisent. En plus, c'est faisable en online. Donc, si tu es avec un pote en train de jouer telle campagne, bah, à un moment, tu vas croiser deux autres joueurs qui sont en train de jouer la même campagne. Ça, c'est génial. Pour le coup, on a un jeu qui est excellent. On a un mode mercenariste qui est très fun aussi vis-à-vis de ça, puisque bah, du coup, maintenant, il y a les esquives et les contres. Donc, le jeu en profite. Donc, bah, on a un jeu qui est juste, c'est l'excellence. Biohazard 6, c'est l'excellence. Il va très loin dans son délire, mais c'est complètement l'excellence. Il y avait ce mode absolument génial où tu sais, tu pouvais contrôler des zombies et aller faire chier les joueurs dans leur partie. Ah oui, mais ça c'est génial. Le jeu, c'est vraiment fiable. Et là, du coup, tu vois, c'est marrant parce que c'est dirigé par le mec qui fait des outbreaks. Ah Et dans ouais. outbreak, tu pouvais te transformer en zombie. Ça, je savais pas parce que j'ai pas fait la outbreak moi. Du coup, tu sens cette envie d'interaction dans le jeu. Mais Cette envie c'est de... dingue parce que ce mode, tu sais, Attends. ça c'est un bonus, je crois qu'il y a très peu de joueurs qui ont fait l'expérience de contrôler. En plus tu peux contrôler absolument tous les zombies du jeu. Hein. Toutes les créatures que tu vois dans Resident Evil 6, tu peux les contrôler online et tu peux faire chier un joueur dans sa partie. Mais c'est ça qui est bon. Justement, et moi, c'est quelque chose qui me chagrine un peu parce que c'est des idées très originales. Parce que... Franchement, allez me citer des jeux qui font ça. Personne, mais personne n'a fait ça. Du coup, moi j'ai envie de dire, mais c'est une idée de ouf. Et en plus, je rajoute, Bio 6, il fait quelque chose qui est dingue. Et on lui chie dessus, mais pourtant, moi j'ai pas envie de lui chier dessus à cause de ça. Bio 6 essaye de plaire à tout le monde. C'est un défaut autant qu'une qualité. Tu sais Mais qui chaque était. Tu sais. campagne Ouais. dans le jeu est censée plaire à un type de fan. Tu Du sais. coup, moi, ça me fait rire quand on me dit, ah, Bio 6, il est pas ouf, mais il est bien que dans la campagne de Léon.
Bah oui, parce que la campagne de Léon, elle est faite pour toi, en fait. Moi, j'aime tous les aspects de Biohazard. Donc, quand je joue à Biohazard 6, pour moi, c'est. Je suis en train de prendre mon pied, en fait. Alors le 6 Shadow ou pas? Mais complètement. Ah, merci. Alors par rapport au reste de la série, tu le mets où? Est-ce qu'il est mieux que le 5? Personnellement, je dirais 96, Bio 3, 0 à la même place, et Bio 5, Bio 6 à la même place. Donc, ça ferait 96, 3, 0, et ensuite 5 et 6. Je crois qu'on a un point de vue inédit là, un mec qui aime le 5, le 6, le 3, le 0, incroyable. Et j'aime les deux Revelations, donc là, c'est encore pire. Tu sais qui a chié sur Resident Evil 6? Mais tout le monde. Hooper a chié sur Resident Evil 6, moi je vous dis un truc, on y a joué en multi à l'époque. On a fait de la coop, on s'est marré. C'était génial. Et après, je vois sa review Resident Evil 6. Il a chié dessus. Il a chié dessus. C'est terrible. Bon, après, le montage d'intro était excellent. Avec le coup, là c'est Mario 64, là c'est tel jeu, là c'est tel jeu, là c'est référence à tel film. C'est vrai que ce jeu est bourré de références dans tous les sens. Mais on est d'accord que c'est un jeu ultra généreux, avec un contenu malade mental. Capcom a fait péter le budget et le jeu s'est fait complètement bâcher. Il s'est fait détruire. Alors, juste un truc, excuse-moi déjà, je Ouais. vois un commentaire, il y a Lau qui dit, mais en fait, Derek ne s'attarde jamais sur l'ambiance et l'atmosphère qui fait le sel des bons RE, parce que RE5 et 6 n'ont pas. Donc, si j'ai parlé de l'ambiance, mais j'ai justement que, une fois que l'ambiance elle pète, parce que l'ambiance elle existe que lors de la première partie, l'ambiance, une fois que t'as fini le jeu, la première fois, il n'y a plus d'ambiance après. Je t'en bats les couilles de l'ambiance. C'est ce que je disais au tout début du live. Voilà. Une fois que l'ambiance, la peur, qui n'existe que lors de ta première partie, dès qu'il n'y a plus ça, il reste que le gameplay. Et pour le coup, le 5 et le 6 mettent une ambiance et une atmosphère qui sont propres au 5 et au 6, en fait. Donc j'avais même vu plus tôt, on me disait, mais j'aime que 96. Bah non, j'aime pas que 96, en fait. Parce que si j'aimais que 96, je jouerais pas à Bayo, en fait. Si je devais vraiment faire le puriste, je dirais, il y a 96 et les autres. Et à partir de ce paradigme-là, si je dis il n'y a que 96 et les autres, bah en fait, je m'en battrais les couilles des autres Bayo, en fait. Je jouerais qu'à 96. Or, je joue autant au 3, au 4, au 5, au 6, aux 2 Revelations, etc. Je joue à tous les Bayo. J'aime toute leur ambiance. Aussi. L'ambiance est importante. Là Mais au bout d'un encore, moment, je connais les jeux maintenant. est-ce qu'on a des différences flagrantes entre la version japonaise et occidentale dans le scénario? Juste un truc. Il y a The French Rusher qui dit, tu penses que où est-ce qu'on va revenir? Bah justement, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo en prouvant par A plus B qu'il était de retour. Ah, il a encore envie. Bah tu te souviens déjà, en plus, t'avais commenté la vidéo. Hein. C'est Je me vrai? souviens. Je C'était sais en plus. Je 2017. perds la mémoire. Il a encore envie? Il est encore en vie. C'est terrible. Il va falloir justifier ça. Après, il peut être cloné, hein, comme dans Alien Résurrection, pourquoi pas. Bah de toute façon, le clonage existe depuis 96. Hein. Donc c'est vraiment une base de la série. Hein. C'est pour ça que moi, quand on me dit le clonage, c'est n'importe quoi, ça vient des films. Bah ça existe depuis 96. Code Veru qui est encensé par tout le monde, je sais pas pourquoi. Ben Alfred et Alexia, c'est des clones. C'est con, mais c'est vrai. Donc à partir de là, il va falloir m'expliquer pourquoi il y a des choses qui sont gênantes et d'autres qui ne le sont pas. Différence scénaristique Japon-Occident sur le 6. Sur le 6, bah je me souviens surtout d'une phrase, parce que c'est géré par la même team qui fait le 5, donc on a une traduction très proche de la version de Jap, avec quelques différences. Mais ça colle au scénario du 6, c'est qu'il y a un dialogue qui est très drôle. C'est le dialogue entre Jack et Chéri à un moment. Et je sais plus ce qu'elle dit en ricain, mais genre elle est en mode ouais, oh là là, il se passe des trucs pas bien, c'est la merde, il faut qu'on y aille. Et en japonais, elle dit ouais, je sais que d'habitude c'est nous les méchants. Bon, je le résume comme ça parce que j'ai pas les notes sous les yeux, donc je le fais de tête. Hein. Elle dit c'est nous les méchants, donc nous les Américains. Mais là pour le coup, c'est pas de notre faute. Du coup, faut qu'on aille stopper ça.
Donc, tu sens qu'il y a toujours eu ce côté très anti-américain, très anti-capitalisme américain dans Biohazard, qui est là depuis 96. Et là, Biosis rajoute une couche dessus. Et c'est marrant que ça saute dans la traduction qui est faite, parce que pour le coup, 5 et 6, la traduction est gérée par des Américains. Allez, forcément. Et c'est marrant que ce genre de petit truc saute. D'ailleurs, dans Bio 5, je crois que Ecliptic Express avait mentionné ça dans le chat tout à l'heure. Même dans Bio 5, il y a des dialogues cachés. Et il y a Chris à un moment qui est carrément en train de faire une critique de l'Amérique. Au début du jeu. Et ça saute dans la version occidentale. Alors pour le coup, elle est toujours dans la version, elle est toujours dans la version occidentale. Ah. Mais elle est un petit peu plus vénère en japonais. Ah, j'imagine. Il y a carrément Chris qui est en train de dire, ouais, mais l'Amérique, c'est pas aussi bien que ça. Le capitalisme, c'est cool, mais bon. Ce que tu gagnes, quelqu'un d'autre le perd, c'est pas trop la teuf, quoi. Donc, il y a à côté. Il y a ce côté critique. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, Biohazard est une série d'auteurs, en fait. Ah oui, t'es pas dans la branlette narrative, t'es pas de. On te met 150 plans de dialogue, les persos te font pas des monologues qui durent 150 ans. Parce qu'en fait, Bayo, en fait, il se dit, t'es pas con, en fait. T'arrives à comprendre ce qu'on t'explique. Par conséquent, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Et c'est pour ça que moi, quand je joue à Biohazard, je comprends ce qu'on me raconte. Je comprends ce que Wesker me dit, en fait. En une phrase, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends pourquoi c'est un bon antagoniste. Je comprends pourquoi il est intéressant. J'avais même fait cette comparaison avec des potes un jour, j'avais dit, en fait, Wesker, dans 96, s'il était géré par Kojima, ça serait une cinématique d'1h30, avec Wesker qui essaie de t'expliquer son plan et pourquoi il n'aime pas l'humanité, tu vois. Mais pour moi, ça rend pas le truc plus intelligent, en fait. Ou plus intéressant, ou moins nanar, ou quoi que ce soit. Après, Biohazard, on pense que c'est nanar parce que ça emprunte énormément de la série B. Mais moi, personnellement, j'ai un grand respect pour la série B. Je me dis, la série B tente des trucs que d'autres séries ne tentent pas. Et je préfère voir de la série B plutôt que du triple A très aseptisé qui ne m'apporte rien et qui ne me fait pas réfléchir. Et pour le coup, Biohazard m'a fait énormément réfléchir. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Biohazard que je n'ai pas appris dans plein d'autres séries en fait. J'ai appris beaucoup de choses en termes de virologie, de géopolitique, d'économie. Et ça, c'est. Même MGS qui parle beaucoup de géopolitique et d'économie m'a rien appris en fait. MGS me fait un cours d'histoire. Biohazard a réussi grâce à son scénario à me faire comprendre des trucs que je n'aurais pas pu comprendre autrement. Je Mais ça pour crois moi c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. je crois que là, il faudra attendre vraiment ta rétrospective pour comprendre. Tu nous Même avec la expliqueras. rétrospective, ça passera pas. Il faudra nous expliquer en quoi tu as appris des trucs géopolitiques avec Resident Evil. Bah je veux dire, la vidéo que j'avais postée juste sur le 7. Je parlais du fait que Wesker était de retour. Je parle déjà de géopolitique et d'économie. Pourtant, quand tu regardes les scénarios en tant que tels, t'as l'impression que ça parle pas de ça, alors que pourtant oui. Et c'est ce que je disais au début. Biohazard, ça te met quelque chose dans le fond. Et si tu veux t'y intéresser, tu t'y intéresses. Mais la narration en tant que telle se concentre pas là-dessus. Parce que tu es censé avoir une bonne expérience, tu es censé t'amuser, tu es censé te divertir. Mais si tu veux réfléchir, tu peux le faire. Et tu l'as Et pour moi, fait. c'est tout le génie de la chose. Et tu l'as fait. Est-ce que tu es devenu un expert en géopolitique depuis? Un expert en géopolitique, peut-être pas. Mais j'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas apprises sans Biohazard. D'accord. Alors là, du coup, on va passer. On va faire une parenthèse dessus. Sur. Alors là, moi, je peux pas du tout en parler ni débattre avec toi parce que j'ai joué que 2 heures. On va passer sur Resident Evil 7, réalisé par Koshi Nakanishi. Sorti il y a 2 ans. Derek, à part que tu nous présentes ce jeu et que tu nous expliques pourquoi Capcom, après Resident Evil 6 qui était exceptionnel, qui était génial, après le teaser qu'on a à la fin du jeu, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive sur le 7? Qui s'appelle pas Je vais le enchaîner 7 d'ailleurs. là-dessus, mais je veux juste répondre à un commentaire dans le chat, si tu me le permets, Bien parce que... sûr, bien sûr. Permets-toi, vas-y. il y a Kylor qui me dit... Je sais pas, Kylor m'a en grippe depuis tout à l'heure. Attends, mais vas-y, moi je, attends, je reviens, je vais me chercher un truc à boire, j'arrive dans deux Vas-y, secondes. vas-y, vas-y. Mais vas-y, prends le temps. Il y a Kylor qui me dit, Derek aime le simplisme en fait, ça passe mieux, ça en parle peut-être, mais très en surface.
Si ça me parlait peut-être d'être en surface, comment ça se fait que je pourrais réfléchir pendant des heures vis-à-vis de tout ce qu'il y a mis en place? Pourquoi est-ce que je pourrais écrire des trucs qui font une centaine de pages si c'était juste en surface? Si c'était juste en surface, il n'y aurait rien en fait. Ce qui n'est pas le cas dans Bayo. Et c'est ce que je disais depuis le début du live en fait. C'est que Bayo te prend pas pour un con. Bayo sait que t'es intelligent. Donc Bayo te dit, bah si t'es pas con, t'arrives à comprendre ce qu'on te dit. Donc on a juste besoin de te mettre la base. Et c'est une écriture un petit peu à la Jap en fait. Parce que finalement, beaucoup d'œuvres japonaises sont comme ça, finalement. Après, Biohazard, c'est aussi une licence et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Originellement, c'est quelque chose que je mentionnais même au début du live, c'était fait par des gens qui avaient à peine la vingtaine. Donc c'est une série qui traite de sujets extrêmement sérieux, de sujets extrêmement complexes, pour des jeunes. Donc on est dans une optique de... On va essayer un petit peu de simplifier des choses très compliquées. Et par contre, simplifier ne veut pas dire être simpliste ou moins intelligent. Par exemple, je dirais même que Parasite Eve traite de thématiques très proches que Biohazard traite, sauf que Parasite Eve le fait pour des adultes. Donc, du coup, il y a une distinction entre les deux. Pour autant, je dirais que les deux sont tout aussi intelligentes les unes que les autres. Ah, on Et parlait de c'est ça le Parasite problème que Eve. j'ai en fait avec les gens qui font des critiques un petit peu alambiquées selon moi, c'est que, en fait, pourquoi dire que c'est simpliste alors que finalement ça vise un public de jeunes adultes? Je vois pas où est le problème en fait. Pour moi, c'est même un bon point. Si on essaie de présenter des choses de manière un petit peu plus simple, en se disant t'es pas con, bah, tiens, tu peux comprendre par toi-même, pourquoi ça serait mauvais? En plus, j'ai même envie de dire, bah, par exemple, parce que ça fait l'actualité, mais Dragon Ball, pourquoi Dragon Ball ça a marché vis-à-vis de plein de personnes? Pourtant, Dragon Ball, beaucoup de gens le résument à c'est des mecs qui se tapent la gueule. Pourquoi beaucoup de gens arrivent à trouver beaucoup plus de choses dans Dragon Ball? Pourquoi? Parce que bah, les œuvres japonaises sont comme ça en règle générale. T'as pas besoin de monologues de 10 ans pour comprendre des choses en fait. Tu peux les comprendre de toi-même. J'arrive pas à comprendre le côté de se dire c'est simpliste. Je comprends vraiment pas ce point de vue. Si pour vous, quelque chose qui n'est pas simpliste, c'est quelque chose qui va dans un monologue de 10 ans, pour vous expliquer un truc qui est très simple en fait, c'est que pour moi c'est raté. En fait, en termes de narration, si pour moi tu n'arrives pas à être synthétique, c'est problématique. C'est un point de vue. Alors pourquoi on parlait de Parasite Eve, un chef-d'œuvre? J'ai découvert très tard, moi. Pour le coup, Parasite Eve, au niveau de... Je suis sûr que tu t'es fait la version anglaise, du coup. Ah bah ouais, non mais je l'ai découvert en émulation il y a 2 ans, je sais plus. J'avais fait un stream et j'ai adoré. J'ai découvert pour la première fois, j'ai adoré. Magnifique. Ben, pour le coup, même la trad de Parasite Eve est ratée. Ah merde, bah faudra que tu nous... On fera une émission Parasite Eve alors. Bon, pour le coup, je vais être honnête là-dessus, hein. Je suis pas un expert en Parasite Eve, pour le coup, même moi je sens que je dirais beaucoup de conneries là-dessus. Bon, c'est pas grave, mais Je écoute. préfère le dire. J'aime beaucoup Parasite Eve, mais je suis pas un expert là-dessus, donc je préfère éviter. Alors, maintenant, on passe sur Resident Evil 7, qui ne s'appelle pas du tout Resident Evil 7, mais Resident Evil. Alors, j'ai pas compris. Réexplique-nous l'histoire du titre, là, au Japon, c'est quoi? C'est Resident Evil, et chez nous, c'est Biohazard, je sais plus. Bah en fait au Japon c'est Biohazard 7 Resident Ah, c'est Evil et ça. en Occident c'est Resident Evil 7 Biohazard. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc il y a l'idée d'unification de la série. Donc ils veulent unifier la chose. Sauf que le problème c'est que bah, ça donne de la merde. D'ailleurs le truc très drôle, c'est un truc que je mentionne très souvent. Revelations, premier du nom, et Biohazard 7 sont le même jeu. Et d'ailleurs ils ont la même équipe. Attends, j'ai rien compris. Resident Evil Revelations, 7? premier du nom, et RE7, c'est le même jeu. Comment ça, c'est le même jeu? Bah, ils ont le même directeur, ils ont la même optique. Ah oui, C'est-à-dire que d'accord. Revelations 1, la promo de Revelations 1, c'était Retour aux sources, et la promo de RE7, c'est Retour aux sources. Oui, non, mais attends, retour aux sources, on nous le promet depuis Perpète. Le 5, rappelle-toi que c'était le retour aux sources aussi, hein. C'était pareil. Non, mais le Retour aux sources, c'est un truc marketing qui sort à chaque sauce. Mais ce qui est très intéressant vis-à-vis de Revelations 1 et Bio7, t'as le même directeur dans les deux jeux. Et les deux jeux font la même chose, mais d'une manière très différente. C'est-à-dire que le premier, le Revelations 1, te fait ce que fait le 7,
Mais Revelations 1 te le fait dans une optique très japonaise, alors que RE7 te le fait dans une optique très américaine. Ouais. Et là est toute la distinction. Moi, si j'aime beaucoup Rev 1, c'est parce qu'il y a ce côté très Jap. Il reste dans Bayo, il donne ma géopolitique, il donne mon économie, il donne tout ça. Le 7, qu'est-ce qu'il m'apporte? Rien. Il me parle d'une nouvelle société, dont je m'en bats les couilles. Il m'apporte une narration, bah, je m'en bats les couilles aussi, parce que finalement, bah, je peux la résumer très simplement à Evelyn, elle voulait juste une famille parce que c'est une gamine qui a été. On lui a injecté des trucs depuis qu'elle est gamine, jusqu'à ce qu'elle devienne une vieille. Très franchement, il n'y a rien, quoi. Même en termes de gameplay, il n'y a rien. Mais t'as un gameplay très mou, très lent. T'as une variété d'ennemis dégueulasse. Et le pire, c'est que les Mycomorphes ressemblent aux Ooze de Revelations, sauf que les Ooze de Revelations ont un design très Jap, donc ils ont un design très singulier. Surtout avec ce design très aquatique qu'on a dans Revelations, alors que dans le 7, ça ressemble à de la moisissure, donc bon, bah, c'est pas ouf. Et l'inspiration majeure du 7, c'est le remake d'Evil Dead. D'où la teinte très jaune, jaunâtre à l'écran, qui est pas ouf. Et finalement, on se tape un jeu qui vise que l'horreur, qui vise que la peur. En fait, c'est un jeu marketing, en fait, le 7. Il est là pour vendre des Morpheus de la PlayStation. Il est là que pour ça, en fait. Il est là pour surfer sur la vague des FPS horrifiques en VR. Alors, c'est le meilleur des jeux FPS horrifiques en VR, pour le coup. Mais en termes de bio, c'est de la merde. Il a rien. Il a pas de design, il a pas le scénar, il a pas la musique, il a pas le gameplay. Il paraît qu'il y a crise dans le jeu, on m'a dit. Bah, il y a Chris, ouais, bah, il y a Nota Hero. Nota Hero, le seul côté qui fait Biohazard, en fait. Pour le coup, Nota Hero, qui est très fun, parce que, bah, il y a des contres. Le jeu est très speed. Même End of the Way, où tu joues Joe, qui est l'oncle de Zoé dans la trame narrative, carrément, t'affrontes les ABO au point, quoi. Je leur fais même des prises de catch. Là, pour le coup, je me suis dit, bah putain, là, pour le coup, il y a le côté Bayo, en fait. Il y a ce côté très outrageant, très what the fuck, que j'aime bien dans Biohazard. Mais c'est des DLC, et c'est ça qui est problématique. Et même en disant des DLC, ils ont toujours cette base qu'est le 7. Du coup, ils n'arrivent pas à se démarquer de la chose. Donc, on a un truc vraiment qui a le cul entre deux chaises, et c'est vraiment de la merde. Et concrètement, niveau scénario, pour m'expliquer aux novices, là, parce que moi j'ai lâché après 2 heures, j'en pouvais plus. Ça se situe où par rapport au 6? En gros, ça se passe quelques années après le 6. Ouais. Le jeu qui fait le lien entre les deux, d'ailleurs, c'est Umbrella Corps. Quasiment personne n'a fait et tout le monde chie dessus, alors que Corps, en tant que spin-off, est excellent. Il y a une société qui a en lien avec la société rivale d'Umbrella, ça parle d'HCF, a créé une nouvelle arme biologique. Ouais. Et on en arrive à Evelyn, qui est donc l'antagoniste principal du jeu, et qui est un ABO qui peut donc infecter des hôtes et donc leur mettre des illusions dans la tête. D'accord. Et globalement, bah, c'est à peu près. En fait, le scénar, c'est juste ça, quoi. Là, pour le coup, effectivement, on est vraiment dans le nana. Il me semble que j'ai vu, il me semble, de souvenir que j'avais vu le design de Chris dans le 7, ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était dans le 6. Oui, bah oui. Ah, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que du coup c'est canonique ou pas? Bah oui, c'est canon. Ah d'accord. Après, le changement de gueule de perso, de toute façon, ça existe depuis 96, hein, mais bon. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, on va dire que Chris avait quand même une gueule particulière depuis le 5. Depuis le remake, en fait. Parce que Oui, le non modèle mais. du remake est utilisé pour le 5. Ils ont juste vieilli le modèle, mais. Ouais, mais dans le 5, il a quand même une gueule et un physique particulier. Comment ça se fait que dans le 7, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont un nouveau moteur graphique. Donc, on prend des nouveaux modèles parce que bah forcément, reprendre les anciens, ça coûte du pognon. Et voilà, bah, ça, c'est juste de l'économie, en fait. Mais donc, c'est censé se passer après le 6. D'accord, donc c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Merci de confirmer et là, tu me confirmes dans le fait que j'ai pas continué à jouer à cette daube.
Mais donc pour toi quand même que c'est un bon jeu en VR, à faire en VR, c'est ça? Bah, je compare juste à ce qui se fait à côté en fait. Si je vois les jeux qui se font à côté en termes de jeux d'horreur FPS, effectivement le 7 les explose tous. Mais c'est un peu le problème de Bayo en fait, c'est que Bayo il arrive à faire tout mieux que tout le monde. Mais si tu le juges en tant que Biohazard, c'est de la merde, hein, des fois, tu vois. C'est ça le problème, hein, en fait, de Biohazard. Ouais. C'est que des fois, quand il fait un. En tant que Bio, ça peut être de la merde, mais en tant que jeu, ça peut être très bon. C'est un peu ça le problème. Et 7, c'est un peu ça. C'est que tout ce qui se fait à côté à cette époque-là, bah, le. Enfin, je veux dire, tout le monde la compare à Pity, mais le truc qui est très drôle, c'est que le 7 était déjà en développement avant Pity. Ouais. Donc. Ok, il y a peut-être une inspiration Outlast ou même Slender, effectivement. Mais ça, c'est normal. De toute façon, la série Bio, elle a toujours fait. Bio, c'est une série qui s'inspire de tout ce qui marche. En même temps, c'est la série qui se vend le plus de Capcom. Donc, si Biohazard, ça se vend pas, c'est que Capcom, il y a un problème. Donc, ils sont obligés de faire ce genre de truc. Mais. Ah, je crois que Kyler, je crois qu'on l'a dissident de la soirée. J'ai pas compris. Alors Kylor, Core, c'est complètement pas une série purement marketing, puisque Core, c'était un délire des développeurs à la base. Les mecs ont fait le jeu parce qu'ils voulaient juste se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça donnerait un Bayo TPS compétitif, ça peut être rigolo, et ils l'ont fait. Pour le coup, si tu veux un Bayo complètement marketing, tu prends Bio 2, tu prends Code Vero. Tu prends même le 4 en fait. Tu prends même le remake du 2 en fait. Mais pour le coup, je parle même pas de la qualité des jeux, hein. C'est la manière dont ils ont été développés en fait. Toi qui es un peu un insider, enfin un insider, tu connais pas mal d'infos, t'as des relations et tout, rassure-nous, il n'y aura pas de suite à Resident Evil 7. Enfin en tout cas, ils feront pas cette approche de nouveau en FPS, c'est fini. De ce que j'ai entendu dire, normalement la suite devrait être en TPS. Ah, putain. Donc, non. Merci. Passer mieux au succès du 8. Du 8. Du remake du 2, pardon. Donc, normalement, c'est ce qu'ils comptent faire. Oh putain, ils ont enfin compris, alléluia. Et puis, normalement, ce qui devrait arriver, remake du 3. Ouais, non, logique, ça me plaît. Mais c'est même pas logique, c'est qu'en fait, pour le coup, le remake du 3 est en développement depuis que le remake du 2 a été lancé. À ce moment-là? En même temps. Bah, ça se voit même dans le remake du 2 parce qu'il y a des modèles du 3 qui sont déjà dans le jeu en fait. D'accord. Bah, déjà, quand tu vois qu'il y a le modèle de Brad Vickers qui est dans le 2, tu as le modèle du lance-roquettes du Nemesis qui est déjà dans le jeu, tu as les Samurai Edge de Bio 3 qui sont déjà dans le jeu est déjà en développement. Et tu Ça, crois qu'il va sortir quand? pour le coup, je peux pas le dire. Parce que pour le coup, même le remake du 2, il est en développement depuis très 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 longtemps. Et depuis combien de temps qu'il est en développement ce deuxième opus J'ai pas de remake? compte précis, mais de ce que je sais, c'est qu'ils avaient déjà envisagé le truc depuis très longtemps et qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire le remake du 2. Parce que le remake du 2 était très. Pour le coup, on se rend pas compte, hein. Mais le remake du 2, c'était vraiment très casse-gueule. Parce que ils avaient le choix, soit le faire en caméra fixe pour faire plaisir aux vieux fans, mais du coup, ça pouvait poser des problèmes pour avoir de nouveaux fans, soit le faire en TPS, et du coup peut-être poser problème aux vieux fans, mais attirer un nouveau public. Donc du coup, à partir de là, comment tu fais? Tu fais les deux, tu fais un des deux, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant des années en fait. Ils sont en train de se dire, on fait comment en fait? Comment on fait le remake du 2? Ah, ils voulaient donner le choix de switcher entre les caméras. Bah, ils savaient pas en fait, ils ont essayé plein de game design. Pour être sûr. Du coup, c'est pour ça que, bah, tu vois, si tu veux, on peut switcher sur le remake du 2. Hein. Écoutez, je crois qu'on va en arriver naturellement au remake du 2, mais est-ce que tu voulais faire une parenthèse sur les jeux dont on n'avait pas parlé, genre les révélations, l'épisode Game Boy Color? Revelations, premier du nom, il faut le faire. Parce que Revelations, premier du nom, il est excellent. Il a un excellent game design, il a un excellent scénario. Et qu'on ne me dise pas, oui, mais il n'y a aucune révélation dedans.
même la géopolitique dedans qui est toujours encore mise en place. Alors bien sûr, beaucoup vont encore réagir dans le chat parce que, je sais pas, je vais dire un truc de bâtard, mais c'est facile dans le chat, mais essayer de résumer une série de tête, sans notes, comme ça, comme je le fais, c'est très compliqué. Il y a encore la géopolitique et l'économie dedans. On a la création du BSA, comment le BSA s'est formé. On a un lien entre l'époque classique et l'époque moderne qui est faite dans Revelation. Donc on voit comment les conflits géopolitiques ont permis de créer le BSA. Et là est tout le génie de la chose, parce que finalement la révélation elle est là-dedans en fait. Je veux tout pas que je sûr qu'il dit révélation, il y a zéro géopolitique. Donc quand t'as un mec qui se dit, mais attends, il y a des ABO, mais les gens s'en battent les couilles, on n'arrive pas à former une unité pour pouvoir se battre contre ça, on en a déjà une, mais on n'a pas l'aval de l'ONU, comment on fait pour en avoir un lieu? Et t'as un mec qui organise un attentat sur une ville qui est Terra Grigia pour montrer que l'horreur de la biotechnologie, ça existe, pour forcer l'ONU à créer une unité d'élite qui peut interagir dans tout le monde, tu vas me dire qu'il y a zéro géopolitique. Enfin, pour moi, c'est pas comprendre le scénario de Biohazard, en fait. C'est dedans. À partir de là, enfin bref, le gameplay est très bon dans le premier Revelation. En plus, il y a les esquives à une frame dedans, encore une fois. Il y a le Red Mode qui est excellent. La musique, franchement, elle pète du feu de Dieu. Il y a Revelation 2 qui est excellent lui aussi, qui fait autre chose que le premier Revelation 1, et c'est ça qui est génial en fait. Et donc, pour le coup, on a un scénario qui essaie d'aller plus loin dans une autre thématique, qui est la thématique eugéniste, qui existe dans la série depuis le début. Sauf qu'on essaie d'aller très loin dans la science-fiction, de ce côté-là, parce que je rappelle, hein, Biohazard, c'est de la science-fiction à la base, avec une antagoniste qui se dit que l'immortalité biologique est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Par conséquent, c'est une immortalité abstraite d'esprit. Donc on est plus dans la philosophie dans Revelation 2. C'est-à-dire que Revelation 1 va plus dans le côté géopolitique, Revelation 2 va plus dans le côté philosophique de la série. Et on a un gameplay qui est très bon, donc pour le coup qui permet des esquives libres. Donc c'est plus des esquives à une frame comme dans le premier Revelation, donc on peut esquiver quand on veut. Il y a plus un côté RPG dans le deuxième. Il y a une OST qui est très bonne. Les deux Revelations sont très bons. Ils visent juste deux autres côtés de la série, très différents. Mais il reste des Biohazard exceptionnels qu'il faut faire. Absolument. On a déjà brièvement parlé des Gun Survivor. Je vous conseille de faire les Gun Survivor. C'est très compliqué de les faire maintenant parce que faut les faire au GunCon. Le problème, c'est que ça ne marche pas sur les télé HD. Donc il faut les faire sur les TV cathodique, et à la manette c'est pas génial. Après il y a l'Outbreak que je vous conseille aussi, qu'il faut jouer sur les serveurs custom par la communauté. En dehors de ça, je pense avoir bien fait le tour de la chose. Et l'épisode Game Boy Color, tu parles du prototype? Ah, il y en avait un autre, comment il s'appelait? Ah, Gaiden? Ouais. Bah, Gaiden, je vais peut-être choquer des gens, hein. Mais Gaiden, en tant que spin-off non canon sur Game Boy, pour le coup, il est excellent. Franchement, il est très bon. Faut aimer de se dire que c'est un Biohazard sur Game Boy. Mais pour le coup, ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Je vous le conseille aussi. Après, le scénario est pas canon, donc j'ai même pas envie de le mentionner. Mais... Et le proto, t'as des anecdotes là-dessus sur ce portage de Resident Evil, le premier du nom, sur Game Boy? Bah, il y en a eu deux en fait. Il y a eu deux portages différents, ouais, qui ont été faits par deux équipes différentes. Mais globalement, c'est juste des portages quoi. Il n'y a pas grand chose à dire quoi. Au final, le premier, si je dis pas de conneries, était sorti sur DS, non?
Celui de 96, ouais, il était sorti sur NES, Deadly Silence, que je Ouais. recommande aussi parce qu'il est excellent. Ah, et on nous dit effectivement de ne pas oublier les opus sur Wii. Alors, Umbrella Chronicles et Darkseid Chronicles, ils sont très bons. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Umbrella Chronicles et Darkseid Chronicles, ils ont été gérés par Cavia. Et Cavia, c'est les gars qui avaient géré Gun Survivor 4. Donc, je vous les conseille vivement. Parce que Umbrella Chronicles et Darkseid Chronicles font des bons résumés de la saga. Alors, effectivement, les résumés des épisodes numérotés sont pas canons, mais les documents qu'on a dedans le sont, et les chapitres originaux le sont aussi. Et en termes de jeu, avoir les Biohazard en mode arcade rail shooter, ça marche très bien. C'est très fun. Il y a toujours l'ambiance Bayo dedans. Donc je les conseille vivement aussi. Ils sont excellents. Et je ne comprends pas les gens qui leur chient dessus. Parce que c'est des spin-offs, quoi. C'est des spin-offs, ils sont là pour le fun, ils sont là pour le gameplay, ils sont là pour s'amuser. Ils sont excellents. Bon, il y a un truc qui m'échappe, c'est que tout à l'heure tu as dit que Resident Evil Révélation c'était Resident Evil 7 parce que c'était le même réalisateur et la même optique. Mais tu as dit que Révélation c'était génial et que le 7 c'était de la merde, explique-toi là-dessus. Comme je dis, il y a Revelations qui vise une optique plus japonaise et il y a Alcest qui vise une optique plus américaine. Et pour moi, quand une société japonaise vise les Américains, ils font forcément faire de la merde en fait. Ah d'accord, c'est par rapport à Quand l'orientation. tu tapes, tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur les persos de Revelations. Les persos de Revelations, quand tu vois leur gueule, ils sont mémorables. Ceux du 7, tu les vois une fois, tu t'en bats les couilles. T'as même pas envie de les revoir, ils ressemblent à rien. Non mais moi c'était vraiment le sentiment que j'ai eu avec le 7, c'est que Capcom, enfin Resident Evil devenait 100% occidental. C'était l'antithèse complète du 6 qui est purement japonais, ça m'avait complètement gonflé ça. On est d'accord là-dessus. Donc écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour, si jamais après il y a encore des questions dans le chat, on y répondra les gars. Là on Bah, va du vive. coup avoir ton avis sur le remake de Resident Evil 2 qu'on attendait depuis très longtemps. Réalisé par Kazuniro, non pardon, Kazunori Kadoi et Yasuhiro Hampo. Le retour Bah, d'Eric écoute, Satie. je vais aller pisser un coup, Ah d'accord. puis j'en parle. Note s'il y a des questions. Ouais. Comme ça, j'y réponds avant de donner ma critique du remake. Très bien. Et bien tout de suite. Je vais boire. Écoutez les gars, c'est votre moment pour poser des questions à Derek qui va y répondre juste avant de parler du remake. C'est certainement le moment que vous attendiez tous, le moment décisif, fatidique. Pourquoi il y a autant de modos? C'est la saison des soldes. D'accord? C'est pour remercier les gens de leur fidélité, puis je vois si les gens racontent de la merde ou pas. Ceux qui se comportent bien ont droit au statut de modérateur, et puis j'ai fait une exception pour Ecleptic Express qui a été viré et qui est un peu de Derek. Voilà. Ah voilà, tu vois par exemple je vois Negan Watching You dit j'adorais Gaiden, je le mets modérateur ça. Très bien. On a rien oublié les gars? Est-ce qu'on a oublié des Resident Evil dans cette petite rétrospective? Je vais lui poser la question Hideo. La fin de RE2 Remake est ultra bâclée. Écoutez, Derek va en parler. Moi, je l'ai pas encore fini. Hein. No spoil. No spoil. Enfin, même si j'ai fini le 2 et que je pense que je vais pas être vraiment surpris en termes de scénario. Je pense qu'il a pas tout aimé dans le remake comme moi, mais que globalement, il l'a approuvé. Ah. Eh bien, écoutez, le résultat va vous surprendre. Non, Ecliptique, je te virerai de la modération après, parce qu'on sait jamais. Hein. Y a des gens taquins sur le chat. C'est pour t'assurer que tu ne sois pas viré de manière un peu hasardeuse. La collection est encore trouvée. Je vais demander ça. Allez-y pour les questions, on va les poser. Donc on a rien oublié, je suis content.
On a été assez exhaustif. Ah, on a oublié 3D Mercenaries. Ouh là là. Ouh là là, bien joué. Ah, il y a moyen qu'on ait encore oublié un autre truc, hein. Capcom, ils sont tellement productifs. Je suis décevant parce que je parle du 7 sans l'avoir fait. Non, mais j'ai bien précisé que j'ai joué 2 heures. Pour moi, c'est un tas de chiasse. Je le dirai. Mais je ne me permets pas après de le juger dans son ensemble. J'ai juste pas envie de. J'ai pas eu envie d'en voir plus. Voilà, ça ne m'a pas intéressé. Non, si vous l'avez aimé, tant mieux. Après, tout ce que vous entendez ici est subjectif. Ah oui, c'est vrai, Franck, c'est vrai. Tu as depuis longtemps, c'est vrai que tu as le droit au statut de modérateur. Ouais. Est-ce qu'on contrôle le vrai Chris dans RE7? Et quelle est l'organisation de Wesker dans Code Veronica X? Allez, je vais demander ça à Derek. Alors, quand c'est que sort la rétro? Bah écoutez, Derek espère la sortir cette année, mais ça sera peut-être l'année prochaine. Il y a plein de questions. Bah écoutez, c'est pour Derek tout ça. C'est à lui d'y répondre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les films d'animation. Bien joué, Dimitri. Très bon ça. Ouais. On va lui poser la question. Par contre, pitié, on ne parle pas des films. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Je vais essayer de lire dans l'ordre. Alors attention. Attention. On va commencer. Attends, attends, attends. Voilà. On va commencer avec la première question de Hideo Kojima Desu. Que pense Derek du Wesker Report? Est-ce vrai que Léon devait mourir à la fin du 4? Bah en fait, le cadre original, il y avait plusieurs fins comme les BD classiques en fait. Donc il y avait une fin où il survivait, il y avait une fin où il mourait, etc. Donc en plus, ça on n'en est pas vraiment sûr, on sait juste qu'il y avait plusieurs fins en fait. Et le Wesker Report? Bah, le Wesker's Report est très bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Wesker's Report il a été écrit par Kato. Il avait pris les scénaristes de la série, il les avait emmenés dans un bar. Et il leur avait bourré la gueule pour que les mecs commencent à balancer des trucs pour écrire le truc. On t'a demandé un avis sur les films d'animation en 3D de Resident Evil. Bah, les films d'animation 3D sont excellents et je vous conseille tous d'aller les voir. Ils sont sur Netflix ou pas? Ils sont pas sur Netflix. Ah, il me semblait, d'accord. Tu conseilles les deux? Il y en a deux, hein. Y en a trois. Il y en a trois? Ah, j'ai pas vu le troisième alors. Il y a Vendetta qui est sorti récemment. Ah, j'ai pas vu. Vendetta, c'est un peu Bio6 au cinéma, quoi. Mais on ne parlera pas des films Resident Evil. Ah, c'est de la merde, hein. Ah ouais, je pense qu'on Bien. peut le dire. Ah oui, Joachim qui me demande de demander si la collection Resident Evil 0 plus 1 plus 4 plus 5 plus 6 sur PS4 est encore trouvable. Ça, je sais pas. Pour le coup, moi, je joue sur PC, donc. Ah, on te demande en dehors de Resident Evil à quoi tu joues? Trop de jeux pour être cité. Hein. Pour le coup, j'ai beaucoup joué à MGS, Parasite Eve, la série de Mother, Shenmue, T'es essentiellement japonais, Virtua Fighter, tu fais pas. enfin beaucoup trop de trucs en fait pour être cité là pour le coup. Faudrait voir ma liste de jeux et Mais j'en ai plus de 200 donc. tu fais que du jab, tu fais pas de jeu américain. Très peu. Très très peu. T'as fait les portals quand même. Bah, je t'avoue que les jeux Valve, en règle générale, je les apprécie. Les Left 4 Dead, je les aime bien. Half-Life, j'apprécie plus ou moins. C'est des bons jeux, mais c'est pas trop mon délire. Les Portals, je les ai adorés. Mais c'est très rare que j'apprécie des jeux ricains, en fait. Il y a Doom aussi, effectivement. On te demande si tu as des infos sur le premier trailer de Resident Evil Révélation avec Hunk, les deux Chris, etc. C'est quoi cette histoire des deux Chris? C'était juste des concepts. Ah. C'est un trailer conceptuel en fait. Ils avaient pas.
fait, c'est toutes les idées qu'ils ont mis dessus, c'était juste des concepts, en fait. Ça n'est pas plus dans le fond. Du coup, manga, comics de l'époque et les romans de S.D. Perry. Les romans de S.D. Perry, c'est de la merde, il faut les brûler. Il ne faut plus jamais en parler. Pour le coup, c'est de la merde. Alors, on m'a fait remarquer que tu avais oublié de parler de 3D Mercenaries. Mon Mercenaires 3D est un excellent spin-off. Si on prend pour le délire qu'il est, parce que j'ai pas trop compris la haine que le jeu s'est pris en fait, mais je prends comme un jeu. C'est Mercenaries sur console portable. Juste pour s'éclater, t'es dans le métro, tu prends ta 3DS, tu t'amuses. Le jeu est excellent pour ça en fait. Donc il faut achetez-le en fait. Si vous aimez le gameplay de Bayo et que vous aimez les modes Mercenaries, prenez-le. Parce qu'il est très bon. Bon, ce qu'il propose, il est très bon. Mais c'est un spin-off. On te demande si on contrôle le vrai Chris dans Resident Evil 7. Oui, on contrôle le vrai Chris. Quelle est l'organisation de Wesker dans Code Veronica X? C'est l'organisation rivale d'Umbrella. Et il fait partie d'une escouade qui est appelée HCF, donc Hive slash Host Capture Force. Donc c'est une. Il fait partie d'une unité d'élite. De cette organisation rivale. Peut-on glaner quelques informations sur le possible remake de Resident Evil 3? J'ai aucune info là-dessus. Deadly Silence. Deadly Silence, c'est excellent, prenez-le. Du coup, elle sort quand la rétro? 2000XX. Je crois qu'on a presque fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a encore? Alors, je vérifie. Ah, je suis désolé si j'en ai sauté. Non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Bah écoute, on peut maintenant partir sur le remake de Resident Evil 2, ton avis dessus, les anecdotes, etc. C'est parti. Remake de Bio 2, je le résume comme ça. C'est pas le Biohazard qu'on voulait, mais c'est le Biohazard dont on avait besoin. Parce que pour le coup, il a le don de faire plaisir à tout le monde. Mais le problème, et c'est quelque chose que je lui reprocherai un peu, il a une direction artistique un peu trop américaine. Surtout avec ce coup de la lampe torche dans le noir, là, c'est n'importe quoi. Surtout quand il brille dans ses game design, enfin dans cette direction à l'ancienne, avec des couleurs très brillantes, très belles, très pétantes. Ça, c'est quelque chose qui fait très mal dans le classique. Il reprend exactement le gameplay à l'ancienne, en l'adaptant à une vision de TPS. Et ça fait vraiment plaisir. Mais le problème, c'est qu'il propose rien. C'est un peu ça le problème. C'est pour ça que je dis que c'est le Biohazard qu'on voulait pas, mais c'est celui dont on avait besoin. C'est qu'il réussit à remettre tout le monde d'accord. Ce qui fait qu'à peu près tout le monde est d'accord sur le remake. Le remake est excellent. On est tous d'accord là-dessus. Après, la manière dont ils ont développé le jeu, c'est ça qui est très drôle parce que c'est très lié au Biohazard 2 d'origine. C'est que ce remake, il est là pour faire plaisir aux vieux fans. Mais il est là aussi pour attirer un nouveau public. Et du coup, on a un jeu très en demi-teinte, finalement. Parce que s'il était fait pour les vieux fans, il aurait surexplicité tout ce qu'on avait dans le BioDo original. Et finalement, il est très simple. C'est-à-dire que même les développeurs l'admettent, ils ont essayé de simplifier l'histoire du BioDo original. Donc c'est-à-dire, en fait, vous faites le remake de BioDo 2, vous avez compris Biohazard 2. Alors que dans le Biohazard 2 d'époque, il fallait un minimum réfléchir pour comprendre ce qui se passait en fait à l'écran. Donc finalement, on a un opus qui est un petit peu plus simple, qui est un petit peu plus explicatif dans ce qui se passe, qui nous montre un petit peu plus les choses. Moi, de mon point de vue, on va dire là où on en est, c'est pas plus mal. Sauf que, et là c'est le grand mais, la traduction est ratée encore une fois. Je sais pas ce qu'ils ont avec les traductions dans Biohazard, mais les mecs ils s'arrêtent pas à la traduction du remake. Alors j'ai pas encore
toutes les informations pour la traduction du remake, mais du peu que j'ai vu, la traduction est pas géniale. Donc c'est un excellent jeu que je conseille vraiment à tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais mentionner que j'oublie? J'ai vu que quelqu'un disait que la fin était bâclée, mais moi j'ai pas encore fini, faut pas spoiler, mais est-ce que c'est raté? La fin elle est pas bâclée, c'est la même fin que Bio 2. Ah, bon. Comment on peut dire que la fin est bâclée si c'est la même fin que l'original? Je sais pas, mec. C'est ce que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, donc je me demandais. Je sais pas, non mais au bout d'un moment faut être cohérent en fait, c'est la même fin. T'as une On préférence pour parle de la même l'original chose. ou t'as une préférence pour l'original ou le remake? Ben, pour être honnête, moi personnellement, j'aurais forcément une préférence pour l'original. J'ai grandi avec, donc automatiquement j'ai une préférence pour l'original. Par contre, tu vois, et là, la grande différence. Si avec 96 et le remake, je chie sur le remake, pour le coup, entre Bio 2 et son remake, je chie pas sur le remake. Pour moi, le remake est bien plus réussi que le remake de 96. J'ai affaire à un jeu qui, pour moi, respecte plus l'original, fait des bonnes choses, est très fun. Parce que pour le coup, je t'avoue que là, le remake, en ce moment, j'ai combien d'heures de jeu dessus? Attends. J'ai 63 heures de jeu dessus. Ah, quand Depuis qu'il est sorti, j'ai tous les achievements. Il y a du bon défi dessus. Le gameplay est très fun. Pour le coup, bah, j'ai. En dehors de la direction artistique qui pour moi est ratée, et de la musique qui pour moi est trop simple, elle est vraiment trop. Tu sens le délire. On va faire quelque chose de très simpliste. ouais. Ah, je l'ai senti Je ça. supporte pas ça en fait. Pour Et moi, le Biohazard a toujours été dans le grandiloquent. On est dans le style, on est dans le cool. Là, je me tape un truc qui est pas. t'as craqué pour le DLC à 3 balles? Ben, j'ai pris l'édition de luxe, hein, c'est Ah tout oui, bien. d'accord. Tu joues avec les musiques originales du coup. Moi, oui. Bon, très clairement, je joue avec les costumes classiques et avec la musique originale. Ah non, mais moi je me suis pas posé la question. J'ai vu que la BO il n'y en avait pas. J'ai pris les musiques direct. J'ai quand même fait le jeu dans ces quatre scénarios avec les costumes classiques et la musique d'origine, histoire de comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends le délire. Je me dis même que quelqu'un qui connaît pas Bayo, il voit le truc, que je peux comprendre qu'il soit attiré par cette vision plus moderne. Moi, par contre, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Je ne peux pas accepter un truc pareil. Mais du coup, je pardonne quand même parce que je me dis, ben, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je vois que c'est pour attirer de nouvelles personnes. Et de toute façon, si Biohazard ne fait pas ça, Biohazard meurt en fait. Ah, c'est sûr Et que là moi, en tant c'était que mal fan de barré. Bio, je ne peux pas accepter une mort de la saga en fait. Non, mais après le 7 c'était mal barré. Moi il m'avait perdu. Hein. Là ils m'ont récupéré avec le remake. Est-ce que le scénario est intouché? J'ai vu une rumeur comme quoi il n'y avait pas autant de notes que des trucs avaient disparu. C'est vrai ou pas ça? T'en répètes? J'avais vu comme quoi des notes, c'est des documents avaient disparu dans le remake. Comment ça, des notes avaient disparu? Je sais pas, j'ai vu un truc comme quoi il y avait moins de documents dans le remake que dans l'original. Bah, c'est pour cette optique de simplifier le scénar, en fait. Ah donc vraiment, il y a des trucs qui ont disparu. Oui. Ah d'accord. Bah, parce qu'en fait, le remake essaie de simplifier Bio 2, en fait. D'ailleurs, pour moi, de mon point de vue, hein, si je veux juste parler de mon point de vue à moi, simplifier Bio 2, ça veut vraiment dire que les gens sont des cons. De mon point de vue, c'est comme ça. Hein. Si on ne comprend pas le Bio 2 d'origine et qu'on a besoin de le simplifier, c'est que les gens vraiment sont devenus teubés. Ils ont vraiment enlevé des documents. Ben oui, ils C'est ont ça. rendu le jeu beaucoup plus simple. D'accord. Le pire, c'est qu'ils ont même en rendant le jeu plus simple, ils ont rajouté des trucs qui ont été rajoutés après pour rendre le jeu plus compréhensible. Ah, d'accord. Donc, enfin, pour moi, je vois même pas ce qu'on peut reprocher au jeu. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, je tiens à mentionner, j'en profite qu'on soit en live, mais il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des incohérences entre les multiples scénarios. Il faut pas oublier que c'est pareil dans l'original et que de toute façon, Biohazard a toujours eu son canon de cette manière.
C'est que le canon de Biohazard 2, c'est un amalgame des quatre scénarios. Et d'ailleurs, l'inspiration majeure du zapping système, c'est Retour vers le futur. Donc il faut voir. Oui, il y a des scènes qui se passent en double, il y a des scènes qui paraissent incohérentes, mais c'est parce que bah, le canon du jeu, c'est un amalgame des quatre. Et que finalement, il y a certaines scènes qui sont mises en double parce qu'elles sont là pour être fun. Et c'est se dire, bah tiens, je rejoue le scénario avec Léon, ah ma mère, je me retape le même boss fight qu'avec Claire. Parce que c'est rigolo. C'est ça le truc à comprendre. Du coup, le canon du jeu, c'est qu'un des deux personnages rencontrera ce boss-là, aura cette scène-là, mais pas l'autre. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, et ça existe déjà dans le BioDo original. Donc le mot de fin, c'est que c'est quand même pas mal. Ben c'est même excellent. Très franchement, là, le jeu, je suis en train de l'enchaîner en boucle. Moi, de mon point de vue, hein, là, je suis en train d'enchaîner le jeu en boucle. Je pensais très intimement que ça serait de la merde. J'ai pas arrêté de chier sur le jeu, hein, depuis son annonce. Là, finalement, je l'ai acheté en Deluxe. Je suis en train d'y jouer en boucle. Je suis en train de kiffer ma vie. Et pour certains qui me diraient, mais est-ce que t'es un fan de Bio? Bio 7, je l'ai pas acheté. Je l'ai fait une fois. Je me suis fait chier. Je l'ai pas acheté. J'ai juste fait les modes bonus et c'est tout, quoi. Le jeu, j'y ai pas rejoué depuis. Alors que le remake de Bio 2, je suis en train de me le refaire en boucle. Ça veut bien dire que le jeu est un minimum bon. Donc, merci Capcom, Derek approuve. Et ça, c'est Je bien. pense intimement que c'est parce que c'est Hampo qu'à la direction. Ah oui, le fameux Hampo. Alors, du coup, l'exercice qui va être compliqué pour toi maintenant, j'aimerais que tu nous résumes ce qu'est la saga pour toi et son scénario en quelques minutes. C'est parti. Tu veux juste que je résume le scénario? Le scénario, puis après, ton avis global sur la saga. Alors le scénar. Tu veux que je fasse ça dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre de sortie? Parce que c'est compliqué, parce que ça dépend de la gymnastique intellectuelle que je fais en fait. Chronologie plutôt. Chronologique. Ouais. Donc, il y a des meurtres étranges qui ont lieu dans la région de Darkley. Pas loin d'une petite ville du Midwest qui est Raccoon City, en 98. Il y a l'équipe Bravo qui est envoyée sur les lieux pour voir qu'est-ce qui se passe. À noter que l'unité des Stars, c'est une unité qui est inspirée des SWAT, mais c'est une unité antiterroriste et de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, parce que je tiens à le préciser, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Mais ça existe aux États-Unis, les unités militaires qui vont dans les forêts pour rechercher des gens avec des armes. Ça existe. Et donc les Stars donc, sont envoyés dans la forêt de Raccoon pour retrouver des gens qui sont paumés, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de meurtres dans les montagnes. L'équipe Bravo disparaît. Et donc c'est ce qui se passe dans Biohazard 0. Dans Biohazard 0, donc y a Rebecca qui trouve un train abandonné et en rentrant dedans, se rend compte qu'en plus ils ont trouvé un van abandonné d'un militaire qui est censé avoir tué des gens qui a disparu. Rebecca finalement finit par le rencontrer, donc c'est Billy Cohen. Puis elle se fait attaquer par des sangsues. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, c'est l'horreur. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, alors on arrive au centre de recherche d'Umbrella, on se rend compte que finalement les sangsues sont contrôlées par quelque chose qui ressemble à James Marcus. James Marcus qui étant un des membres fondateurs d'Umbrella, la société pharmaceutique qui est dominante économiquement dans la ville de Raccoon City. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire, ils se rendent compte que Marcus a été assassiné par Spencer, qui est un des membres fondateurs d'Umbrella, afin d'assouvir sa suprématie et que Wesker et Birkin reprennent les recherches de Marcus. Puis on en arrive à l'opus original,
Donc l'équipe Alpha débarque parce qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de l'équipe Bravo depuis quelques jours. Et puis au final débarque dans un manoir après s'être fait chasser par des chiens zombiciens. Wesker disparaît. Ils avancent dans ce manoir avec des monstres dedans. Pour finalement arriver à un laboratoire, elle se rend compte qu'au final, Wesker travaillait pour Umbrella et que ce manoir-là a eu un incident biologique parce que justement la reine Sansu a créé cet incident au niveau de l'injection du thé dans le tyran. Le dehors est un document dans l'original. Et il y a Wesker en face du tyran qui nous explique qu'en fait il a trahi Umbrella et le STARS, puisque son but était d'utiliser le tyran afin de forcer une évolution massive de la race humaine via une extinction de ces mêmes races humaines. Sauf que finalement, le tyran embroche Wesker, les tyrans butent enfin les Stars butent le tyran et se barrent du manoir. Tout ça en se rendant compte que finalement, cette société pharmaceutique qui semblait œuvrer pour le bien-être du peuple, finalement faisait des armes bio-organiques qui servaient donc à des fins militaires. On arrive à Biohazard 2, il y a Claire Redfield qui débarque. Non, si je dois faire chronologiquement, c'est Biohazard 3 d'abord, pardon. Donc il y a Jill après l'incident du manoir, les Stars reviennent de l'incident du manoir et essaient d'expliquer à Irons qu'il y avait donc Umbrella qui faisait des créations biologiques fortement dangereuses. Irons étant de connivence avec Umbrella, fait en sorte que ça sonne comme de la folie des membres des Stars. Ainsi, Chris Barry décide d'aller en Europe pour aller enquêter sur Umbrella. Jill décide de rester à Raccoon pour enquêter sur Umbrella au sein de Raccoon. Finalement, qu'est-ce qui se passe? L'incident biologique fait que Raccoon se fait complètement infecter. Jill décide donc de se barrer. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a le gouvernement américain qui veut balancer, enfin le Sénat américain pour même être plus précis, veut envoyer un missile sur Raccoon. Mais Umbrella envoie l'UBCS, qui est donc une unité de sauvetage de civils, afin d'empêcher le Sénat américain d'envoyer le missile. Tout ça en diffusant ça à la télévision pour dire, bah, regardez, on envoie une unité d'élite afin d'aider le peuple, mais ça cache dans le fond le fait qu'il y a des observateurs et des membres de l'USS, donc l'Umbrella Security Service, sont là pour récupérer les données d'Umbrella, récolter des données de combat, des données de combat qui permettront de développer d'autres ABO, armes bio-organiques, afin de servir économiquement à la société. Pendant ce temps, Jill se barre, elle se fait infecter par le Némésis. Entre-temps, il y a l'armée américaine qui se fait défoncer par les armes bio-organiques qu'il y a dans Raccoon et décide donc de mettre un blocage, mais finit par se barrer bah parce qu'ils sont juste en train de se faire déglinguer. Il y a Léon et Claire qui débarquent. Donc Léon qui, malencontreusement, devait arriver beaucoup plus tôt à Raccoon, mais s'était bourré la gueule après avoir rompu avec sa meuf dans un motel du coin, arrive en retard, et il y a Claire qui débarque en retard parce que bah, la meuf elle débarque en moto comme une sauvage, parce qu'en même temps la meuf c'est une sauvage, pour retrouver son frère. Les deux se rencontrent, mais ils se retrouvent en pleine apocalypse zombie. Finalement ils se rendent compte que tout ça a été fait par la société Umbrella. Et que pire que ça, il rencontre donc une jeune fille qui est du nom de Chérie, et Léon rencontre une meuf qui s'appelle Elda, qui est déjà citée dans l'original. Et en fait, on se rend compte bien plus tard dans le jeu que Chérie, donc la fille de William et Annette Birkin, qui sont deux scientifiques d'Umbrella qui travaillent sur le projet du G-Virus, le projet du G-Virus étant censé être une amélioration du T-Virus, mais le G-Virus étant censé être un virus qui devait faire évoluer la race humaine, afin que la race humaine s'améliore tout simplement, devienne surhomme, sauf que ça a foiré,
et que vu que Birkin voulait quitter Umbrella parce qu'il ne voulait pas que son G-Virus soit utilisé comme une arme biologique mais comme un outil pour promouvoir l'évolution humaine, s'est fait buter par Umbrella qui refusait qu'il vende son G-Virus à l'Amérique, au gouvernement américain pour être plus précis. Du coup, il s'est fait buter, il s'est injecté par le G-Virus. Et par conséquent, commence à foutre un peu le bordel. Et Ada, quant à elle, est une espionne industrielle qui voulait récupérer donc les données de combat et le G-Virus afin d'accomplir sa mission et pour le vendre au plus cher. Les deux réussissent donc à se barrer. Plus tard, Jill réussit à se réveiller et réussit à se barrer de Raccoon City qui finit par se faire exploser par un putain de missile. On en arrive bien plus tard. Non, mais attends, putain, elle se fait exploser par un missile. Mais pourquoi elle se fait exploser par un missile? Parce que justement, c'était pour que toutes les preuves de la connivence du gouvernement américain envers Umbrella soient éliminées. On en arrive plus tard à Bio 4, qui a choqué beaucoup de gens, mais fondamentalement, il résume juste ce qui s'est passé dans les opus précédents. Wesker est donc de retour. Il n'a pas pu vendre les données de combat et l'embryon du tyran à une société rivale d'Umbrella. Et donc, par conséquent, est obligé d'agir comme homme de main pour aller récupérer le thé Alexia afin de pouvoir monter en grade dans cette même organisation, afin d'accomplir son plan de d'évolution massive de la race humaine. Sauf qu'il se fait encore empêcher par Chris, et donc on en arrive au 4, où il essaie de récupérer le Plaga, qui lui permettrait encore plus de prendre du contrôle sur cette même organisation. On en arrive donc au 5, où le BSA est créé entre-temps, sous l'égide de l'ONU, afin d'envoyer une unité d'élite sur les champs de bataille, afin de tuer les armes organiques, ou même d'empêcher les actes bioterroristes. Sauf que ce coup-ci, Wesker, eh bien, a eu accès à tous les virus dont il voulait avoir pour créer donc ce virus ultime qu'il voulait avoir depuis l'opus original, afin de faire cette évolution forcée de la race humaine, ou bien cette extinction massive de la race humaine. Sauf qu'il se fait buter. On arrive au 6, et je pense avoir résumé le scénario du 6 tout à l'heure. Il y avait de la géopolitique avec ce côté. Le gouvernement américain était de connivence avec Umbrella, mais finalement c'était juste une partie du gouvernement américain représentée par Simmons, etc. Et je ne parlerai même pas de Revelations premier du nom, que j'ai déjà bien résumé tout à l'heure aussi. Je pense avoir fait le bon résumé de la série DG. Bravo, chapeau. T'as fait tout ça sans notes. Sans note, ouais. Putain, chapeau. Alors, si là on n'a pas un vrai fan, et je constate que tu as complètement exclu le set. Bah c'est compliqué en plus de résumer tout ça parce que même moi je me rends compte que j'ai zappé énormément de détails. Ah, mais ce qui me fait marrer, c'est que t'as pris Perpète pour résumer les premiers, et Code Veronica, le 4, le 5, c'est à peine une ligne. Je crois que ça résume tout par rapport au scénario. Le truc c'est que 1, 2, 3 pose une base, 5, 6 font la fin en fait. Du coup, les deux, en fait. Ces opus-là sont complémentaires entre les deux. Mais en fait, si tu veux, t'as 1, 2, 3 qui sont le début, et t'as 6 et 7. 6 et 7, oula. 5 et 6 qui sont la fin. Donc les deux sont complémentaires, mais ils font pas la même chose. C'est sûr. C'est pour ça qu'en fait, si je résume la base dans 1, 2, 3, j'ai pas besoin de le faire dans 5 et 6. D'accord. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Mais là, j'essaie d'être synthétique. Ce que j'aurais aimé, c'est un mot de fin sur ton appréciation globale de la série, ce que ça représente pour toi, Biohazard. Qu'est-ce que ça représente pour moi, Biohazard? Biohazard, pour moi, c'est du gameplay excellent, une ambiance de ouf, un scénario qui me prend pas pour un con, qui me présente des choses extrêmement intelligentes, sans pour autant me faire de la logorée pendant 10 plombes. Mais qui pour autant, quand je l'ai refait, je peux juste jouer au jeu et prendre mon pied
là-dessus. Pour moi, c'est une série qui est cohérente de but en blanc, qui me propose même des délires différents à partir de chaque jeu. Donc ça veut dire que chaque jeu me propose une expérience différente. Je ne me lasse pas de cette série-là. Quand bien même il y a des opus qui ne me plaisent pas, ça reste des opus qui sont en règle générale des Biohazard. Bon, c'est pas le cas du 7, on soit bien d'accord. Mais en règle générale, j'ai une série complète, unique, singulière, qui fait que depuis 22 ans, je ne m'en lasse pas. Et c'est une série que j'aime beaucoup et que pour laquelle j'ai énormément de respect. Je suis attristé qu'on la résume à des superlatifs assez bêtes. Parce que pour moi, Biohazard, c'est plus que ça. Et c'est pas juste parce que je suis un gros fan, c'est pas juste parce que je lis trop de ce qu'il y a dans la série, parce que tout ce que je dis, je m'en suis rendu compte en m'intéressant en version japonaise. D'accord. Pour moi, je pense que Biohazard, il faudrait. Je pense que les gens qui pensent que c'est nanar ou que c'est bébête, il faudrait s'y réintéresser, essayer de se dire qu'est-ce que les gens ont voulu dire, qu'est-ce que les scénaristes ont voulu dire dedans, comment le jeu est pensé. Et une fois qu'on comprend tout ça, je pense qu'on a un énorme plaisir à jouer à cette saga en fait. Bah Derek, je te remercie. Est-ce que tu souhaites encore répondre à quelques questions du chat? Bah carrément, si les gens Alors veulent me poser attention des parce questions, moi je que suis chaud. je te préviens, il y en a un paquet. On y va. Alors, il y a Kylor qui te demande c'est quoi cet anti-américanisme primaire? Bah pourquoi ne pas être anti-américain en fait? Toi, t'as fond japonais, hein. C'est même pas que je suis à fond japonais, c'est juste que j'aime un pays qui me propose ce qu'il me propose. Le problème de l'Amérique, c'est que c'est un pays cosmopolite, qui cherche un mélange, qui n'a aucun putain de sens. Tout ce que les Américains me proposent en règle générale, c'est un gloubi-boulga que je comprends pas. Quand je vois des trucs ricains, je comprends pas le délire, et en plus de ça, il faut forcément se mettre sous l'égide américaine. Il faut forcément faire des trucs qui ressemblent à des trucs ricains. Et les ricains nous écrasent tellement culturellement qu'il faut faire des trucs ricains, sinon c'est pas bien. Et moi je comprends pas ça. Moi j'aime les œuvres japonaises parce qu'elles me donnent des trucs japonais. Il y a même des œuvres espagnoles que j'aime bien parce qu'elles me proposent des trucs espagnols. Mais moi je me dis pas, bah tiens, ça ressemble pas à des trucs ricains, donc c'est pas bien. Moi je me dis, bah c'est un truc qui vient d'un pays, donc j'aime bien. J'aime le délire de ce pays-là. Tu portes Du toujours coup, ton blouson de Ryuazuki? pardon? Tu portes toujours ton blouson de Ryuazuki? J'ai pas compris. Ton blouson de Ryuazuki dans Shenmue. Bah, j'ai un blouson Ryuazuki, ouais. Je Tu vois le toujours portes pas toujours ou là. pas? Je comprends pas. Est-ce que tu le portes encore? Bah, je le porte encore, hein. Ce mec aime le Japon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Est-ce que le RE Engine est bien traduit en japonais? Je sais pas, c'est. Ah bah c'est ton pote qui a écrit le R-Engine. R-E-Engine. Est-ce qu'il est bien traduit en japonais? C'est du troll, j'ai pas envie de répondre. Ah, une bonne question, tiens. Que penses-tu de Evil Within en sachant que le premier était fait par Shinji Mikami? Je sens que mon bro il va pas être d'accord, mais il se ferait bien mon avis là-dessus. Mais moi, le problème, c'est que le premier Psycho Break, pour moi, c'est j'ai l'impression de voir un gloubi-boulga de Bio et de Silent Hill. J'aime pas ça. Le jeu m'amuse pas. Je trouve pas le scénario intéressant. J'ai l'impression de voir un jeu purement marketing, en fait. Du coup, je trouve le jeu pas génial. Et on peut dire que le gameplay était pourri. On te demande que penses-tu malgré l'aspect what if que les DLC de RE2 Remake apporteront des choses intéressantes? T'en répètes-moi la question? Malgré l'aspect what if, donc et si, est-ce que les DLC de RE2 Remake apporteront des choses intéressantes? De toute façon, même Bio 2 avait des dramas albums qui étaient très bons et qui rajoutaient au canon, sans pour autant de canon eux-mêmes. C'est là où il faut faire la part des choses, hein, c'est que même une œuvre qui n'est pas canon peut apporter des informations canon à la série. Donc ça peut potentiellement apporter quelque chose, effectivement. Que penses-tu de Devil May Cry? Bah, j'adore les DMC. Premier DMC, il est excellent. DMC 2, un peu moins. DMC 3 est très bon. DMC4, c'est l'excellence.
DMC5, j'ai énormément peur. Je suis un peu plus en demi-teinte que ce que je disais à l'époque, parce que là, après le remake du 2, je me dis je veux bien lui laisser une chance, mais là, le problème, c'est qu'on parle d'un jeu d'action très nerveux, qui se base surtout sur les cancels. Là, avoir des animations, justement, avoir un moteur qui se base plus sur des animations réalistes, alors que tu es dans un jeu qui est censé avoir des animations assurées. J'ai très peur de ce qu'on va avoir. Ok, il y a le jump cancel, mais je doute qu'on ait accès à l'excellence de DMC4. Alors pour les films, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde, mais aucun regret du fait de ne pas avoir pu avoir la version de Romero du film Resident Evil. Je savais même pas que Romero devait s'y coller, hein, j'étais pas au courant. Ben, disons que les films d'Anderson, c'est de la merde, mais la version de Romero, ça aurait été mieux, mais ça aurait été de la merde quand même. Et là, je vais peut-être choquer beaucoup de gens, hein. Le script de Romero, je l'ai lu, et franchement, c'est de la merde. Très honnêtement, le mec n'a rien compris à Biohazard. Et je pense même que c'est là tout le problème de Romero. Il fait des trucs très bons dans ce qu'il fait. C'est un génie en termes de zombies, hein, y a pas de problème. Mais putain, sans déconner, tu lui mets de la science-fiction entre les mains, le mec, il sait pas quoi faire. Hein. Et ça se voit dans son script du film Bio. Ça Y devait a pas un peu de science-fiction, c'est raté, quoi. se faire quand ce film avec Romero là? Bah, juste avant les films d'Anderson, en fait. Ah C'était un d'accord. an ou deux avant. Je me souviens plus. Ça se trouve, j'en avais entendu parler, mais je ne sais plus. J'ai plus de souvenirs de ça. D'accord. Moi, perso, pas de regret parce que je trouve que ça fait longtemps qu'il a sombré dans la merde en fait, Romero. Donc, bon. Voilà, disons que moi je dirais juste un truc, hein. Si vous voulez une bonne adaptation de Bayo, donnez-moi du pognon, je vous fais une adaptation cinématographique du truc, ça sera bien plus fidèle, quoi. Alors, sors-nous déjà la rétrospective et après je dis ok. Déjà, on veut la rétro. Les RE se passent majoritairement aux States, donc c'est logique qu'il y ait une direction artistique américaine, non? Bah, sauf que non, parce que c'est ce qu'on appelle l'Amérique du Japon. C'est que le Japon te met le truc aux États-Unis parce que c'est plus simple, parce que t'as des armes à feu. Donc tu peux te faire plaisir vis-à-vis de ça. Parce que tu mettrais le jeu en France, ça passe pas. D'ailleurs, pour dire un truc très fun, hein. Après 96, il devait y avoir un autre Biohazard qui s'appelait Sengoku Biohazard, dirigé par Okamoto. Et ça devait être un Biohazard dans l'ère du Sengoku. Et donc tu devais jouer un samouraï dans une maison japonaise. C'est devenu Onimusha, non? Et c'est devenu Onimusha, ouais. Et donc du coup, c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il voulait des armes à feu pour faire un gameplay très précis. Sauf que va mettre ça en Europe. Comment tu justifies le truc dans le contexte pour mettre des armes à feu? Les armes à feu, c'est un truc de ricain. Sauf que fondamentalement, 96, tu le résumes à quoi quand tu vois la gueule du jeu? C'est une bâtisse européenne. Ça va pas plus loin que ça. La bâtisse, elle est européenne. Oui, t'es dans une ville américaine. Mais t'es dans une bâtisse européenne. Bio 2, même Bio 3, c'est une ville inspirée de Chicago. Et Chicago, elle est inspirée de quoi? Elle est inspirée de ville européenne. Donc t'es toujours dans un délire plus européen qu'américain. Donc oui, tu peux t'inspirer de l'Amérique pour faire un truc. Là, y a pas le problème. N'importe qui peut s'inspirer des. Mais ça dépend de comment tu le fais. Le truc, c'est que Biohazard gardait toujours ce côté très Jap dans la manière de voir les choses. Et c'est là est la différence. J'apprécie pas les jeux de ricains parce que les ricains font des trucs de ricains. Alors je leur reproche pas de faire des trucs de ricains. Parce que moi, j'aime pas les trucs de ricains. C'est pour ça que moi, quand le Japon me fait des trucs en s'inspirant de l'Amérique, de l'Europe, etc., moi, ça m'amuse parce que c'est un délire de Jap. C'est comme Camilla quand il fait Bayonetta. Il s'inspire de la théologie chrétienne. Pourtant, j'ai pas vu de chrétien gueuler sur Bayonetta. Alors que t'es complètement dans un délire. Même le premier Devil May Cry, hein, il est complètement dans la théologie chrétienne. Pourtant, personne n'est choqué de la chose. Parce que t'as ce délire Jap, du machin. T'as ce recul japonais de la chose. Si on prend des choses d'un autre pays, mais on s'amuse avec à notre sauce. Et là, pour moi, toute la différence du paradigme, en fait. Mais c'est pour ça que en règle générale, j'aime pas les jeux de ricains, parce que les jeux de ricains, pour moi, se ressemblent tous. Alors que le Japon, quand il s'inspire d'un autre pays, il va réussir à faire des choses différentes. Derek, l'absence de la mie géante, des araignées et le remplacement des plantes mutantes par des zombies végétaux te cause-t-il un problème? En fait, on s'en fout, parce que dans Bio 2,
la mythe géante, tu t'en bats les couilles, tu vas dans la salle, tu vas sur le PC, c'est bon. Les araignées, elles sont juste dans deux passages de l'égout. Tu cours à côté, tu t'en bats les couilles. Pourquoi les rajouter dans le remake en fait? Alors pourquoi ils ont viré les araignées et les corbeaux? C'est une question de Jill Valentine. Bah apparemment, c'est parce qu'ils voulaient pas déranger les arachnophobes. Moi, je pense honnêtement que là, c'est plus une excuse marketing et je pense honnêtement que juste parce que ça sert à rien en fait. Attendez, ils ont viré les araignées du remake là? Ah dommage. Ah, moi c'est un truc qui m'a bien fait flipper dans l'original. Bah, le truc, c'est que ça marchait dans 96 parce que 96 se base sur la peur primaire. Toutes les peurs de l'humanité sont dans 96. T'as la peur de l'humain, t'as la peur de l'insecte, t'as la peur du serpent, t'as la peur de l'araignée, etc. Tout est représenté dans Biohazard de 96, ce qui n'est pas le cas du Biobeur en fait. Ouais, mais ça avait sa place quand même. Dommage qu'il le virait. Je regarde pour les autres questions. McFly qui dit peut-on envisager un Resident Evil 8 avec un retour des caméras fixes même partiellement sur certaines portions? J'en doute fortement. Pour moi les caméras fixes c'est pas quelque chose marketingement parlant, ils peuvent pas le ressortir. Là, c'est fini, je pense. J'aime beaucoup les caméras fixes. Hein. Franchement, on me demande à moi. Hein. Un nouveau bâillon en caméra fixe, je dis oui. J'aime les caméras fixes, je suis un grand fan des caméras fixes. Mais marketingement parlant, économiquement parlant, je pense pas que ça passe. Ah, une bonne question. Que devient Billy Cohen? Billy Cohen ne réapparaîtra jamais. Il devient quoi? On ne sait pas. On sait pas, d'accord. Il n'y a rien dans le canon qui. On sait juste qu'il s'est barré. Voilà, c'est tout point. Le tyran de Resident Evil Zero est-il le même que celui du premier opus? Non, c'est pas le même. Celui du 0, c'est le T001 et celui de 96, c'est le T002. Celui du 0, c'est un prototype. Bien. C'est un prototype. Le problème, c'est qu'il était trop sauvage pour être contrôlable. Du coup, il est considéré comme un échec. Bien. Bah écoutez les gars, il y a encore des questions, mais là il est tard, il est 3 h du matin, messieurs, on va s'arrêter là. Je crois que c'était un grand live. Derek, je te remercie parce que c'était extrêmement complet et en plus t'en as gardé sous le pied pour le rétro. Bah écoute, hein, j'essaie de faire au mieux. Hein. Je crois que c'était instructif. On va demander au chat, est-ce que ça vous a plu, messieurs, cet exposé de Derek? Je crois que vous pouvez le remercier. On peut toujours faire un prochain live une prochaine fois aussi. Si les gens veulent poser des questions une prochaine fois. Pourquoi pas? Comment ça, Francisco? Oui, mais attendez, on peut pas lire toutes les questions, les gars, il y a trop de questions. Alors, la dernière question, j'ai la dernière. Derek, est-ce que Wesker aurait... Quoi? Aurait pu violer Jill pour faire Jack dans Resident Evil 5? Ben non, hein, je veux dire, tout est écrit dans les documents du 6. Jake a le surnom Mueller et la concession de Jake a eu lieu en 92. Donc c'est pas possible. C'était pendant que Wesker était comme agent d'Umbrella, il a rencontré une meuf, il l'a baisée et puis voilà quoi. Et Je veux pour... dire, putain les gars, vous savez pas compter des dates? On te demande pourquoi les livres de SD Perry, c'est de la merde. Bah parce que d'une, ils sont pas canons, que la meuf les a torchés en même pas quelques mois, que littérairement parlant, c'est de la merde. Et que. Il n'y a rien à retirer des romans de Perry, en fait. Bon, attention, là c'est vraiment la dernière question. Il y en a deux, mais je vais les mettre en une. Alors, c'est quoi tes attentes pour Resident Evil 8? Quel personnage tu voudrais? Et est-ce que ça va se rapprocher plutôt du 2 remake ou du 6? Moi, ce que j'attendrais pour le 8, ça serait. Jake Sherry contre Wesker et Alex. Ah ouais, ah, ça me C'est ferait plaisir aussi. Ah bah on a trop été laissé en suspense avec la fin du 6, c'est terrible. Bon, messieurs, c'est un grand live. Je suis content si vous avez aimé. Faut vraiment remercier Derek, il a tout fait. Magnifique, grand travail. On voit que le mec, c'est un vrai passionné. Un très très grand connaisseur. On attend sa rétrospective. Et Derek, je vais te laisser conclure le live. Les derniers mots, c'est à toi. Dernier mot, bah, jouez à Biohazard. Réfléchissez à ce que vous voyez quand vous jouez à Bio. Et n'oubliez pas que chaque Biohazard, c'est un univers indépendant des autres. Et qu'il faut accepter chaque Bio pour ce qu'ils sont. Et qu'il faut s'éclater dessus.
Ouais, je pense que je résumerai la chose comme ça. Écoutez, sur ces bons mots, messieurs, on va se laisser. On vous souhaite une très très bonne soirée et je vous invite à aller voir la chaîne de Derek pour mater les trailers de la rétrospective Resident Evil à venir. Derek, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et on se dit à la prochaine, peut-être pour un prochain live sur Resident Evil. Bonsoir, messieurs.